Bien le bonsoir, bien le bonsoir à tous et bienvenue dans On fait le point, votre hebdomadaire sur les jeux de baston qu'on aime tant Même dans ces jours pleins de chaleur, hein, bien sûr cela va de soi J'espère en tout cas que vous allez bien car euh, aujourd'hui nous sommes sur Twitch Donc bien le bonjour Twitch et également bien le bonjour Youtube hein, Car évidemment cette vidéo, euh, ce live même, va se retrouver sur Youtube hein, Et chapitrer euh, demain matin vers les coups de 4h30-5h euh, évidemment quand j'aurai fini de mettre ça en ligne bien sûr Et pour m'accompagner ce soir, hein, et bien comme d'habitude je suis accompagné <laughs> des meilleurs les seuls, les uniques. Oui. On va commencer par eh bien, euh, celui qui a des lunettes. Hein, à votre avis, qui est qui <laughs> euh, Mon premier a des lunettes. Euh, je ça parle paraille. avec un micro euh, devant la bouche. Et je porte aussi un t-shirt. Mais j'ai plus de cheveux que les autres. Mais niveau capillairement parlant, j'en ai aussi. J'en ai aussi sur les joues. Bien le bonjour, Martellus. Comment ça va Ah, Bonsoir. Oui. Euh, ça va chaudement euh, Hydratez-vous euh, pensez à bien vous hydrater, surtout avec toutes les news de Street Fighter ou autres ah. céleri sur Guilty Gear. Donc euh, hydratez-vous, c'est bien. Parce qu'avec tout le sel qu'il y a, je pense que vous en avez besoin. Ah, merci. Merci ouais, pour ouais. ce teaser, Martellus. Toujours sur les bons coups, celui-là. Ensuite, qui est qui J'ai des lunettes, je porte euh, un t-shirt, je suis aujourd'hui mal rasé, mais il fut un temps oh. où je faisais des compétitions IRL, même le Capcom Pro Tour, lorsqu'il ah. n'y en avait pas. Je suis, je suis... Link Excellent Bien le bonjour Link, et comment et ça va Bonsoir, bonsoir, écoute, euh, exactement comme Martellus, très chaudement, mais, euh, mais sinon ça va. Content des, des news de Street 6, donc on va en parler, ça va être très très cool. Excellent. Alors, je porte des lunettes, j'ai un t-shirt, euh, évidemment j'ai un micro avec moi pour papoter, je suis, je suis dans une dimension parallèle avec mon fond vert, je suis, je suis Kima, comment ça va mon cher Kima Bah ouais, écoutez, ça va super. Euh, une bonne semaine encore une fois, beaucoup de streaming sur les internets. Oh oui. Euh, j'ai plein de choses à dire car j'ai testé Street Fighter 6, c'est faux. Et ok, euh... merci, <rire> merci. <rire> Et voilà, Quel connard. On aime, on aime, on aime ce genre d'intervention. Je te mets un 10 <laughs> sur 10 parce que tu le mérites. Voilà. Aussi, aussi, euh... qui est qui Ah, qui est qui Je suis aujourd'hui pas rasé euh, de près, évidemment. Et je porte euh, quelque chose qui s'apparente à du tissu sur le dos, bien sûr. Et, semble-t-il, c'était mon anniversaire hier. Arctal ah ouais. aux anniversaire Joyeux Merci. anniversaire Joyeux anniversaire. Je, je, je vais pas te mettre du Dorothée, parce il y a le DMCA qui me guette, voilà. Toi-même, <laughs> tu sais. Mais le cœur y est. Joyeux anniversaire, ça te fait quel âge T'as le droit de mentir. Merci. Alors, je vais dire 46 ans, dans ce cas-là. <laughs> ah, monsieur aime les petits secrets, ah, donc... Euh... <laughs> <laughs> Moi qui aurais pu penser qu'il aurait dit la vérité. Monsieur a 46 ans sur les internets. Respectez-le, respectez, -le, respectez -le, oui. le daron. Comment ça va? Voilà. J'espère que t'as. J'ai vu, j'ai vu que t'as fêté ça, monsieur. Ouais, monsieur est dans les propres, petits hein. papiers. Euh, oui, wow. bonjour, non, je vais ouais, en tranquille. soirée, mon den. Alors, t'as passé euh... un bon anniversaire, est-ce que t'as été gâté? Est-ce que t'as eu un anniversaire que, comme tu, comme tu l'aurais espéré Ouais, ouais, ça par contre, ouais. Je remercie beaucoup euh, Bakaane et Impact qui ont organisé avec... Euh... Avec d'autres qui étaient sur place, et le trop de noms, je pourrais même pas tous les citer. Mais franchement, ouais, c'était, vraiment super. Je sais pas si ça s'entend, mais j'ai un peu la voix cassée. Tout à parce fait. Parce que ça a chanté, dansé, crié, bref, euh, la FGC, quoi. Donc. <laughs> trop bien. <laughs> C'est des ambiances comme en tournoi, sauf que c'était pour un anniversaire. Et ouais, c'était, c'était superbe, c'était super. Eh bien encore, euh, jeux anniversaire hein, pour tes 46 ans. Mmh, mmh. Laisse-moi te dire, mmh. Actal que tu ne les fais vraiment pas. Mmh. Et ce soir, pour nous accompagner, Pape, Pape, notre intervenant préféré. Eh bien le bonsoir, Pape. Hein. Comment que ça va bien Est-ce que tu as passé une bonne semaine Est-ce que tu es hype En deux mots, en deux mots. Est-ce que tu es hype avec Guilty Gear Strive euh, On est fatigué. Bon, ça fait okay, trois. mois ça mots. fait trois. Mots, mais eh ça passe. <laughs> ça passe. Du coup, est-ce que tu as passé une bonne semaine je suis fatigué. Ah, bah voilà, trois mots aussi, ok. Ça fait six en tout. Ok, très bien, pas de problème. Très bien. Bah écoutez, le programme de la semaine, d'ailleurs, merci beaucoup, Easy Man. Et toi, KX Comment ça va, KX Comment ça va, KX J'entends des voix qui me demandent comment je vais bien. C'est que celle de mes compagnons. Pardon. <laughs> Qu'est-ce qui. Pardon. Bonsoir. On J'ai entendu des trucs dans mon oreille. Mais bah écoutez, moi, je vais plutôt bien. Je. Je récupère petit à petit de mon kick combattif. Hein. Je tousse beaucoup moins. Hein. Ça y est, hein. le, le le Covid commence à être très très loin. Euh, dimanche, je suis allé voter. Euh, et puis aussi, ah, je fais un montage euh, sur Street Fighter 6. Hein. Euh, voilà, hein. un montage qui normalement devait être pré mardi, mais au vu de ma petite santé, voyez-vous, ça a été un peu retardé. Donc du coup, et eh bien, ce sera, j'espère, hein, euh, Demain, demain dans la matinée, il euh, y aura un petit montage euh, sur Street Fighter VI. Euh, voilà, je euh, j'hésite pour le titre hein, de ma vidéo. Vous allez me conseiller là maintenant, tout de suite. On prend deux minutes comme ça, vous, vous pour me conseiller en direct, hein, y compris le chat. J'avais J'hésitais entre. Euh, euh, J'ai pas testé le jeu, mais je vous fais quand même <laughs> une vidéo. Voilà. Où, <laughs> je donne quand même mon avis. Je donne quand même mon avis. <laughs> ou euh, je suis pas dans les petits papiers pour tester le jeu, mais je vous fais quand même une vidéo. Voilà. J'hésite entre l'un ou l'autre. <laughs> euh, Bon, on va parler de Street Fighter VI tout à l'heure et tout ça pour vous dire que finalement, on peut parler de Street Fighter VI sans forcément l'avoir testé, mais, euh, mais euh, parce que voilà, on a été gâtés sur les internets, donc euh, ça fait plaisir, on est dans une, dans une vibe en ce moment euh, d'actu comme ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu, hein. Guilty Gear, Gear Strive la saison euh, 2 euh, qui fait du bruit, euh, les news autour de Street Fighter VI qui fait du bruit, euh, on a aussi des news sur KOF 15 qui fait... Du bruit un peu, euh, oui. voilà, on a pas <laughs> mal de news. Donc bon, le programme est ah, est vraiment euh, chargé. Donc on va commencer immédiatement avec eh bien euh, les résultats de la semaine. Hein. On va la semaine dernière, on avait fait un petit euh, un petit essai hein, sur euh, vraiment le, le rush euh, autour des résultats de la semaine. On va tenter le coup aussi cette semaine. En commençant, eh bien par la salty EU qui a proposé un tournoi et eh bien sur l'un des jeux du cœur. Hein, euh, euh, voilà de, de de certains joueurs. Est-ce que quelqu'un arrive à reconnaître les personnages et le jeu? Et oui, maintenant je vous teste. <laughs> euh, Melty, allez. Je crois. Ah, oui, oui, il faut mêler. tester. Voilà, il faut. C'est un peu les devoirs. Là, on est arrivé à la fin de l'année. Euh, c'est le bac. Hein, euh, c'est les examens. Euh, voilà. Maintenant, euh, je pense que pendant toute l'émission, je vais tous les interroger, voir si ça suit ici ou si ça, ça grabouille euh, sur la feuille. Euh, voilà. Hein, sinon, vous allez au tableau direct. Alors, effectivement, hein, Melty euh, sur Salty eu avec. Et eh bien, euh, si on en parle, c'est parce qu'il y a du français. Zéphirion, qui est arrivé. Et eh bien, cinquième de ce top huit porté par euh, Tumbleweed. Voilà, hein, ici on est français donc on sait pas ce que ça veut dire euh, Tumbleweed. Voilà. Ou TMTC. Pelouse, tout à fait, merci. Et euh, du coup, euh, eh bien voilà, hein, euh, la France RPZ, ça fait extrêmement plaisir, avec un petit espagnol, hein, un Européen euh, espagnol comme ça là dans, dans le coin, euh, troisième, un raid, et puis on a surtout, surtout euh, de la Russie, hein, avec KDC, Chubbs et Western. Et aussi, regardez la septième place, on a aussi Kaleris, un autre Français qui est RPZ, et en tout cas, eh bien, le GG, le GG aux, aux joueurs, c'est trop stylé. Saltireux, toujours, mais cette fois-ci côté Guilty Gear, Strive, avec, regardez, dans le top 8, remporté par Zando, hein. Euh, comme d'habitude. Et eh bien, euh, on n'a pas de français malheureusement hein. Donc voilà, hein, c'est OK. Euh, Zandou... Pardon Wakaï. Wakaï, oui. Ah oui, c'est oui. ce qu'on disait en off Bon bah, voilà, as... <laughs> tu as le tu as le visuel. <laughs> C'est ce passé Il va voilà. falloir Et que je rebranche je le, le jeu. Là. Ouais. Voilà, donc euh, <laughs> voilà, va falloir un peu plus de... Mer merci, bien cordialement. Donc Zando qui remporte la Salty EU côté Guilty Gear Strive. Euh, toujours Salty EU, mais cette fois-ci sur le jeu du cœur de... Eh bien... Euh, quel est ton jeu du cœur euh, euh, Link Excello, interrogation là. Hum, attention euh, Street Fighter V merci merci beaucoup ah là j'ai mal au cœur je viens de perdre dix ans en un coup là en une seconde du coup non non mais pas celui-là pas celui-là pourquoi pas celui-là Si si il est très bien aussi celui-là oui voilà bien sûr il a le rollback netcode tout ça c'est juste que si je dois dire mon jeu du cœur c'est pas cette version là parce que j'ai pas commencé avec celui-là il y a l'aspect nostalgie tu vois ah oui bien sûr bien sûr on comprend on comprend il y a pas de souci en tout cas dans 8 remporté par 10 144 un hein, allemand et eh bien on a ccp en troisième position un hein, rpz la france donc euh, le gg le gg on enchaîne rapidement avec et eh bien toujours celle une, mais côté dragon ball fighters et nanago un hein, rpz fr qui euh, remporte et eh bien le tournoi et il a aussi un autre français hein, euh, deux français même un hein, cinquième place avec et eh bien euh, image et maître poulet en huitième position donc le gg hein, franchement euh, la France est toujours là, même s'il n'y même si a pas du Wawa, du Wade ou autre. Euh, voilà. Le, le, fort, le fort est super bien gardé. Et voilà. Voilà. ça prouve encore que la France est... est une des nations. Pour les, pour les, les Wawa, laissez-les se préparer. Et ils voilà. vont aller vos signaux, machin. Tout à fait. Pas, ils sont là aussi. Salty EU côté Cov15 et cov 15 et bien regardez regardez il y a M Sal je suis allé sur je suis abonné enfin je suis dans un groupe sur Facebook de joueurs de la Maghreb tout ça machin et ils ont clairement mis un post comme quoi et bien M commençait un peu à leur casser les pieds et qu'il était peut-être temps de se bouger le popotin pour essayer bien de le détrôner car il semblerait que et bien ça fait plusieurs épisodes que M le Turc remporte et bien top 8 un salty EU évidemment ça a sorti euh, les phases logiques hein, du euh, du lag etc tout ça mais quand même hein, ils ont eu la décence de dire que malgré qu'il y a eu quelques petits il y a quelques petits pics de lag et eh bien M mérite tout euh, mérite amplement sa première place et donc euh, M hein, qui est suivi de près par eh bien un deux trois quatre cinq six joueurs du Maroc hein, Javil Wolfman Yoroshi Megaman X Frame et OZ. et on peut voir ici hein, euh, j'arrive pas à voir c'est quel pays euh, ah UAE et eh bien c'est SAI qui euh, aussi dans le top 8 donc cof 15 euh, des rankings cov 15 attention sur leur, sur leur version pc hein. ensuite et eh bien il y a eu aussi et euh, eh bien euh, alors ça je crois que j'ai déjà fait oui ça j'ai déjà fait ouais. en double pardon Pape, Pape FGC qui nous a organisé un petit tournoi. Et oui, Pape FGC, je n'ai pas oh oublié bon. que tu avais organisé un petit tournoi sur le Grand Bleu Fantasy versus. Et Aréfou remporte la première place, Aréfou. Hein. Et qu'est-ce que tu as à nous dire rapidement, vraiment rapidement sur ce top 8 euh, de euh, voilà, c'est ton événement. Euh, on en profite pour que tu puisses en parler. Hein. étais dans le vif du sujet. Une petite synthèse en quelques mots de ce top 8, de, de cette compétition même euh, sur euh, Grand blue Fantasy versus, mon cher Pape. Alors, euh, du coup, c'est euh, un tournoi pour les francophones. Du coup, hein, c'était pas ouvert à l'Europe puisqu'il y a d'autres événements qui vont arriver pour les Européens. Et moi, je me suis surtout focalisé sur, le, sur, sur les francophones parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. Alors, il y a des, quand même quasiment une quinzaine de personnes qui étaient présentes, donc ça c'est cool. Et euh, bah un super bon top. 8 très content qu'Arifou euh, a pu gagner parce que vu qu'il essaye un petit peu de revenir euh, sur Grand Blue, bah ça fait plaisir de voir que bah en essayant de revenir tranquillement sur le jeu, hop, un petit top, un petit top 1 pour lui. Sachant qu'en plus de ça, il y avait de l'argent à gagner, un hein, mon argent en plus de ça, donc. Euh, <laughs> très content de stop top suite euh, aussi quelques petites perfs aussi du côté de la 5 place avec Riuri qui est un peu mon, mon, mon élève de cerise hein, j'ai envie de dire qui a pu enfin se hisser à une très belle 5 place et euh, à voir si, euh, si pour lui il va continuer dans, 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 dans cette lancée voilà très bien et apparemment prochain event DNF voilà ça a annoncé la couleur donc si mm -hmm. vous voulez faire vos premiers tournois ouais. DNF let's go sur le compte Twitter de PafFGC car le monsieur va vous, va vous mettre bien hein, côté euh, organisation de tournoi ensuite et bien la Saltman League côté euh, Guilty Gear Strive et bien Skill avec euh, alors Skill dans les commentaires ah. disait que bah il est bizarre euh, j'ai pas vraiment joué euh, le perso donc j'ai pas vraiment suivi la compétition mais euh, voilà pourquoi son Kai ressemble à Sol dans l'image donc il semblerait que Skill n'a pas joué Sol mais plutôt Kai donc il arrive oui. premier premier de ce Salt Mine et euh, il y a aussi Pinhead en quatrième position hein, pour pour ce Salt Mine sur Guilty Gear Strive et ensuite et eh bien comme d'habitude on a les habitués avec du Zando qui cette fois-ci a fini cinquième voilà, quand hein. ce qu'il est dans le, dans le coin, faites gaffe à vous, quoi, les gars. Et, et puis voilà, donc il y a aussi de l'anglais, il euh, y a du norvégien, bref, il y a tout un tas de, de nations différentes, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la France. On fait un peu les chauvins. Donc, le GG Skill et Pinhead. Côté Saltman League, pardon, Mind League, je vais y arriver. Euh, Street Fighter 5, V, Endin Walker, qui finit en première place, face à un Valmaster en seconde place. Et évidemment, derrière Indian Walker, hein, très jeune, jeune prodige, hein, faut pas oublier que encore, je crois, au collège ou un truc comme ça, ou en début de lycée, hein, je sais plus trop, 13 ou 14 ans selon les, les légendes. Hein, eh bien, il a fini en première position euh, face à un Valmaster, euh, voilà un Valmaster qui d'ailleurs n'a que félicité euh, son adversaire. Donc bon, ben euh, il semblerait que certains joueurs... Voilà, jouer sans râler, exactement. Et il semblerait <laughs> que certains joueurs sur les internets aient relevé l'information et, euh, et euh, auraient décidé de participer au prochain Mine pour essayer eh bien, de contrer la courbe de progression de Ending Walker en espérant que Ending Walker joue également à Street 6 euh, l'année prochaine. J'ai une bête. question. Ah, vas-y! Ending Walker, tu as dit que c'était un adolescent. Euh, il a il est adolescent là actuellement, il a quel âge à peu près? 15 ans, 15 ans, non 15 ans, c'est l'adolescence. D'après ce qu'il dit, attention. C'est la légende des Koyazaki, bien sûr. Alors, en fait, pourquoi je remonte Parce que, ça m... en fait, quand on a parlé, ça m'a mm -hmm. fait penser à un joueur de Mortal Kombat aux états unis Ninja Killa. Faites mm -hmm. fait très attention aux jeunes joueurs, les gens. Ah bah oui, Parce que... il Parce commence... oui. en fait, Ninja Killa, il a commencé sur la fin de Mortal Kombat X, mm -hmm. il a défoncé les gens sur Mortal Kombat 11. Donc lui, c'est pas impossible que s'il se met sur Street 6, ça mm -hmm. puisse être une des premières têtes à... Bien sûr. à aller euh, chercher quoi et d'ailleurs il a euh... commencé il jouait au clavier c'est pour ça qu'il jouait au pad tout à fait et ça, là petit à ça. petit il se met à jouer d'autres personnages qui ont des quarts de cercle ok ah, voilà ça. donc euh... parce que, euh, non il peut, il, je sais plus je crois qu'il joue au pad maintenant mmh. mais euh, ouais il a commencé au clavier il a commencé okay. en, mode, en mode moderne quoi maintenant il est en classique mmh. ah, et mmh. je sais plus si c'était si lui qui avait dit ça attends j'ai un doute mais euh, on a dit qu'en gros, ses parents ne voulaient pas trop qu'il joue aux jeux vidéo et du coup, c'est pour ça qu'il joue au clavier parce qu'il a un PC portable. Mmh. En non, c'était pas lui, c'était un, ouais. un ouais. joueur un de autre. Je connais, je connais la bien, bien, je, mais... je connais très bien la strat. <laughs> euh, bien <laughs> joué. Très, très bien, ensuite, bien, on part du côté ah là là, d'un tournoi, d'un tournoi, tournoi le Vexed. Vexed quoi Vexed so 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 Non, 500. 500. Oh, je... 500. 500. 500, 500, 500. 500. Et oui, c'est voilà. pour la thune. Est que... voilà, il y avait 500 dollars, 500 dollars à remporter dans ce Vexed, un hein, tournoi euh, européen, mais voilà, le problème c'est que bon ben bah, euh, lorsqu'une organisation n'est pas à fond dans les jeux de baston, et eh bien côté euh, promotion c'était pas ouf. En tout cas, c'était Tyrant hein, qui avait re-streamé -re euh, organisé le live sur euh, ce tournoi là et devinez qui est le vainqueur Devinez, devinez, devinez Devinez oh, oh. Ah, ah, et bah c'est exactement la même finale! Valmaster qui a perdu <laughs> face à Endin Walker euh, et qui voilà qui est passé à côté des 500 euros. Donc, euh, eh bien, j'ai euh, euh, l'impression d'avoir exactement le même truc que la salle hein, On a <laughs> un Hurricane ici qui perd en demi-finale et tout machin. Donc, bon bah le GG, indin hein, Walker qui commence de plus en plus à, 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 à s'imposer sur la scène online euh, eh bien de Street Fighter V. Maintenant, euh, à voir comment il va se débrouiller avec euh, tous les darons, hein, avec du problème X, du euh, Mr. kimson tout ça, tout ça. Mais en tout cas, eh bien, Endin Walker ça fait plaisir de voir que ce jeune joueur euh, euh, est arrivé à ce niveau-là aujourd'hui hein. clairement 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 trop bien trop stylé maintenant c'est le capcom pro tour Japan comme dirait le jeu dans Street Fighter 2 et eh bien c'est Momochi qui remporte avec son codi hein, le la licence e-sport bien sûr souvenez-vous hein, Momochi avait remporté une compétition à l'Evo Japan hein, et il avait gagné que 500 euros oh, oui, là, oui, on oui. l'a mis le couteau sous la, <laughs> sous la gorge tu veux 500 euros ou non c'était combien 900 euros ou 9000 euros le mec dit, ouais, je vais plutôt prendre la 9000 euros ok je vais retourner ma veste alors qu'il avait justement euh, milité euh, durant plusieurs mois ouais la licence on, on a plus de liberté eh bien comme quoi voilà allez des bisous il, il, il fallait, fallait manger, manger tout le à loyer. fait exactement <laughs> il n'y a pas que <laughs> des streams dans la vie et donc Momochi avec son Cody remporte et euh, eh bien cette euh, compétition et Pugera avec son boxeur hein, qui finit deuxième il y a eu du reset hein, bien sûr hein, pour ceux qui étaient avec voilà. moi ce week-end et avec même Link et euh, eh bien on suivit euh, cette compétition et, et voilà Momochi qui a fait un très très bon euh, très très bon parcours et euh, les grosses surprises il hein, n'y a pas de Daigo Daigo

Clairement, clairement. Et donc, de grosses surprises. Hein. Pas de Bonchan dans le top 16. Pas de Fudo. Kawano. Pas de Fudo. Ah ouais, 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 ouais. Bref. Il euh, y a eu beaucoup de, eu beaucoup de, de, de joueurs qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et pourtant, malgré des noms que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir, eh ce n'était pas tous de jeunes joueurs. Hein. La moyenne d'âge, hein, c'était la trentaine, limite quarantaine ah ouais, ouais. Hein, de, dans ce tournoi. Hein. Ouais, ouais. Il y a eu des surprises. Hein. L'âge de mmh. Yusama, qui a... <laughs> quand on a mmh. halluciné sur l'image. Ouais, et clair. apparemment, on n'est pas les seuls parce qu'il a tweeté sur le fait. Euh... Que tout le monde était étonné de son âge, mais ouais, mmh. on est sur là, une moyenne avait... d'âge là. Il a 37, 37, ans. 37 il ouais. est vieux, ouais, il ah, est, ouais. est vieux. Et <laughs> là, on est vraiment sur une moyenne d'âge d'au moins mmh. 35. Je crois qu'il a que Iguchi qui est mmh. à la vingtaine là. Et d'ailleurs, une pensée pour tous ceux qui n'ont pas forcément fait les bons pronostics durant les lives hein, euh, sur la chaîne d'ici, mmh. j'en pense à bien sûr à Swailio, qui est depuis oh. Broc, <laughs> qui a plus une tune euh, en point de chaîne sur euh, ma chaîne. Voilà, des bisous Swailio. <laughs> Ensuite, la Topanga, hop là, la Topanga, et eh bien, ça y est, on a les finalistes de la Topanga League, euh, mmh. ça y est, là, l'événement commence réellement, parce que si tout se passe bien, c'est du présentiel, Link, hein c'est à partir de demain euh, en présentiel. Euh, donc, on a eu la liste. Il y a eu un petit euh, tiebreaker euh, pour déterminer le dernier joueur entre John Takeuchi et Kawano. Ça, c'était euh, la semaine dernière. Ouais. Euh, John Takeuchi l'a emporté. Donc, Kawano éliminé de la compétition. Et du coup, on va avoir droit euh, à 7 euh, joueurs. Ouais, sept joueurs 7 euh, John Takeuchi, Momochi, Gachikun, Tokido Fudo, Daigo Pugera qui vont s'affronter normalement euh, offline euh, en route Robin. Donc, tout le monde affronte tout le monde. Euh, je pense que la target va être Momochi, hein, du coup, mmh. qui vient de gagner. Tout à fait. Euh, intéressant de voir ça. Clairement, <laughs> ça commence demain. Et d'ailleurs hein, petite mention, il hein, y a deux Cody dans ce euh, dans ces dans ce top 8. Hein. deux Cody, on a deux Poison, euh, on a un seul Luc, un Guile, Hermika, Poison euh, et Rachid. Voilà donc euh, avis à ceux qui ne savent pas qui jouer avant la sortie de Street 6. un hein, petit okay. Cody des familles hein, si vous voulez déjà euh, grinder les points de chaîne. Ensuite, eh bien maintenant c'est maintenant on a passé, on a on a eu les résultats de la semaine, on va euh, passer sur l'actualité de la communauté hein, en commençant par toi qui m'a qui m'a un tournoi ce 17 juin à 20h, est-ce que tu peux rapidement nous en Dire plus, l'ami Ouais, alors ce sera, bah, comme tu l'as dit, le 17 à 20h, donc vendredi. C'est un tournoi, comme d'hab, comme j'avais l'habitude de faire, débutant, donc euh, rookie vers gold. Bon, je sais que c'est toujours les fameux débats euh, ultra gold, presque platine, on sait pas. On compte sur la bonne volonté des gens. Euh, Bien mais, sûr. Euh, on ira check les historiques si vraiment il y a des trucs frauduleux. Mmh. Euh, voilà, mais bon, soyez soyez des êtres s'il vous plaît. Et il euh, y aura une, une plutôt belle récompense, du coup, pour ça, c'est. Euh, Luffy qui offrira une heure de coaching aux au gagnants voilà pour, pour vous améliorer euh, dans Street 5 avec peut-être Street 6 en qui sait. Euh, c'est cool pour, pour une dernière parce que oui c'est une dernière hein, du coup. Il euh, y aura plus de From One to God sur Street Fighter 5, il y en aura sur d'autres jeux évidemment. Il y aura peut-être des From One tout seul sur Guilty Gear Strive, qui oh. sait. <laughs> mais, euh, mais voilà. Voilà voilà. Eh bien, go vous inscrire sur le lien start.gg. Et oui, c'est maintenant, maintenant que maintenant ça s'appelle start.gg. Hein. C'est fini smash, hein. Des bisous. Ouais. Euh, sur le, le compte Twitter hein, de KimaLive, Live, hein, vous avez tous les euh, tous les liens. Donc, euh, let's go. Hein, si euh, le message est passé, je pense. En tout cas, merci, merci beaucoup Kima pour euh, l'organisation, pour ce concept qui est complètement euh, stylé. Merci encore. Euh, la dose, la dose qui euh, a lancé ses inscriptions pour ce dimanche 26 juin 2022 hein, euh, pour son ranking 1005. Et oui, ça fait la 1005 e semaine qu'ils organisent. Un ranking, c'est ouf, hein. faites le calcul. Ça fait trois ans, un peu plus de trois ans. Oui, je sais, je calcule vite. Et euh, du coup, et oui, bien, comme d'habitude, ça se passe à l'Epic Tech Lyon 100% baston de l'arcade de la console. Tous euh, les liens sont enfin, tous les liens d'inscription sont dispo sur le site officiel, point hein, ladose.net. Tout simplement, euh, petit piqueur de rappel ce week-end. Hein, si vous êtes dans les environs de Lyon, hein, dans les Rhônes-Alpes, ou même si vous ne savez pas quoi faire et que vous êtes loin là-bas euh, de Lyon, et eh bien, vous pouvez prendre le train, le bus, l'avion, l'hélicoptère, euh, même euh, venir euh, avec un euh, avec euh, un dauphin voilà hein, pour la référence et voilà merci et pour euh, <laughs> bien doser avec euh, la communauté hein, sur euh, non que Street Fighter 5, hein, parce que on va se retrouver à la source e-sport, et la source e-sport, eh bien ce sont des PC, et vous connectez votre contre, contre Steam, pardon, et vous jouez au jeu que vous voulez, hein, qui, qui, qui est le jeu disponible dans votre bibliothèque Steam. Donc certes, l'événement est là pour rameuter des joueurs de Street Fighter 5, sachant que la première édition qui a eu lieu un ou deux mois en arrière s'est passée super bien. et eh bien là, pour 10 euros par personne, vous venez doser tout le week-end au même endroit, à la source e-sport. Donc euh, voilà, n'hésitez hein, pas, il hein, n'y a pas de limitation de, 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 de personnes, parce qu'il n'y a plus de une centaine de PC qui sont mis à disposition. Donc, plus il y a de monde, et plus on récupérera des PC pour nous. Donc bon bah voilà. Hein. Sachez qu'également sur place, vous avez de quoi vous restaurer. Donc euh... et puis niveau accès, c'est très simple. Hein. Vous prenez le tram à partir de la gare. N'importe hein. quelle gare de Lyon, euh... gare à Lyon pardon, parce qu'il y a la gare de Lyon à Paris. Donc n'importe quelle gare à Lyon, vous prenez un tramway qui amènera à 100... vous amènera à 100 mètres de la de la ben, du lieu de de, de... de rendez-vous. Et en parlant de la source e Sport, eh bien on va aussi souhaiter un joyeux anniversaire à la Source. Hein, qui a ouvert il y a tout juste un an. Voilà. Donc, bon, ben, euh, jeux anniversaire, la source. Hein, jeux anniversaire, hein, Goura, tout ça, tout bravo. ça. Voilà. Donc, euh, bravo, bravo, bravo. Et et et, et, et à l'année prochaine encore. En espérant et que soit encore l'année. <laughs> et oui, surtout à ce week-end, <laughs> c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Autre événement de la communauté, Kampai, qui lui de son côté organise un tournoi COF15 ce 25 juin 2022 à 21h. Voilà. Euh. Et attention, attention, ça se passe sur PC. Et eh oui, la plateforme de qualité, la plateforme avec un bon euh, input lag. <coughs> Pardon. Et euh, donc du coup, pour sa première édition, et eh bien cet événement est soutenu par SNK. Oui, regardez le tweet officiel de campagne hein, qui voilà même SNK qui est à fond derrière sa communauté et ça c'est vachement cool. Et eh bien si ça vous intéresse de doser, et eh bien il y a un lien d'inscription sur le compte officiel hein, Twitter Team Underscore. FFC, voilà. Euh, autre tournoi de la Commu, et eh bien ces trois hit Combo qui eh bien, annoncent de nouveau organiser ces rankings. Et le premier de cette nouvelle saison aura lieu le 26 juin. Voilà. Le premier ranking est gratuit pour tous les nouveaux inscrits. Donc, euh, bah, si vous êtes dans le coin hein, euh, euh, du côté de Rennes, eh bien, euh, let's go, vous aurez la possibilité de jouer à Tekken 7, Strike, Street Fighter 3, Strike, Street Fighter 5, Guilty Gear Strive et KOF 15. Et donc, bon, bah, pour plus d'infos, eh bien, let's go, soit sur Twitter Ranking 3 Hit Combo ou euh, sur le compte officiel 3 Hit Combo. Tout simplement. Euh, toujours côté communauté, hein, c'est Bum163 qui annonce que eh bien son Hit Wave. Heatwave euh, eh bien va avoir 1000 euros de cash price supplémentaire par jeu. Bon bah voilà, OK hein, le mec, je ne sais pas d'où il sort l'argent. Euh Get passe à 3500 dollars, DnF Duel à 3000 dollars, Dragon Ball Fighters 7000 dollars, 15 3500 dollars, Skull Girl, Skull Girl comme ça au calme, 3000 dollars. Bon bah voilà hein, il, le il tas... mec, c'est voilà un prêt à la consommation c'est pour mmh, de ouf. Incroyable, incroyable non, hein, il a dit regarde, c'est dans le deuxième paragraphe, il dit que c'est un c'est un dégât son entreprise a mis mini balles dedans. Oh bro. Apps Boy Company. Ça Microsoft. sera là, FGC, non Franchement, franchement, frère, franchement, c'est lourd. Donc, eh bien, le <laughs> Hitwave aura lieu euh, le, du 8 au 10 juillet et c'est le top 8 qui sera, eh bien, rincé par ce cash price. À quand autant de cash price euh, pour une, un tournoi euh, en France ou en Europe. Et d'ailleurs, j'ai envie de faire rapidement le petit calcul. On a 7 et 3, ça fait 10. Et 7, ça fait 17. 20 000 dollars, 20 000 dollars dans l'événement. Ok, de cash price au total pour, euh, entre les jeux. Rien que ça. Putain, euh... Franchement, sur 20 ans, tu le sens pas hein Ouais, franchement, ouais, sur 20 ans, que dalle. <laughs> ah, le petit événement. Alors, pour la petite anecdote, nous, on voit, moi, je vois, on est transparent, on est entre nous, je vous raconte un peu l'histoire. Sachez qu'il y a Link Exelo dans notre compte, enfin, euh, dans notre conversation WhatsApp qui nous dit, eh les gars, j'ai été euh, tagué pour cet événement-là. Effectivement, hein, c'est pas faux. Et quel événement? Eh bien, un événement qui va avoir lieu à, au Qatar, semble-t-il, hein, à Doha. Je mets, il y a un H, donc il faut euh, mettre ça là. Et donc, il y aurait 5000 000 dollars euh, de 5000 dollars réservés, eh bien, euh, je, je crois peut-être au top 8 ou, euh, ou, ou autre. Et, euh, et voilà. Minimum. Donc, minimum. minimum, minimum. minimum. Vas-y. Bah, je, 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 on le sent, Kexelot, a envie de dire des choses là-dessus. Allez, vas-y. Qu'est-ce que c'est que cet événement Alors, ce, de ce que j'ai lu, euh, c'est un événement du coup, qui se passe au Qatar. Euh, il va y avoir... Euh, 8 joueurs invités, euh, 8 joueurs qui doivent se qualifier, euh, et dont un joueur qui, qui peut se qualifier online, si je dis pas de bêtises. Mmh. Euh, il faut être... Ah non, c'est... Ouais, du coup, c'est ça. Donc, ça fait un top 16. Euh, top 16 qui va être divisé en 4 groupes de 4 euh, qui s'affrontent en round-robin. Ensuite, il y a un top 8. Et le top 3 euh, repart avec un minimum de 5000 dollars. Euh, voilà. Ça va se passer dans une, apparemment dans une salle e-sport 360 degrés avec des caméras partout et tout. Très stylé. Euh, sais, apparemment, c'est une nouvelle marque en fait, qui se monte. Une marque d'écran, stick, je ne sais pas trop. Euh, Nioibo, ça s'appelle. Euh, du coup, ils utilisent ça pour faire la promotion de, de leur équipement et euh, on va voir ce que ça donne. Donc, moi, ouais, j'ai été tagué dessus. Je ne sais pas trop pourquoi. Euh... Pourquoi moi Mais euh, écoute, euh, why Moi je t'ai dit, ils, ils ont vu le film de Multiversus, <laughs> ils ont dit c'est lui. Eh, ils ont dit, euh, euh... je pense... Et eh, on a mis la pression un petit peu avec ce petit film. Tu <laughs> vois, tu <laughs> vois, coup, tu <laughs> joues à <tu rire> <joues, tu rire> Multiversus, c'est e-sport, frère. <laughs> voilà, tu et vois. voilà. Et tous se débloque, tout se débloque. <laughs> moi et je me exactement. suis dit, ça y est, je suis invité, trop bien, let's go, on y va. <laughs> en fait <laughs> pas du tout, ils m'ont stagué pour que je retweete. <laughs> et j'avoue, j'avoue, j'avoue. Donc... Je suis d'accord avec ce que Zilla dit dans le chat, c'est radin 5K euh, pour le Qatar, j'avoue. Il y, a, il y a un milliardaire oui. qui a vendu la roue arrière de sa Ferrari et qui a, qui a financé un truc. Même pas. Oui. Mais là, je pense que ah, c'est une nouvelle marque qui s'ouvre, donc je ne sais, euh, sais pas trop le budget de, de ce sponsor-là. Ah oui, sachant que je n'ai pas précisé aussi, la California Night se passe. Euh, enfin, l'host de, de la California Night n'est pas au Qatar, mais, euh, mais en Espagne et, et c'est réservé aux joueurs européens. Du coup. Très bien, très bien. Merci, Inkexello. Hein, tu nous diras si. Euh, Honnêtement, tu es intéressé par ce, ce tournoi-là euh, ouais ouais par contre je suis pas du tout inscrit donc il faudrait peut-être que j'y pense mais euh, eh bien, les, inscriptions, oui, ouais, les inscriptions ont lieu sur le compte Twitter hein. Nio Alors euh, je vais vous les pêler, hein pour ceux qui sont en, en, en podcast alors c'est euh, N-Y-O-I-B-O- et brand comme la marque en anglais B R A N D tout attaché sur Twitter et vous aurez le lien start.gg pour vous inscrire à ce tournoi en ligne enfin ou du moins aux qualifications en ligne. Merci ah, mais les chez... qualifs c'est samedi donc euh, merci à tous, je n'irai pas du coup. Bah tu peux <laughs> les faire bah si tu peux les faire à partir de la source. Il y a des PC c'est vrai, c'est vrai, mais est-ce que c'est vraiment marrant de faire ça Je sais pas. Pouah. Bon écoute, je te laisse <laughs> organiser, hein, et puis euh, c'est toi qui vois. Ensuite, le mix-up... En tout cas, il n'y a que 22 inscrits pour l'instant, il y a moyen de... Voilà, bon, il y a Crimson et tout, mais... L'argent <laughs> de l'e-sport, l'argent de l'e-sport, bien sûr. Évidemment. The Mix-up qui annonce que, eh bien, euh, il sera également proposé aux joueurs des tournois sur Street 2X et sur Strike, pour rappel, hein, The Mix-up va avoir lieu le 1er et le 2 octobre à Lyon en France, donc voilà un avis aux joueurs arcade parce que oui, parce que oui, les tournois vont avoir lieu sur borne. Donc, si vous jouez à la manette sur une version anniversary collection, et eh ben vous pouvez passer votre tour, et eh oui, mais euh, c'est pas grave parce que euh, euh, voilà, il y aura quand même du spectacle. On imagine hein, pour tous les dozer euh, hardcore dozer de, de ces jeux arcade, et eh bien ce sera euh, leur rendez-vous à ne pas louper, surtout en France où avec le Covid, et eh bien on n'a pas eu trop, trop d'événements arcade euh, pour euh, cette communauté là. Donc, euh, ravi de savoir que et eh bien. Euh, la dose, organisateur de, du mix-up, eh euh, euh, leur réserve un tout aussi beau rendez-vous. Ensuite, eh bien, c'est du côté de euh, Bruxelles Challenge qu'on a découvert, qu'on nous annonce plutôt, eh bien, que le tournoi à Guilty Gear Strive va avoir lieu, non pas sur PS4, non pas sur PC, non pas sur PS4 Fat, ni sur PS4 Slim, mais sur PS4 Pro. Voilà, on optimise Input Lag. Donc, bon, bah, le GG, hein, bonne décision. Bonne décision, et en parlant, eh bien, des décisions, euh, il faut savoir également que, eh bien, euh, L21, L21 est banni, hein. De, 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 de comment s'appelle du du, euh, du Bruxelles Challenge je vais essayer de vous retrouver le tweet hein. je pensais l'avoir mis hein, mais là je me suis aperçu que j'ai fait une petite bourde que j'ai changé de navigateur vous voyez mais euh, voilà c'est officiel voilà bim je vous ai retrouvé le tweet L21 est officiellement banni du euh, Bruxelles Challenge et voilà petit à petit hein, L21 qui va devoir attendre la sortie du patch euh, en juillet pour de nouveau ouais. sortir euh, sortir de cette galère là car euh, il y a un patch vivre. avant il euh, il, euh, qu il, qu il... Libre, ils disent que. Enfin, en gros, elle ouais. serait pas bad aussi. Hein. Ouais, si, euh, le est patch, patch, less patch un less, à peine, bien sûr. Ou... Mais, euh, ouais. mais effectivement, vu que Bandai Namco oh. a annoncé que euh, le patch allait avoir euh, lieu en juillet, mais vous le savez, un juillet, il n'y a, y a pas 24 jours euh, en, en juillet, il y en a au moins 30, semble-t-il. Euh, ah bon Ouais, ouais, je vous jure, je vous jure. Vous prenez vos mains comme ça et vous avez des boss. Faites... Janvier, c'est la première boss. Donc vous allez voir que juillet, il y a 31. <laughs> voilà. Et ensuite, quand vous prenez la deuxième main, la deuxième boss ça fait 31 août aussi. Voilà, moi j'ai appris ça quand j'étais en primaire. Euh, mmh. Bien sûr, hein, www.malife.com. Euh, mmh. Ensuite, eh c'est Wade qui lance un petit message. Hein, si vous voulez aider Wade à aller euh, ben, euh, se taper euh, l'Amérique sur, euh, sur Dragon Ball Fighters, eh il est possible de l'aider avec un crowdfunding, un hein, GoFundMe sur le site officiel. Et donc, euh, son objectif, c'est d'aller au moins au CIO. J'aurais tendance à lui dire, mec tu préfères, je, ce serait mieux que ouais. t'attends un peu de l'évo je pense que c'est un peu plus rentable ouais. pour toi hein, euh, parce que auras les, auras les les hôtels où tout le monde va doser à l'infini ce sera plus rentable en plus dire. pour 10$ dollars tu peux manger euh, à volonté euh, dans les buffets à Las Vegas tout ça tout ça donc bon dans tous les cas si vous voulez aider Wade à partir aux États-Unis pour eh bien euh, foutre une fessée euh, à la communauté américaine de Dragon Ball Fighters eh bien c'est possible sur le grand Fund Me qu'il a créé si vous voulez avoir le lien précisément eh bien allez sur son compte Twitter hein, Wade FGC 971 voilà pour, euh, pour Wade. Ensuite, eh bien, on va rester côté euh, joueur et la triste nouvelle, c'est que Gila, eh bien, quitte les Dragons de Niortais. Voilà, et il se retrouve free agent. Hein, euh, bon, ben, bah, euh, c'est dommage. Euh, on ne sait pas quelles sont les raisons, hein, mais si vous avez un peu jeté un petit coup d'œil sur les internets, vous avez pu remarquer que les Dragons Niortais, petit à petit, euh, voyez ces joueurs partir au compte-goutte et y compris les euh, euh, ceux qui sont euh, dans l'organisation de euh, eh bien du du roster FGC. Donc, euh, évidemment, inspecteur euh, KX va bah, enquêter. Yasha et Wade, euh, c'est pareil. Hein. Et oui, vas-y, vas-y, vas-y. Premier, premier témoin. Alors, dis-nous tout, Arctal Qu'est-ce que oh, tu vois comme information euh, oh, J'ai pas plus de news que ça. Ils ont l'air trucs en interne. Moi, ce qui m'a plus ou moins étonné, c'est de me dire que Ace, qui était le vice-président de l'association, il a quitté euh, pas loin après, tout à fait, je crois, euh, l'association. Mm. Donc ouais, j'ai trouvé ça tout aussi bizarre. En fait, il reste que Junanago, mm. qui fait partie euh, des Dragons New Yorker maintenant. Donc je ne sais pas comment ça va se passer euh, au sein de l'association, puisque j'étais pas dans les petites papiers, hein, je ne suis pas, bien sûr, bien pas sûr. chez des, un Dragon du mais mmh. c'est vrai que du coup on peut se poser la question du comment ça se fait que euh, bah, euh, ils ont quitté euh, comme ça, ils ont quitté après le Combo Breaker, est-ce qu'il y a un lien, euh, je ne sais pas, le Combo Breaker, ils ont fait tous les trois une performance de fou. On ouais, demander à... à la mairie Niort, euh, t'inquiète pas. Voilà. <laughs> je pense que Où on sont les, les financements Où sont les financements, exactement. Mais quid du coup de nos jeunes joueurs qui perfent et perfent et perfent et qui. Ben, euh, ont toujours pas de sponsor, ou non plus de sponsors, plutôt, pour être plus précis. Tout à l'heure, j'avais vu un tweet de Yacha, il avait carrément un agenda avec tous les... tous les tournois dans lesquels il voulait aller. Trop bien. Pour pouvoir performer. Euh, il est jamais trop tard. Si jamais il y a une voix qui écoute ce, ce, ce comment dire, cette émission, que ce soit en podcast audio ou vidéo, il est jamais trop tard pour proposer un sponsor à, aux trois meilleurs joueurs d'Europe de Dragon Ball Fighters, si ce n'est du monde, qui se mettront, je le dis, sur les jeux de la prochaine génération, au moins Street Fighter VI et Project. -L. On croise les doigts, bien sûr. Et on va rester côté joueur et fin de partenariat. Et c'est The Fields. Souvenez-vous, pour ceux qui euh, ont loupé le train, eh bien, déjà, bienvenue à vous. Et euh, Fields avait remporté l'étape européenne, <coughs> hein, UK, euh, UK, Irlande du Capcom Pro Tour. Et 48 heures plus tard, il se voyait eh sponsorisé par la team SMPR eSport. Ah, et là, ouais. nous sommes euh, le 14 juin. Et, et c'est déjà terminado. Allez savoir ah, pourquoi. Eh oui. oui. Bah, oui. Souvenez-vous ce que j'avais dit. Au où, euh, où il a été sponsorisé, j'avais dit c'est bizarre, y a pas bon, y a pas grand monde dessus euh, sur ce sponsor là. Euh, Je pense qu'il méritait mieux et j'avais dit c'est bizarre. Hop, qu'est-ce qui se passe C'est fini. Voilà. Comment deux mois? Le bon deux bon Ouais, au, mois, deux au, au mois. moins deux mois. Su, 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 ouais, limite, ouais, deux mois. J'ai envie de te dire deux mois grand max. Faut voir quand est-ce qu'a eu lieu l'étape UK-Irlande, mais voilà, vous faites euh, cette date-là jusqu'à maintenant et, et c'était, euh, voilà, bon, c'est triste, c'est triste, mais bon, on ne se fait pas de soucis, on croise vraiment les doigts pour qu'il y, qu y ait la Capcom Cup, histoire que The Four Fields, qualifié pour là-bas avec Mr. Crimson, hein, <laughs> Cocorico, eh bien, euh, puisse s'illustrer convenablement et montrer que l'Europe RPZ est comme RPZ euh, sur Dragon Ball Fighters par exemple et aussi Guilty Gear Strive évidemment évidemment. Euh, maintenant que l'actu de la communauté euh, euh, et se clôture là maintenant on va passer aux news et au premier What the fuck de la semaine. Est-ce que vous êtes au courant d'une version euh, ultra méga giga collector de Tekken de Tekken 2 sur PS4 oui. et PS5? Ouais, ah, oui, oui. ah ouais non c est... C est... Ah, oui. Ah, ouais. ah oui ah oui. C'est un, un peu cher je un peu cher quoi. Ouais, oh, ça, va, ça va, ça va. Il a dit le prix, il est génial, ouais. merci. <laughs> ouais, C'est clair. Et oui, pour ceux qui n'ont pas l'image, hein, euh, PlayStation Store qui a fait une petite bourde hein, et qui ont vendu Tekken 2 l'espace de quelques heures mmh. hein, au prix de 9 999 dollars. Oui, ce n'est pas une joke. Hein. Donc euh, une pensée pour ceux qui ont mis clic euh, l'achat de ce jeu-là, en oh, espérant ouais, qu'il se soit fait rembourser, et bien, oh, sûr, ben, je... hein, bien sûr, bien sûr, bien hein, ouais, sûr. Je suis curieux de savoir ce qui se passe euh, dans ces cas-là, parce que... Ouais. Tu sais quand t'as quand as des bugs inverses genre euh, une Switch à 3 euros à la fois ils disent non on va pas te l'envoyer frérot, tiens on te mmh. rendait trois es euros. Est-ce que si tu payes Tekken 2 à 10 000 boules ils disent euh, ah bah vous dommage, avez payé oh... c'est pas notre problème. C'est ça <laughs> c'est ça. ça. J'en suis ouais, mais, euh, on, on suis sûr. J'en suis on sûr, sûr que. Ah, ouais, ouais. <laughs> ah, ouais, pour <laughs> voilà pour ouais, qu'on désolé euh, du bug mais pour compenser on vous, vous payez, envoie payez des coupons. Voilà, <laughs> à la galère. Il hein. y, y a pas pire que les coupons. Ensuite, est-ce que vous étiez au courant que, eh bien, il y a des, euh, il y a eu un trailer qui a foutu mal, euh, qui a mis en PLS certain, une communauté de joueurs, euh, notamment celle de Marvel vs Capcom, avec eh bien ce fameux <laughs> ah trailer, ouais. ce fameux oui. trailer, aïe ah aïe, oui. aïe aïe, ça fait mal, ça ouais, fait mal. Ouais. Hein. Pour ceux qui ont l'image, hein, on voit un il trailer. Y en a qui de... ont cru, hein. Il y en a qui vrai, ont cru qui alors ont cru. que c'est cramé. Hein. Alors, selon moi, oui. est-ce que ce serait par hasard des skins de Fortnite Peut-être non Ouais, j'ai pensé à ça. En fait, j'ai pensé à un skin de Fortnite. Au début, j'ai pensé à du, euh, à du MVCI en, en toute mmh. honnêteté. Parce que vu que la DA elle échange d'un personnage ouais, à un autre, je ouais. me suis dit, bon, à mon avis, à peut-être une DA propre à certains personnages de la MVCI. Mais ouais, je suis. C'est vrai que maintenant que tu le dis, il y a peut-être du Fortnite. Ouais, il ouais, y a peut-être, ouais, peut tu sais, tu prends le, 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 le truc 3D de. Le, euh, le modèle 3D de Fortnite, tu le modifies un petit peu si tu, sais, si tu ouais, touches ouais. le truc, et puis tu te fais ton petit machin, mais... quoi. Mais il y a des persos qui ne sont pas dans Fortnite. on a vu Megaman, euh, il n'est pas dans Fortnite, par exemple. Ouais, moi, je parlais de Ryu et Wolverine. Hein, ah, euh, ouais, ouais, ouais. Tu vois. Après, le reste... Euh... C'est stylé, hein, franchement. Ouais, stylé. Mmh. Clairement, le logo, est... il est claqué au sol. Je ne comprends pas. Quand... En fait, le truc, c'est que le logo, <laughs> il t'a induit que c'est fake. C'est fake, fou, ouais, de tout, tout à base, fait. Ouais, ouais, ouais. Clairement. Et, mais voilà, ça a rendu euh, les gens... Euh... Les gens sont Les gens hype, tu vois. Ouais, après, connais ça, beaucoup, aurait hein. été un, ça aurait été un très très mauvais move d'annoncer MVC4 4, après avoir annoncé Street 6 et mmh. se tirer une balle dans ouais. le Tout à fait. Ouais. fait avec Infinite, euh, sorti juste un an après les Street 5. En euh, mmh. ouais. plus du jeu qui était naze, euh, c'était un mauvais move. Hein. Ouais. ouais. Mmh. Mmh. Bon. Il pensait pour tous mmh. ceux qui ont acheté Infinite des bisous à vous bien sûr. Collecteur là derrière moi. Ah oh là, là là ouais ouf. On parle de jeux stylé eh bien DNF Duel qui a partagé un nouveau trailer, le trailer de Enchantress. Enchantress, regardez-moi ce cette, cette magie noire qui est illustrée dans cette vidéo là de trailer. Et, et honnêtement, moi personnellement, je vois des flammes violettes, ça me fait kiffer. Je sais pas ce que vous en pensez vous messieurs, est-ce que euh, comme euh, DNF arrive dans quelques jours, quelques semaines hein, tout cassé, est-ce que vous êtes de plus en plus hype pour ce jeu on commence avec Pape, toi qui es à fond dans ce type de jeu. Oui, oui. à ah, moi, ah, euh, moi, moi je suis très, très 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 client. Moi je vais euh, beaucoup faire de contenu justement pour DNF. On Excellent. avait parlé hein, lorsque j'avais mmh. fait, euh, fait, le tournoi de Grand Blue. Il y aura des, il y aura des, euh, des, des tournois online de mon côté du, du côté de DNF. En plus de ça, c'est du très bon rollback netcode. Donc évidemment, on va essayer de l'étendre à l'Europe. Mmh. Il y aura aussi, en plus de ça, des tournois qui vont arriver euh, offline en France. Hein. Le premier euh, qui a été annoncé, c'est euh, du coup le One chez NTK. Ouais. Qui propose en plus de Smash Bros. une partie FGC avec du coup Guilty Gear, Melty Blood, KOF 15 et du coup DNF pour, pour finir. Donc on va, soutenir, on, va soutenir à fond, on va soutenir à fond ce jeu là qui, bah, qui sortira du coup le 28 juin, le, le même jour que mon anniversaire. Hein. Voilà. Ah, notez, notez, notez ah, là le chat, hein. voilà. notez bien la voilà. voilà. date d'anniversaire. <laughs> et... ça, 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 montre, ça montre un petit signe là. Lorsque j'ai vu la date de sortie, j'ai fait Ah là, là ah. ça va être mon jeu là. <laughs> ça va être mon jeu. Et du coup, oui, l'Enchantress qui sera. Peut-être le dernier personnage annoncé, mais il se pourrait qu'il y aurait peut-être quelques personnages cachés, justement, qui, euh, mmh. qui, arriveront, euh, qui arriveront vers la fin. Il y a un personnage auquel on se dit ah, est-ce que c'est un personnage officiel Un peu comme Belzebub dans Grand Blue Est-ce que c'est un peu le boss final auquel il faudra finir le mode histoire pour le débloquer Il y a peut-être un bail du genre qui peut, se, euh, qui peut arriver, mais vrai, euh, les derniers personnages qui ont été annoncés après la bêta sont tous extrêmement stylés. Euh, le Launcher qui balance euh, tous ses armes pour faire exploser euh, tout le monde. L'Enchantresse qui est euh, bah, le grand classique je suis une sorcière. Euh, à l'âge millénaire mais j'ai le corps d'une petite fille moi yeah, j'appelle bah, ça une excuse voilà. mais il oui, y a des clients mais à mais ça bon, oui. voilà voilà il y a des clients voilà il y, des... y a des clients à ça et moi je dis il y a mieux des cb il y a et des euh... cb qui se perdent voilà il y a non, des CV qui mais... se perdent. Dis, pas, dis bah... pas tant mieux pour vous, dis pas tant mieux pour vous. <laughs> c'est trop grave, ça c'est beaucoup trop grave. Non, genre... <laughs> moi je dis j'appelle ça une excuse. Voilà, c on, ça, on connaît. Hein. dans grand bleu aussi il y a eu des excuses hein. Ah on oui, oui non, mais... Mm. Ça, mais bon voilà. il <laughs> si, ouais. ouais. y, -y, y en a aussi une hein, d'excuses d'excuse dans Blaise Blue, je crois hein, bien sûr. Mm. Oh là, il y en a en fait, pas que mais la première, la première la première du premier Blaise Blue. voilà. C'est des robots. La première pour moi ça reste vers hein, finalement euh, dans Bleuzebounan. Non ah, la, la vampire, vampire. Ah, chier, ah rachier, je l'avais ouais. oublié Oui, oui. oui. Corps d'enfant oui, oui, et oui, je suis vampire, mais... j'existe depuis ah, euh, même que t'étais encore mais... dans les couilles de ton père. Non mais attends 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 il y a ah. pire, il y a pire dans Guilty Gear. Euh, ah, Didi Diddy elle a Ah il y, y, y a Didi déjà, ah, il Didi y a Didi, Bridget ouais. aussi <laughs> Attends, il y a... Non mais attendez ah, attendez Dans Guilty Gear, Diddy a 3 ans. Elle a un gosse avec Kai. Qui est sin, ah, franchement, oui. moi, je sais plus quoi dire. Moi, que je la suis la pas dans ces choses de... chose là. Hein. Moi, ouais, je ouais, sais, je crois, on va euh... vite changer de sujet là. Ça me <laughs> <laughs> j'ai pas envie d'avoir le FBI. Il y a un un gros merci, hein. <laughs> merci Golgotha hein. de me rappeler qu'il y a le FBI qui nous regarde. <laughs> c'est chaud à ah. ah, ton histoire de Didzi Là, j'avais oublié, j'avais complètement, j'avais enlevé ça de ma mémoire, tu vois. Il va falloir que je fasse un nouveau formatage quand tu sais que c'est la fille de Sol et que Kai serait peut-être de la parenté de Sol aussi. Ça devient vite dégueulasse dans un autre registre. C'est génial le Lord de Guilty Gear. Allez, <laughs> on passe à la fin Allez, merci. Évidemment, si vous voulez en savoir plus, allez sur le, le compte YouTube de Coral, hein, Il en a fait une <laughs> vidéo qui vous explique tout ça. Hop, voilà et on se fout, fout dans la merde <laughs> allez hop euh, <laughs> ensuite des bisous à Coral ensuite eh bien on passe du côté de Lévo Lévo qui ça y est évidemment vous connaissez la chanson Lévo qui est géré par le mec du Como Breaker qui fait exactement le même euh, les la même promotion tout simplement donc du coup qu'est-ce qui se passe quand tu fais la promo de, du euh, du Como Breaker eh bien tu te tapes avec la même promo de Lévo et c'est celle de la liste du classement des jeux euh, de la liste des jeux pardon classée par nombre et regardez, en première place, on a Guilty Gear Strive, le game hein, qui euh, qui cartonne en ce moment. Hein. Bon, cherchez pas, au Combo Breaker, c'était le jeu avec le plus d'inscrits également. Et là, ensuite, en deuxième place, on a Street Fighter V Champion Edition pour sa dernière année. Et oui, hein, je pense qu'il y a un petit regain par rapport à Street 6, tout ça. Hein, tant mieux. Hein, euh, 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 félicitations. Ensuite, KOF 15. Oui, en toutes Il lettres. Que... Il hein. ouais, bah oui, <laughs> y a les sponsors derrière. Hein. Il faut qu'on puisse comprendre le nom du jeu. The King ah, oui, of oui, Fighters, oui. 15 également. 4 en troisième place. Tekken 7, toujours en vie. Hein, en quatrième place, et c'est trop stylé. Grand Blue Fantasy Versus en cinquième place. Euh... Grosse surprise, Dragon Ball Fighters en sixième. J'aurais imaginé que ça aurait été un peu plus. Melty Blood en septième. Mortal Kombat 11, Ultimate en huitième. Et Skull Girls en neuvième place. Chez moi, ma grosse surprise, c'est Dragon Ball Fighters. Mais après coup, tu te dis qu'en fait Dragon Ball Fighter, ça va être surtout la grosse vitrine de l'Evo, celle qui va permettre d'avoir plein de petites vidéos de trailers pour l'année prochaine et monter la hype autour de l'Evo. Parce qu'aujourd'hui, Dragon Ball Fighter, c'est ce qui remplace Marvel vs Capcom 3, hein, on va pas se le cacher. Et du coup, ma question, messieurs, quels sont les. Enfin, est-ce que vous êtes surpris par ce classement Et on commence avec toi, Arctal. Bah, c'est un peu comme pour le Combo Breaker, finalement. Hein, c'est euh, ah, Le Combo Breaker, pardon. À l'époque, on avait discuté. Euh... Mm. Pendant qu'il y avait le combo breaker, ça reste la même chose. C'est Grand Blue qui me surprend, moi. Mmh. Grand Blue, euh, bah, vous connaissez l'histoire hein Corona, pas de rollback, prix de ouf, mais communauté présente. Donc, euh, le GG à la commu. Des BFZ, bizarrement, moi, je suis pas plus étonné que ça. Ah, d'accord, ok. Parce que. Euh, comment dire En fait. Avec ce qui s'est passé, on avait, vu, on avait fait un comparatif des prix, je crois, oh. euh, des cash price des différents jeux pour le combo breaker. Bon, bah, ouais. finalement, ça se, ça se range là-dessus, hein, finalement, euh, Fighters. Les gens en ont marre de la côte. Euh, donc, du coup, ils s'inscrivent pas. Ah ouais, mais Bandai a décidé qu'il fallait faire un patch. C'est un peu tard. Ouais, oui. euh, du coup, euh, donc, ouais, je suis pas trop étonné. Pour la tête de liste, on va parler des 4 premiers jeux. Guilty Gear ne m'étonne pas, il mérite sa place de fou. Arc System a fait un travail de fou au niveau de la communication depuis la bêta. Ouais. Euh, de C'était à mars-avril je crois 2021. Et il y a eu là, les tournois, les Magic Obama, les BUM, les Lefen en, en Europe. On a eu PAP, on a eu Flash No, bref, je ne pas tous les citer, mais voilà, le jeu il vit. Il n'y a, a rien à dire dessus. Street, à la limite, c'est... Je sais pas. Le jeu, est... il vit, oh, non, quoi. Est vrai, Street hein. 5 il est... il est là, quoi. Alors que, justement, il était pas forcément... Il était pas deuxième euh, Combo Breaker, il me mm. semble. Ouais, il était dans le, un ouais, dans le 3. Dans top, 3, ouais, top 3, ouais. Il était deuxième, dans le top 3 ouais. Je crois okay. que c'était Kof okay. 15 qui était deuxième. Ça, ah, vrai. voilà. Bon, voilà. C'est inversé. Donc, du coup, bon, ok. Finalement, ça change pas grand-chose. Kof 15, bah voilà, le jeu, il marche. Et il est soutenu par SNK. Surtout. C'est sur... surtout ça qui fait que... Je pense qu'il est complètement dans le top 3. Mmh. Et Tekken, euh, bon, c'est une valeur sûre pour moi, ça n'a jamais vraiment bougé depuis. La... C'est quand même fou que Tekken, ça fait 7 ans et que le jeu, il est toujours dosé de fou. Hein. Mmh. Le jeu, il est sorti en arcade il est arrivé sur console en 2017, juin 2017 pour être précis. Il n'a jamais bougé, c'est incroyable. Mmh. Et ouf qu'il n'y a toujours euh... pas eu l'annonce du 8 alors que. C'est ça. Alors que, que c'était les meilleurs moments pour le faire bah bon. Parce que bah, je n'ai pas simplement hein. pas là Peut-être peut que pour être, eux, le, jeu, le jeu marche toujours pour eux au hein, niveau financier. Il euh, euh, y a toujours de l'argent qui rentre avec les DLC ou même des achats réguliers du jeu. À quoi bon sortir un 8 si tu peux continuer à, à, à voilà ouais, saurer euh, l'éponge quoi J'en mmh. ai bien peur. Mmh, alors, qui d'autre euh, sur, est surpris par cette liste, euh, euh, ce manifeste Est-ce que tu es mmh. surpris par cette liste-là Ouais, non, c'est la sainte trinité euh, des jeux de combat japonais. Enfin hein. mmh. Street of Guilty, euh, euh, ça a toujours été comme ça. Il ouais. y a pas grand-chose à dire, c'est pas très surprenant. il euh, y, y a pas de Smash pour détrôner tout ça. Il y a. Et oui, c'est vrai que cette année, il y a pas de Smash, tout à fait. Ouais. Ça aide un peu quand même. On va pas se mmh. mentir. Et franchement, il n'y a rien de surprenant. Juste peut-être, ouais, peut-être Grand Blue au-dessus de des BFZ c'est ok mais la communauté US est hyper à fond sur le jeu donc euh, c'est pas si étonnant que ça ouais. et euh, Dragon Ball, Ball Fighter Z qui euh, au-delà euh, des, euh, des derbies France US qui euh, bah, qui est timide hein, tout. Mmh. Donc, euh, mmh. donc voilà non je je suis pas hyper surpris y a rien pour moi il y a rien de choquant dans ce, très dans bien. ce, dans ce classement très bien qui, qui d'autre est surpris avant de passer à autre chose Parce Moi, je suis que... juste dégoûté que, que Capcom n'ait pas et pas communiquer sur le -com Pro Tour avant que les, chaud, hein. les inscriptions du... de l'Evo se terminent. Parce que. Qu'est-ce qui se passe là s'ils si disent euh, c'est k Pro Tour l'Evo mm. mm. Genre. Euh, bah, peux... C'est k Pro Tour, tu voulais t'inscrire pour participer au CPT et ben bah, ah bah, frérot, tu non. vas regarder. Et tu ouais. vas regarder. Dur, hein. franchement, dur, dur, et dur ce move-là. Là, ouais. mm. voilà, c'est. Bon, alors je comprends qu'ils étaient à fond sur euh, la communication de Street 6, mais. Mais je pense que... Ouais, là ils ont pas... Ça les arrange euh... bien d'ailleurs. Euh... Ouais, là ça les a <laughs> <laughs> Tout le monde est en mode oh, Street 6, et du coup le CPT ouais, oh, en fait, oh non, non mais c'est Street 6 C'est Street 6, t'inquiète pas 6. auras le World Tour dedans, t'en fais pas, tu feras Tiens, le tour du monde On te donne ta gueule T'inquiète, ah, a... il y a un nouveau perso demain Ok d'accord, très bien, on l'attend euh, De ouf, de ouais, ouf, là, effectivement hein, ouais. Tu soulèves un très très bon point et... Alors, on en profite, petite parenthèse de deux minutes là. Est-ce que vous sentez la sauce pour le Capcom Pro Tour Est-ce que vous sentez que cette année... Il n'y a pas le Capcom Proto à 48 joueurs. Ah, franchement, plus, plus ça avance, plus je me dis ça. Je me dis, mais ils vont les sortir d'où, là, à 48 à force Eh oui Parce qu'on oui. est en juin, on commence à pressentir que Street 6 est plus avancé que ce qu'on avait pensé. Donc on s'imagine que Street 6 serait peut-être. Euh, allez, on va dire. Si on, est au... si on est pessimiste, on peut dire printemps 2023. C'est si ce on... un... dans sa vidéo. attendez, ouais. attendez. Un autre truc, là. Si les Vaux, parce que là, il va, y avoir, euh, il va y avoir le CEO. Le CEO, il est pas CPT premier, on est d'accord. Là, il n'y a aucun tournoi qui est CPT. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Les Vaux, les Vaux, les Vaux, rien l évo, l évo, l évo RN annoncé. Du coup, oui, si oui. ces deux-là, qui sont aux États-Unis, ils sont pas CPT premier, Qu est-ce que concrètement, <laughs> va y avoir un CPT premier offline dans le monde En ouais, fait, euh, non je pense hein, <laughs> un Mais ouais, mais je pense moi, quand même moi... à un tournoi qui pourrait arriver. Alors, ça ferait vraiment à la ZOB hein. si tu mets ni Combo Breaker, ni CEO, ni euh, Evo, je suis d'accord. Mais je crois qu'en octobre prochain, il y a le first attack. Alors oui, je n'ai pas à souvenir que ça... Oh ouais. putain, bah, c'est eux qui ont le CPT, mais je me dis que à la zone, ça pourrait arriver, quoi. Ouais, ça serait, ça serait un peu triste, mais... Ouais, ouais. C'est très bien pour eux, mais un peu triste de passer à côté de LEVO et CEO, déjà, je trouve ça dingue. Oui. Euh... Moi, je, moi, je, moi, je sens, moi, je sens, mais qui vont annoncer le CPT pendant LEVO, quoi. C'est ouais, euh, aussi, ouais, ça, ça existe euh, le mais CPT. Ils vont mettre des incroyable. petits tournois à droite à gauche. Ah ça serait énorme, marrant. la pression ah ouais. des joueurs d'un coup là. Ouais, non, <laughs> tu, tu prends tomber, ton badge. Si Au ah, en fait, fait c'est CPT premier. Ok. Ouais, <laughs> ouais, ouais, bah bah, bah, bah j'avais prévu de lui. faire d'autres tournois, bah du coup je les ferai pas. C'est non mais franchement c'est particulier. Et puis même, imaginez on est en juin, on ne sait rien sur les fameux World Warrior. On ne Putain, sait rien, c'est ah, dur. Hein. Ah ouais. Ici, on en a vu ah, un, c'était ouais. Guy, t'as pas vu Il a ah, <laughs> ah, ah, de des dégâts sur le visage, il dégâts sur le visage. Mais tu parles qu'il y avait de quoi Ah, oui Très bien. Je pense que Street Fighter 5, il va falloir lui dire Salabada. Ah oui, là, je pense qu'on arrive. Sachant que, messieurs, l'année fiscale se termine au mois de mars. Je pense que le jeu va sortir fin février. Ouais, il va sortir. Moi, je pif euh, date d'anniversaire de Luc. On en parle après. Tout ce qui est vrai, ardeurs, que... Que on en parle après. Calmez vos ardeurs, parce qu'on va pas non plus casser euh, la timeline de l'émission. Hein, je vous en prie. Mmh, du coup, ok pardon, pour euh, le CPT. Comme ça dit dans le chat, hein, euh, si ça manque les ce serait énorme, énorme, sachant que ce serait du présentiel, tu loupes les vaux comme euh, Event premier ou même Event gold, ce que tu veux, tu prends à la rigueur le top 8 comme ça, c'est classé, rien, aucune annonce, c'est chaud. Après, comme vous le dites, hein, il se peut qu'à la fin de l'événement, avec un mec sur scène, écoutez les gars, il faut savoir que le top 8 eh bien, se retrouvera pour les finales Capcom Cup. Allez, des bisous. Mais s'ils font, font, si font ça, ça va gueuler de ouf. Oh mais de ouf. Ça, ça va, debout, va gueuler de ouf. Parce que tous ceux qui sont pas inscrits, qui auraient pu, parce que je pense notamment aux joueurs japonais qui. Tout à fait. Ne, ne vont peu, ben, y a pas y avoir tous les joueurs japonais qui vont venir euh, qui vont venir à l'Evo. Alors que s'ils avaient dit le top 8 sera CPT, c'est sûr qu'ils venaient. Et oui, et oui, oui. Là, Imagine, ils feront ça à la fin. Hein. <laughs> Mais c'est fini. Mm, ils, vont jamais, ils vont plus jamais leur faire confiance. Ah, c'est vrai. Il faut qu'ils fassent très attention. Hein. Vrai, les japonais, vrai. eux, ils ont leur tournoi euh... leur tournoi Après, offline, euh... Euh, CPT premier ou pas euh, alors normalement ils en avaient un, mais euh, ouais, la mais Japan ah, Cup normalement. Oui, oui. euh, ouais Tokyo Game Show normalement. Ah bon c'était le Tokyo ouais. Game Show. Tok... bah c'est la Japan Cup, ça a lieu en marge du Tokyo Game Show, exactement. C'est ça, ouais. Ouais. ouais tu, tu, as, tu, as tout juste. Donc bon bah, ouais. effectivement hein, ça va être compliqué, très très compliqué. Euh... <laughs> mais bon euh, vous étiez au courant qu'il y a un de... prochainement des nouvelles news de Street euh, Six. On vous a présenté Kyle, il l'a récemment. Vous êtes au courant. <laughs> euh... Oui <laughs> promis. <rire> Allez euh, la suite eh bien ah la suite. Un truc de ouf. Vous savez, il y a eu le Summer Game Fest. Le Summer Game Fest nous a permis de découvrir effectivement des séquences de gameplay supplémentaires pour Street Six, mais ça, on en parle tout à l'heure. Calmez-vous. Mais aussi, il y a eu d'autres jeux qui ont été mis en avant. Et parmi ces jeux-là, eh bien, il y a Dem Fighting Earth qui, eh bien, a oh là une là, mise à jour majeure. La version 3.0 euh, qui rajoute, eh bien, des, 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 ben, des, des super arts, euh, des level 3 pour chacun des personnages avec des cinémas thématique pour les super arts, euh, je vous laisse regarder ici la petite vidéo, Ou ce que vous voyez là, eh bien, c'est in game avec cette cinématique là qui dure trois heures. Hein. Voilà. Euh, vous avez également eh bien un rééquilibrage. Et aussi, eh bien euh, un personnage qui va être complètement gratuit. Un hein, DLC. Hein. Et oui, ici, ça fait des DLC gratos euh, compris dans le jeu. Bref, une mise à jour archi majeure. Donc, si vous avez le jeu hein, dans votre bibliothèque Steam, eh bien, c'est la mise à jour ultime qui vous permet eh bien de redécouvrir le jeu. Voilà. Regardez, regardez, ça fait carrément des le coussin dessous. De ouf. Hein. <laughs> Alors, par contre, sans déconner, poney ou pas poney, les animations, elles sont stylées. Stylé. Un truc de ouf, mmh. hein. franchement, ouais. les super, elles sont stylées. Mmh. Ah, aussi, as, euh, oui, mais mais... aussi euh... <laughs> on ira bientôt okay. as une Petite parenthèse aussi, euh, tu parlais du, du DLC gratos. À la base, le DLC euh, il est sorti déjà il y a un petit bout de temps, mais il était ouais. payant, tout à coup, fait. Il était pas très cher, mmh. et du coup, ils se sont dit, bah vas-y, hop, cadeau. C'est quoi <laughs> Ah bon, <laughs> pourquoi <laughs> Ah bon voilà, voilà, justement Shanti qui est qui est qui est maintenant qui est maintenant gratuit avec, avec ça. En plus d'une d'une oh du jeu, bah testez-le. Oh hein. Il est super bien le jeu. Hein. Il ouais, est il est bien. vachement bien ouais, niveau mécanique la, et la tout. La mage euh... elle fait un petit giga, je crois. Mm. Comment je le sais Peut-être j'ai installé la mage. Je sais pas. Voilà, et on attend ta vidéo, ton retour euh, sur YouTube, hein, mon cher Kima. Donc voilà, grosse <laughs> mise à jour, et profitez-en, hein, 40% de réduction hein, euh, sur le jeu actuellement, hein, sur Steam. Donc, euh, pas d'excuses, hein, si vous aimez les jeux de baston de qualité, eh bien, c'est, euh, voilà, on vous le conseille. Il y a le label qualité, hein, le label OLFP, hein, voilà. Salut euh, YouTube <laughs> Tout à fait <laughs> Faut bien ça faut bien imaginer, faut bien inventer des larmes. Vas-y, vas-y, Place le, il est bien, il est bien. <laughs> ah, et ensuite, on reste dans des jeux de patch. qualité et dans une masterclass La masterclass vous le connaissez, vous le savez, hein, c'est Skullgirls qui a son petit, bien, euh, son petit serveur euh, bêta. Hein, je sais pas comment on appelle Black. ça. Voilà. Et donc, dans. Euh, La bien, dans euh, endless beta, si tu veux, KX. Pardon, vas-y. Ça a coûté La légèrement. La endless beta. La endless, endless. bêta, hein, pour rappel, voilà. hein, si vous êtes joueur de Skullgirls, vous avez accès en faisant le petit clic droit sur Steam en activant l'option bêta et eh bien de jouer au jeu régulièrement et eh bien travaillé par les développeurs hein, le rééquilibrage et là actuellement et eh bien c'est alpha qui va être mise à disposition dans les serveurs de, 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 de bêta hein, voilà hein, dans, les, dans les serveurs à part donc et eh bien vous avez la possibilité de tester les modifications du jeu avant même leur sortie officielle et même de faire des retours aux développeurs si des choses vont bien ou pas bien donc du coup à partir du 16 juin c'est à dire à partir et eh bien d'aujourd'hui vous avez la possibilité si bien sûr vous avez et eh bien skull girls de pouvoir tester Black Dahlia euh, euh, avec le, le jeu hein, tout simplement clic droit bêta et let's go c'est parti un truc de ouf donc euh, bon euh, je la sortirai toujours à l'infini hein, mais à quand, à quand ce, ce move hein, chez les autres éditeurs wow. triple A wow. franchement wow. c'est est trop dommage <laughs> est-ce que vous y croyez vous qu'un qu jour peut-être un développeur triple A puisse faire ce genre de move ou c'est mort c'est mort de chez mort comme le Capcom Cup mmh, que... Alors, triple A japonais j'en sais rien Très A Riga américain possible. Kima il est gratos dans 15 Qui ça Oui. Mm. Euh, je pense qu'il voulait dire plus par euh, test, euh, test avant. Ah oui, ah, ah tester, oui. Faire le avant. Tester. Ouais, bien ah, sûr. Ouais, bah, ça, ouais. De toute façon, oh. si vous vous demandez ce qu'il faut dans les jeux de combat euh, d'aujourd'hui, vous regardez ce qu'il y a dans Years, et c'est ce qu'il faut. Et oui, clairement oui. du temps. Clairement, oui. clairement. Parce qu'en même temps, il y a tout dedans. Donc, euh... mmh. <laughs> t'as juste à piocher. C'est vrai, c'est et... vrai, c'est vrai. S'il y en a peut-être un, projet L. C'est à mon avis, ça ne m'étonnerait pas qu'il le fasse. Franchement, ça ne m'étonnerait pas ah, qu'il le fasse. Ah, ils ont toujours fait des bêta tests pour les nouveaux persos et tout. Ils font même des bêta tests pour les skins des fois, donc ça ne veut rien dire. Parce que à chaque fois qu'ils sortent, je... alors je joue pas à Alon, mais je crois que c'est ça, en fait. Ils sortent un perso. Sur leur bêta, ils, ils, reprennent les ils prennent les retours des, des joueurs, et puis ils font un équilibrage dessus, même s'il est foiré l'équilibrage, ils en font quand même un en fait pour le mettre sur le jeu officiel. Je crois qu'il y a un bail comme ça, si je dis pas de bêtises. Mmh. Oui, ça, ouais, bien ça, bien. Ça, ça, en vrai, ça ne m'étonnerait pas. Quoi. Très bien. C'est-à-dire qu'il y a une version de test aussi Quelle version tu disais ça, ça a coupé légèrement les Kixello ça veut dire qu'il y a une version de test aussi. Du ouais point. bien sûr clairement clairement oui. c'est elle est, oui, est perpétuellement est à disposition à la version de test. Imagine imagine une situation demain Capcom euh, Street Fighter 6 tu joues au bout de plusieurs mois tu dis oh finalement euh, il paraît qu'il y a un rééquilibrage après la Capcom Cup et là tu vas sur serveur privé tu peux, tu peux tester le rééquilibrage avant même la sortie officielle voilà. Il avoue, ça serait et là, stylé. Ça serait stylé ce serait voilà mais bon. On, on, on vit pas dans un monde de bisounours, hein. Je suis vraiment désolé pour ceux qui y pensaient. Euh, côté aussi jeu de qualité ou plutôt info, info de qualité. On vous en avait parlé hein, du jeudi de la semaine. Hein, C'était Fight of Steel et bien voilà, euh, je vous avais teasé le truc. La bêta fermée, euh, et bien, euh, est en cours, hein, Mais surtout, vous avez la possibilité de euh, jouer à la bêta ouverte du 13 au 20 juin 2022 et euh, ben let's go hein, vous allez sur Steam et puis euh, et puis vous avez la possibilité de tester euh, bien euh, l'open beta hein, euh, gratuitement hein, pour rappel hein, c'est un jeu de un jeu de baston hein, pour lequel et eh bien euh, on vous a, je vous en avais rapidement parlé est-ce que est-ce que est ce qu'il y, qu y a des petites euh, vidéos de gameplay bah ben voilà hein. voilà ça ressemble à ça euh, avec un système de combat bien particulier vous avez toutes les informations hein, sur la page Steam de de, de comment le jeu fonctionne mais comme vous pouvez le voir, hein, c'est un jeu indé qui, euh, qui donne envie. Du coup, euh, Kima, on compte sur toi pour la petite vidéo YouTube également. Voilà. Yes, hein. <laughs> Et oui, la base, la base, hein, on, a, on a des soldats qui. Euh, à chaque qui fois que je viens ici, tu me donnes du travail pour deux semaines, quoi. Eh bah oui, <laughs> regarde ah, Tu peux compter sur moi si tu veux travailler, mon cher, bien sûr. Euh, côté. Ah, là, on parle. Tu parlais de COF15 tout à l'heure, le saviez-vous euh, Le 10 juin, une mise à jour euh, pour COF15 a vu le jour. Une mise à jour qui corrigeait. Qui corrigeait, attention, un défaut du jeu, notamment pour sa version PlayStation 5. Évidemment, on parle eh bien euh, de l'input lag. Hop, je vous mets ça full screen. Tac, ici, regardez, hein, euh, le patch a fait en sorte d'améliorer euh, l'input lag de la version. PlayStation 5. Alors, évidemment, Day One, ça a été compliqué de trouver les mesures, tout ça, tout ça, tout ça. Et après quelques petites recherches, eh bien, notre bon vieux soldat, Nigel, le seul, l'unique, Nigel Woodhall, voilà, il faut bien que je mette l'accent, il faut bien lui faire honneur, eh bien, a mis à disposition, par le biais de vidéos, mais aussi d'une petite capture d'écran, techniquement, nous, ce qui nous intéresse, c'est la capture d'écran, et euh, avec, eh bien, les mesures. Et du coup, je vous ai dit, c'est la fin de l'année, du coup, et bien, euh, interro surprise, selon vous. Regardez les trois <laughs> mesures. Quelle console est laquelle Évidemment, on ne parle que de PlayStation. Hein. Il y a la PS4, la PS4 Pro et la PS5. Euh, du coup, on commence avec Arctal. Arctal, quelle, est... quelle console est laquelle Alors, j'en ai aucune idée, frère. <laughs> ah, pas ah, ah, bon, moi, je pas me mentir. Je me dis, avec la peut-être que la, la PS4 Pro, ça peut être la, la, la première la je première, d'accord. Euh, euh, la ps 5 pardon. Alors pardon, les, PS5, Pour ceux qui oui, sont en, en podcast, hein, il y a trois mesures. Il y a 68, 36, oui. 67, 83 et 69, 10. À savoir que 16 millisecondes, c'est une frame. Voilà, donc vous pouvez faire le calcul. Hein. Donc du coup, euh, donc pour toi, ce serait en haut la PS5. La PS5, elle est où du côté de Chekima Non, <laughs> je vais y arriver. Je dis PS4, PS4 Pro, PS4, PS5. Voilà, je l'ai fait. La PS5 est en bas pour toi. Ok, ouais, 69-10 c'est la PS5. Pour toi Kima, elle est où la PS5 euh, C'est le 69 et je pense que c'est PS4 Pro, PS4 sur PS5 et PS5 non. Ok, on va voir ça. Ouais, bon, et toi Link Exelo Ouais, j'aurais dit pareil que Kima. Ok, euh, Martellus Moi Je pense que la première ligne c'est la PS4 euh, Fat ou Slim. Ouais. Après c'est la Pro et ensuite c'est la PS5. Très bien, et enfin, Pape Ouais, même chose que Martellus. Très bien. Alors suspense. Moi, bon, je, je peux pas vous le dire parce que je connais la réponse évidemment. Mmh. Je triche un peu. Oh, Regardez oh, oh, oh. la version PS4 sur PS5 68 euh, 36. La version PS4 Pro 67 83 et la version PS5 69. 10 ouais. ce qui nous donne en termes de frames euh, ben, euh, 4,10 4, frames 4,07 frames et 4,15 frames ouais. sur PS5 oh. voilà oh. bah, c'est toujours beaucoup quoi. Ah, à, ouais, titre à, des... euh, à titre de comparaison on est, sur... on est à combien sur le PC c'est 3 et quelques non non PC je crois que c'est euh, c'est ouais, que que plus, ouais. Je... Ouais, plus proche des deux frames que des trois hein, euh, entre nous okay. voilà euh... Voilà. Du coup, euh, est-ce que ça y est On a enfin l'expérience parfaite sur console pour KOF 15 selon oh, vous C'était combien a... avant ah bon 1,92 euh... sur PC. Ok, très bien. Merci, Neckgen. Oh. Allez, quand même. Ah ouais, c'est dur. C'est ah oui. ouais, pour ça que je disais, ah. ça fait beaucoup, ça me paraissait ah bon quand même beaucoup, hein. franchement. C'est ah, euh, bizarre, c'est le start-up d'un light, le euh, street euh, de différence. Oh ouais. Mmh. Ah ouais, ah ouais, ah dur, ah dur, ah là là, ah là là. Bon, ben, euh, on va repasser pour cette question mmh. alors du coup, hein, désolé. Bah, euh... il les plays, mais bon, c'est toujours pas nul. C'est ça. ça. Ah, ouais, ah, ah, finalement, ah, regardez. C'est-à-dire que même Xbox, c'est moins, quoi, tu as 3 ah oui, frames sur, moi, sur Xbox. Ouais. Donc euh... ouais, ça, ça reste... Euh, ouais, C'est vrai, tu marques pourquoi, un point. Pourquoi, pourquoi, pourquoi cette plateforme reste encore à la plateforme, euh, à part pour l'argent bien sûr Parce, parce qu'elle est soignée de la thune. Mais... Bien, on déjà... <laughs> ouais. Enfin bah, ah, ou... ouais, à un moment donné... Euh... Voilà, quoi. Et oui, parce que... Entrez-vous bon, un truc dans l'arrière de sans votre popotin, et puis voilà alors pour te rassurer Martelus Epic travaille avec PlayStation tout ça oui, oui, bah un... <coughs> chère, pardon en t'es fait, au courant il oui. y, un... y a un trailer de, de Gale de Street 6 euh... ah ouais <rire> 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 toi t'as vu le trailer de Alex aussi, de Street 6 ou euh... <laughs> non mais, mais euh... ouais si je l'ai vu j'ai la clé bah, j'ai la clé USB hein. t'as la clé ah, parce que moi aussi clé... j'avais une clé ah, à un moment donné au mix-up et j'ai oublié de la mettre il y a un mix j'avais une clé et j'ai oublié de mettre la clé c'est la clé USB avec le trailer d'Alex voilà c'est moi qui ai cassé le game désolé c'est de ma faute, je m'en excuse. Bien hein, aux ouais. ouais effectivement, c'est la vraie. Il euh, y a la date, tout ça. Maintenant, on passe, c'est bien au segment guilty gear strive et là voilà là là, là là je suis allé sur les internets pour voir un peu la prendre un peu la température de ce patch là euh, honnêtement j'étais derrière mon écran euh, j'ai pas fait de commentaire mais j'avais l'impression de me faire agresser sur twitter hein, <laughs> euh, sans rien faire juste en lisant pour vous dire hein, tellement ce patch fait du bruit et heureusement que pape est là avec nous hein, pour débriefer euh, ce patch un patch qui est euh, ah ouais qui qui est oufissime hein. un patch qui devait être euh, et bien le Messie, hein, le renouveau de la licence, ça l'est apparemment, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Alors, avant même que je te, je te bombarde de questions et qu'on fasse un peu le point, que j'ai voilà tout ça, Pape, qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur ce patch euh, On va commencer simplement. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans ce patch euh, déjà il enfin il y a eu beaucoup de changements il n'y a pas eu d'ajout en soi dans la dans la saison 2 donc c'est un changement de saison donc bien sûr on va, on va en plus d'avoir un patch note qui va modifier un peu les personnages on va surtout aussi modifier le jeu en lui-même et euh, c'est beaucoup basé du coup sur euh, le roman de cancel qui maintenant, euh, po, po, qui maintenant possède des petits bonus sympathiques lorsque vous faites ce qu'on appelle un fast RC. En gros, hein, vous, euh, la mécanique du roman de Cancel, c'est que vous cancelez n'importe quel coup en utilisant 50% de barre, vous ralentissez le temps et après vous faites votre bail. Le truc, c'est que maintenant, vous pouvez, entre guillemets, cancel le Roma de Cancel avec un normal ou un spécial pour aller plus vite, gagner un petit peu de dégâts, etc. Et justement, maintenant, ils mettent en avant ça en disant Bah voilà, si vous le faites bien, vous êtes récompensé. C'est-à-dire qu'en gros, maintenant, si vous faites un phase tercé, ça coûte moins de tension. En gros. Mmh. Ça, ça va, au lieu de coûter 50%, ça va en coûter un peu moins. Il faudra ouais. quand même 50% pour activer le remat de cancel. Mais si vous faites un phase tercé, ça coûtera moins au final. Tu, tu, tu récupères un peu quand tu l'as effectué. Voilà, exact voilà exactement. Mmh. Tu, euh, tu perds 50%, mais tu en gagnes un peu à côté. Ce qui. Dans l'idée est bonne, mais pour plus tard, on verra que en fait pas du tout. Euh, et aussi, du coup, on a eu le patch, euh, on a eu le patch qui a modifié beaucoup de personnages, et des oui. buffs, des debuffs, un équilibrage, euh, du quality of life, etc., etc. Ah là là, effectivement, hein, tu parles de modification de personnage et moi, comme ça, pour me renseigner, je suis allé sur les internets et j'ai découvert, hein, notamment du côté du compte de Latif, hein, euh, qui a sorti carrément son sabre pour euh, pour écrire avec euh, sur son clavier hein, tellement il était vénère. Euh, il Semblerait que pour lui, eh bien, ce patch donne l'impression de jouer à une version bêta du jeu un hein, euh, pour lui et que il était techniquement impossible pour euh, Arc System Works de se foirer et du coup ben là il se demande encore comment l'éditeur a pu se planter. Il avait en tête hein, par exemple le throw, le throw combo de chip grâce au changement de RC comme tu disais, euh, il a il disait par exemple que Ram est encore plus forte qu'avant, que les ato jump qui ouais. compliquent les situations d'overhead, genre il y a des coups qui sortent pas quand tu veux sauter au-ras du sol et du coup euh, Grosso Modo est-ce que vous êtes, pour ceux qui ont testé, hein, est-ce que vous êtes du même avis que, euh, que Latif euh, Qu'est-ce qui a foiré dans ce patch euh, Dites-moi tout. Pape, toi, qu'est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Latif Malheureusement oui, ah euh, la pour, la euh, la deux pour deux raisons. Lorsqu'il disait que Ram était buffé, bah, en gros, si vous voulez, on a, on, tout le monde était d'accord sur le fait que euh, Zato, Nagoriyuki et Ram Lethal étaient immensément forts dans le jeu, c'était euh, vraiment un gros monopole dans, dans, dans la méta actuelle. Et bah, Arxis, qu'est-ce qu'ils ont décidé Et bah, ils ont décidé de les buffer. Bah, yes ah, non, euh, non. Ils ont décidé de, de buffer les personnages absolument insane. Et derrière, bah, t'as Sol Bad Guy ou encore May qui étaient des personnages certes forts, mais pas forcément pétés. Et bah, ils ont décidé de casser les genoux de ces personnages-là. Ouais, May elle mérite, c'est bon Allez. <rire> <rire> Comparé, comparé Allez, aux autres bon. persos, Voilà. Non, mais je, le, choix, je le, choix, voilà le choix est très discutable. Et en plus de ça, ouais. derrière, euh, le côté bêta, bah, c du, du coup, on a de, de gros Absurdité sur ces personnages-là et surtout et que derrière, c'est le festival des bugs, c'est le festival des glitches. En voiture, en voilà Zato ah ben qui euh, bien évidemment, euh, bien évidemment bah euh, Zato qui profitait en plus de ça de nouveaux mix up Bah ces nouveaux mix up ne marchent pas parce que Eddie donc son petit, euh, son, euh, cette petite ombre qui traîne avec lui bah pour bon. aucune raison il Elle décide disparaît, de se suicider, ouais. voilà il décide de se suicider pendant un mix-up pour aucune raison et derrière du coup bah justement les nouveaux mix-up qui sont arrivés bah ça marche pas parce que le jeu est mal codé bah super oui, nickel c'est chaud donc, euh, et derrière, du coup, on a justement, je, je parlais justement de ce fameux Fast RC euh, qui, dans l'idée, est bonne, mais qu'au final, c'est complètement nul. Pourquoi Parce qu'il y a une autre mécanique que je vais en parler qui n'a pas été modifiée en soi, qui était déjà de base en jeu, qui s'appelle le Positive Bonus. En gros, lorsque vous cassez le mur, vous gagnez ce qu'on appelle le Positive Bonus. Ça donne un bonus de dégâts, un petit bonus de défense, mais surtout, ça permet de buffer euh, le, le, la quantité de barres euh, barre de tension que vous allez obtenir. Donc, déjà, la barre va augmenter au fil oh du temps. Et voilà je sais où tu veux en venir. Oh euh, et, voilà, et aussi re recevra mm -hmm. du coup un petit bonus à chaque fois que vous, vous appuyez sur un bouton et malheureusement vu que le Fast sc consomme moins de RC et bah ça permet ouais. à des personnages comme Anjimito ou encore oui. Shizanov de pouvoir faire des block strings à la mort c'est comme c'est un truc oui, avec, euh, Giovanna oui. aussi. C'est-à-dire que des personnes, pendant 20 secondes, ils vont juste oh. appuyer, sur, ils vont oh. appuyer sur les boutons et tu ne peux rien faire à part bloquer. N'oublions pas incredible. que dans Guild Tiger Strive, la barre de risque existe. En gros, plus vous gardez, plus la barre de risque va augmenter. Et que si un jour, par le plus grand des hasards, votre adversaire réussit à ouvrir, à ouvrir votre garde, le scaling, le damage reduce, n'existe pas. Tant que la barre de risque est à fond, et eh bah oh, vu oui, qu'on a oui. un infini, il suffit juste qu'un petit overhead puisse passer par là, fatal voilà. counter, ouais. TOD, merci oh, à vous. Oui. Ah bon et en Jimito, j'ai vu la vidéo, En Jimito, c'est littéralement ah ouais, en, ça quoi, c'est en, en incroyable G, uh, quoi. Cheap, comment c'est ouais. en, plus, en plus il a des nouvelles conversions qui lui permettent justement de mixer un peu plus, c'est le bordel absolu. Ah, ouais, non, c'est est... Est incroyablement débile. On est, re est revenu dans un stade auquel vraiment le, 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 le jeu actuellement est juste trop débile, en fait. Il y a beaucoup de joueurs qui, euh, qui, se, font, euh, qui se font entre guillemets. Voilà, bah, par exemple, ça aussi, ça, ça aussi, c'est une nouvelle mécanique. Enfin, une nouvelle mécanique. Ils ont, oui, uniformisé, il de... une, euh, le, ils ont uniformisé une mécanique qui, du coup, qui est le dash cancel sur le close slash. beaucoup de, euh, Certains personnages pouvaient le faire. Maintenant, ils ont uniformisé ça. Tout le monde peut le faire. Et bah, du coup, bah, voilà, ce, cette séquence, comme vous pouvez voir, bah, euh, L'adversaire, qu'est-ce qu'il fait bah, Il peut que bloquer, il peut pas appuyer sur un <laughs> bouton parce qu'il est toujours dans sa garde, et comme vous pouvez voir, la barre de risque est juste en dessous de la barre de burst ah, qui augmente, monte, qui augmente, qui augmente, ah, et au bout d'un moment, lorsqu'il ouvrira la garde, bah, au lieu de mettre un combo à 50%, et bah, il va mettre un combo à 90% de barre. <laughs> bah yes, euh, bah yes. Mmh. Surtout ah, si tu prends mais... un avantage à la vie, tu peux décider d'arrêter le jeu en faisant ça à l'infini, mmh. quoi. Ah Voilà, c'est un exemple. Ouais, ouais c'est ça. Tu mets et dans point, si t'as pas le temps. Il a gagné un tournoi comme ça. Dalle, Moi, je sais non, voilà. qui je <laughs> vais jouer en mode classé. Bizarrement, euh, j'ai envie de jouer un peu à Guilty Strive et être. Euh, <laughs> <'ai fait> <rire> <enfoiré>. <rire> non, mais en vrai, ouais. ça, c'est les dérives du. Euh, oui, mais il faut buffer les persos même s'ils sont forts. Il faut ajouter des mécaniques pour le faire. Hey, tu ça, soulèves là. un gros point un là, Rick Excello. Oui, c'est ça. Dire des bêtises. Pour mettre Quand le pari fort, parce qu'il y'a a que les casuals viol... Ah non excusez-moi Parce <laughs> que <laughs> tu savais qu'il y avait un trailer de, de game qui est sorti il y, a <laughs> il y a des cicatrices sur le pas. visage de Gale, Je sais pas si tu te rends ah, okay, pas okay. <laughs> euh... Donc ouais effectivement Le rééquilibrage où faut buffer tous les personnages ça fout la merde j'ai envie de vous dire bien. Buffer, tout, buffer tous les personnages Oui il y a une limite parce qu'après le jeu devient beaucoup trop débile euh, Il suffit juste de débrancher le cerveau Et tu peux gagner un tournoi facilement mmh. Mais il n'y a pas que ça Sol s'est fait casser les genoux Sol il s'est fait casser les genoux alors qu'on se dit mais ouais le personnage est fort alors que Zato il est pété, Nago il est pété, comment ça se fait que vous décidez de casser les genoux de ce personnage là, il a rien fait Il y a des personnages, ça va c'est correct, je prends le cas de, comment il s'appelle, Jaco je crois Ah Jaco, c'est mignon Jaco je trouve que c'est correct, ça va Ouais, bon c'est très, deux... très bien, chips c'est très voilà. bien mais pourquoi euh, pourquoi décider de buffer un personnage alors qu'il nous a... voilà, juste ça, voici Nagoriyuki maintenant ah ouais, aujourd'hui. Oui, alors lui c'est et puis oh, lui ouais, ouais, c'est ouais, littéralement pas... il a des, des phases ah, de euh... voilà, et là tu bouges plus. Voilà, là. voilà là, deux ouvertures. Plus. Voilà, et ouais. juste juste parce que tu as décidé d'avoir un d'avoir une ah, ma division. Ah non, ouais, non, c'est c'est trop bien le jeu. Plus... Oh, bah toujours retourner à Bushido Blade, c'est bon. Euh... Il a, il a... En plus, ouais. Nago, il a ce... je sais pas si ça t'a fait ça, pas, là j'ai eu cette sensation de. Il est plus fluide dans ses mouvements en fait. T'arrives moins à lire ses déplacements. Avec bah oui, les parce que, surtout. Euh, oui, bah, oui, parce que maintenant, ces dash sp, ils peuvent être cancel maintenant. C'est ça. Dash -p ah. Peuvent être ah, ouais. ah ouais Ah <laughs> euh, ouais <Et> <laughs> euh, ouais <non, rire> <non, rire> c'est Ouais, ah, bah, bah, ah oui, est bien, bien. Nagoryuki ouais. À ah, limite les gens ils étaient contents. Ouais, euh, du coup le 2h c'est bon, tu... ça fait le profile, donc du coup tu peux passer. <laughs> passe en dessous, on essaie, yes. non, non, Moi j'ai Moi, j'ai un pote qui m'a dit Nagoryuki, il a été nerfé, la toupie elle est nerf. Ouais, franchement ouais, ouais. MDR. MDR. Ah bah non. Déjà la, la, coupille, de base, de... la toupie de base la toupie c'était un move scandaleux, je veux dire oui. comment tu peux imaginer ça dans un jeu de combat mais mais là c'est bon, là, ils m'ont fumé. Ils vont peut-être faire un autre patch, hein, peut-être qu'ils vont s'en rendre compte. Je pense pas. Hein. Je pense ouais, pas hein, avez... Non, mais vous avez vu, ouais, j'avoue que comment ils ont communiqué dessus, t'as l'impression que c'est le patch de la saison 2. Mais il y a un truc qui, est... qui m'a fait tilter tout à l'heure quand même, c'est que le patch s'appelle 1.18. On a l'impression que c'est un, une... ouais. Ouais, ouais. un peu une que Ouais, ça... on a l'impression que c'est un patch random un peu. Alors que oui. normalement c'est ce qui est censé faire la saison 2 de... ah, en fait, sais... Bah en fait, euh, en fait Ce que j'ai vu c'est le... La version du jeu c'est le 1.18 Mais la version de combat pour eux c'est la 2.0 mmh. truc qui veut rien dire ah, C'est à dire ah, qu'en fonction ouais, donc, de ouais. où tu regardes C'est une version différente en mode, euh, okay, Ah bon, bon. Du, du coup on dit quoi On dit que c'est la saison 2 mmh, ou, mmh. La saison, euh, ou la saison 0.1 vu, euh, vu comment est l'état du jeu actuellement Ouais, je ouais c'est et là, ils ont pas de Street 6 derrière pour couvrir. Oui, c est c est vrai. Ils ont trois saisons voilà. à tenir après. Aïe ah, aïe ah, aïe aïe aïe. Par contre, il y, 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 y a DNF. Bah, par contre, non, y a y a DNF. A dNF ah voilà, merci. Mais DNF, ça sent le même délire, on va pas se mentir. Non On va se rigoler. Parce que toi, es resté la bêta. La bêta, il y avait des bêtises. Genre grappleur ou des trucs comme ça. Oui, mais ils ont pas. Alors, oui, mais entre bêta 1 et bêta 2, ils ont laissé les mêmes bêtises. Et ils n'ont pas fait de nouvelle version depuis ah, le bêta 2 sorti du jeu. Surtout hein. les persos, ils ont, ils ont laissé toutes les mêmes bêtises. Alors moi, je n'ai pas joué, mais quand j'ai vu les streams de White Black, ça n'avait pas l'air. Si, 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 il pas... Ils ont changé euh... des trucs entre les deux bêta Après, il y, a, il y a encore certains trucs qui sont débiles, certes, mais je pense qu'il y aura quand même un petit, euh, un petit patch qui va. Euh, oh bêtises, non Tu hein, le sais, euh... Pop Le jeu sera débile à la sortie, il va falloir oh, attendre ouais, un patch. On y le y fait y tous, pas, hein, on le sait. Je pense qu'on le sait. Mais bon. On verra. Non mais c'est vrai que c'est bizarre, même les persos en soi, on parlait de buffer tous les persos, même au niveau de ça, c'est pas... Mais ça une grosse pas, connerie euh, ça, ça c'est. Il a rien d'égal, l'équation elle est pas bonne en fait, t'as des personnages, ils ont des buffs euh, qu'ils ont pas besoin, t'en as d'autres, on demande des buffs mais on leur donne pas, t'as des persos, non, on ouais. leur donne des buffs mais bah c'est gentil mais ça va être pas plus que ça, Inno on en parlait en off... Euh, les persos... Bah, Giovanna par exemple c'est le bordel. à la limite Giovanna c'est bien le 2D. Voilà, à distance du 2D, du, euh, du 2D, là quand elle tape au sol elle fait un séisme. Ça ça a été un petit peu réduit. Tu m'étonnes, fallait peut-être. Hein. Mais euh, euh, la, dis la gros, distance n'a pas été changée, c'est la, la recovery. Maintenant c'est... C'est ah, la recovery. Okay. Ouais. C'est plus facile à finish, Autant non, pour non. moi. Et ça c'est bien. Non, okay. mais, de manière générale, quand on joue il est censé être compétitif. Buffer des... tous les persos pour le fun. C'est dead, ne faites jamais ça. Fin. Sauf non, si mais... vraiment tous vos, tous vos persos sont éclatés au sol par rapport aux mécaniques du jeu. Mais s'il y a des persos forts et qui se font buffer, mais évidemment que ton jeu devient débile. c'est En fait, je pense que le problème là du sopage de, 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 de Guilty Gear, c'est comme on, on en parlait tout à l'heure en off. C'est qu'à mon avis, on dirait qu'il y a deux équipes qui ont travaillé sur le patch il y a ceux qui ont rééquilibré les persos et ceux qui ont fait les équilibrages généraux des mécaniques, tu vois. Et euh, apparemment, ah, ils, avaient, ouais. ils, avaient, ils, avaient, ils avaient pas WhatsApp quoi. Et du coup, à un moment donné, quand <laughs> ils ont réuni les deux patchs, ils se sont rendu compte que les, les boeufs généraux, <laughs> ça rendait des persos full pétax quoi. Peu importe les up et les nerfs qu'ils avaient apportés euh, individuellement. Bon, quoi. les gars, qu'est-ce qu'on fait On sort le patch Ouais, vas-y, de toute façon, mm -hmm. on n'a plus le temps là, non, plus... <laughs> <laughs> non, mais même, genre par exemple, euh, tu vois, quand ils, ont, quand ils ont communiqué sur le patch, ils ont sorti des vidéos, euh, des vidéos de chaque perso. Ah, mmh. tel perso peut faire ça, tel perso peut faire ça. Et euh, bon, Zato, euh, effectivement, il y a le bug de, du, de la bête qui meurt tout seul, mais ils ont communiqué en mode j'ajoute un mix-up à mon mix-up overhead low. Mais de, de base, genre, si vraiment l'intention d'Ark System c'était de faire ça, est-ce que vraiment Zato avait besoin de ça Genre, euh, est-ce que ça rend, ça rend juste pas le perso encore plus idiot en fait Genre, euh, ça rend encore un mix-up invisible, invisible. Donc, euh, pourquoi, pourquoi faire ça dans quel but Quel est le but d'Arc System derrière tout ça Est-ce que c'est de rendre le, le jeu euh, pff, autopilote Ou... Euh, c'est quoi Je sais pas. Ce sont atos. Il, rempli... il remplit pas assez tout l'écran, il reste un pixel, là. <laughs> <Et> ça... Heureusement <laughs> qu enfin, que limite qu'il y a le bug, hein, parce que sinon, euh, ça serait encore un mix-up supplémentaire. Du coup, <laughs> euh, je sais pas. du coup, il aurait fallu changer quoi, à la place, selon vous hein, euh, Pour que le jeu ne portent pas en me... Vas-y, Pape. Pour, hein. fa... pour moi, il faut, faut pas forcément changer des trucs, mais il faut faire comme Skullgirls foutez-nous une bêta ouais. après, et oui, ouais. voilà, tout à fait foutez-nous une bêta parce que là, là on est vraiment dans un état où euh, le Arc System vraiment il ne regarde pas la vie des joueurs en fait, mm. on a vraiment eu cette impression là on dit bah voilà tel personnage est pété etc etc et bah hop on décide de le buffer, oh. il bah, y a tel perso il est bien comme il est, on va le laisser comme ça Arc System, brrr, oh, un okay. petit coup derrière les genoux mm. ah, au bout d'un moment il faut peut-être se poser la question, essayer d'écouter un peu les joueurs et pouvoir justement proposer ce genre de bail Skylanders euh, ce qu'ils qu font très bien c'est ils posent une bêta, c'est gratuit en plus de ça. Hein. Mmh. Là justement pour le, la sortie de, de, de Black Dahlia ça va être gratuit pour tout le monde même mmh, si vous n'avez oui. pas acheté le season pass ce sera gratuit vous pourrez quand même tester le truc mais au bout d'un moment bah ah, non, non, euh, là, non, là, non la bêta non. sera faite. Non il ah faut, faut hein, bon il faut il faut avoir le season pass pour pouvoir la tester. Il faut dans quand, le, quand le même season le pass. Bon d'accord. Bah, la petite euh, carotte mais my faut my bien bien. il faut bien qu'ils s'y retrouvent un moment. Bah oui la base la base. Mais mais moins pour la saison 2 qui puisse, proposer, qui puisse proposer une bêta, ben bah voilà, on vous propose ça, qu'est-ce que vous en pensez Là, normalement, mmh. bah, Arc System, ils sont en mode, bon, euh, on va mettre ça, 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 et ça. Et euh, du coup, il y a une autre équipe qui dit, ouais, mais les joueurs, les quoi oh, Bon, ah, mmh. on, on s'en fout, on, on oppose. Alors, et du coup, on, on est dans une version auquel, bah... Okay. Euh, L'équilibrage est tel qu'il est, et aussi, on, on, on rappelle, euh, un patch qui ramène plus de bugs qu'autre chose, il y a un mais problème, quoi. Du coup, mmh. est-ce il euh, y a des choses de bien dans ce patch oui, il voilà. y a quand même des choses de bien. Il y a quand même des choses de bien. Si on vraiment on retire euh, si on retire Nagoriyuki, Zato et euh, si on et, retire euh... la du 4, Si on retire le 15 screen. Il y a trois personnes. l'écran screen. Si screen. Ça va. Il ouais, y a quand même trois personnes. Il y a, bizarre bizarre, y a, y a vrai, Zato, Ramletal et euh, Nagoriyuki. Vous retirez ouais. les trois, le jeu il est super. Euh, ah. les les, les lotiers les lotières ont été bien buffées. Jacques, Jaco, elle est super voilà. cool maintenant. Mais du Poste coup, ceux, aussi, qui, ont, ceux qui ont plus de genoux, ceux qui ont plus de genoux, Sol, tu parlais de Sol qui a plus de genoux. Bah, Sol tel qu'il est maintenant, il est pas mal. Il reste quand même pas mal. Okay, il fait toujours aussi mal. Il a de nouvelles routes de combo sympathiques. Mei mmh. aussi, hein, même si Mei on lui a cassé un peu moins les genoux que Sol, certes, mais on l'a fait quand même assez mal. Bah, on, au bout, les joueurs ils ont décidé de taffer un peu le personnage et se sont rendu compte que en vrai, si on change notre manière de jouer, il y a moyen qu'elle soit si on aussi réfléchit... forte. Voilà, bien, exactement. Mmh. Euh, mmh. Ken, là, on parle de Biken. Biken, mmh. elle a été super bien buffée. Euh, Aujourd'hui, elle est très, très, très forte. Même si elle était déjà plutôt pas mal. Mais disons qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont bien équilibré le perso. Maintenant, elle est vraiment bien forte. Il euh, y a Kai aussi qui a extrêmement bien mangé. Oui. Qui, euh, testament. qui, a, qui, qui, ont... qui est testament, qu'est-ce qui devient Testament, il va être dangereux. Il y a le dangereux. OK. Bon, bah, bah, parfait. Ouais, le personnage est super bien maintenant. Ils ont ils, que... ont ils ont pas rajouté des trucs, ils ont fini le perso. C'est c'est cool, ah, les... ça, ils ont fini le perso. C'est parfait. <laughs> Ils ont ouais. donné des trucs qu'il fallait donner, et euh, vraiment, tu retires les trois personnages, donc Nago, Ram et Zato. Le jeu, il est super cool. Ouais, j'attends quand, euh... quand même de ah voir un peu plus de Testament, parce que euh, Testament. Ah, Testament, pour euh, moi, ça va être un dur, personnage hein. qui va être. Euh... Ouais, ouais, Testament. Ouais, mais tu... Moi, j'attends de que... voir la différence avec Ram Létal parce qu'il y a toujours cette histoire de neutre, et tu connais celui de Ram Létal, tu te dis pourquoi est-ce que j'irai jouer Testament Donc, j'attends de voir sur le long terme ce que va donner le perso. Voilà. D'accord, ah, très verra. bien. Alors, j'ai pour vous, on n'a pas fini avec Guilty Gear, hein, mais j'ai pour vous une petite tier liste des gagnants et des perdants dans ce, dans ce patch-là ah. fait par Damascus. Oh hein, oui, je l'ai euh... vu. Euh, des bisous ça de okay. hein, merci beaucoup. Alors, je vais essayer de vous foutre ça en full screen en mode BG. Pour ceux qui ne comprennent pas le mot BG, ça veut dire beau gosse, bien sûr. Euh, hop, est-ce que ça marche si je mets ça en full screen euh, Oui, ça marche parfait, nickel. Alors du coup, dans les super, super faits on a eh bien... Bah, bah vas-y, pap. Je te laisse faire le petit truc, histoire qu'en même temps, tu okay. puisses, avec euh, Arctal et, euh, et Kima, un peu réagir sur tout ça. Vas-y, let's go. Alors euh, du coup, pour moi, du côté des super buffs, je suis 100% d'accord. Tous ces personnages là qui sont en super buff, ils ont vraiment bien mangé. Et il y a dans les euh, super buffs, il y a Kai, Faust, Post, Milia, Milia. God Lewis Jaco, Biken et Testament. Ok. On pourrait, on pourrait. Euh... Non, en vrai, non, non. C est, c est, je trouve que c'est très bien. En, je trouve que c'est très bien au niveau des super buffs. Il y a beaucoup de personnages qui ont été très buffés et qui aujourd'hui vont être soit dangereux, soit encore plus dangereux. Donc ça, 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 ça va être intéressant. Euh, du côté du Better, oui, Ship euh, a, a pu avoir. Euh... Alors Better, Better, en fait, c'est dans une vision différente. C'est un peu comme Angie. Le personnage a été un peu rework, en fait, mmh. en gros. Disons que, euh, disons que maintenant, les, euh, je parle du coup pour Angie et pour chip euh, Ces deux personnages-là ont accès à un spécial qui fait Overhead, qui à la base était premièrement réactable et deuxièmement extrêmement punissable. Aujourd'hui, mmh. maintenant. Il est ni réactable, oh, ni punissable, cool. euh, et encore moins punissable. Mais il y a moins de reward. C'est-à-dire qu'avant, quand tu plaçais tu t'avais un gros combo derrière. Maintenant, si tu places l'ovored, petite mise au sol et on recommence un mix-up. Il y a pas de et combo. Il y a pas possible de RC pour luncher. A... Si un RC, as si a un RC, coup. on peut faire un combo derrière. Mais voilà. es, maintenant, maintenant es obligé d'avoir un RC pour avoir des dégâts. Mais, pff, ouais. Moi, j'aime pas ce genre de truc. Genre, euh, en fait, euh, parce que derrière, ça va s'enchaîner. Enfin, tu connais Chip. Euh... Il va te RC oui. combo, après tu vas être au corner, il va te Oui faire... mais tu le sais, mais, mais tu le sais, mais oui, mais dans, 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 dans quand t'es à la place d'un joueur, si le mec il a un RC, tu le sais, qu'il y aura un overhead qui va sortir. Donc tu vas t'y attendre. Ouais, alors que mais, maintenant... du coup, ouais, mais du coup, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est pas réactable. Donc ça veut dire que le gars, il le sait, mais du coup, il va devoir se lever un peu au pif. Pas forcément. Forcément, il y a des gens qui peuvent, qui peuvent essayer de le contester. On peut décider d'appuyer sur un bouton. Utiliser un peu plus aussi la faute laisse défense aussi, parce que ça ouais. permet de pouvoir mieux éjecter l'adversaire au niveau de ses mix ups Justement, Angie et, et Chip sont des personnages auxquels, si tu appuies sur le bouton faute défense, bah malheureusement, les mix-up seront moins forts. Parce qu'ils ils sont obligés, ils se, soit ils sont obligés d'arrêter leur mix-up, soit forcer un mix-up et derrière, du coup, pouvoir, euh, pouvoir être prêt. Donc il y a, y a ça aussi. Tu peux instant mmh. block son Overhead aussi et punir direct oui, par un shop et tout. Euh. Par exemple, voilà, par exemple. Ou faire que, aussi euh, le combo euh, fauteless just defend. Euh, donc vous faites un instant block et vous fauteless et ça éjecte encore plus loin que la fauteless de base. Ça, vraiment, ça a une éjection absolument démentielle et du coup tu dis, bah voilà, le mix-up est fini, bien joué à toi, juste parce qu'on récompense ceux qui, ont ceux qui travaillent en fait, en gros. <laughs> C'est un peu ça. Oui. Il euh, y a aussi du coup, oui, Zato. Bah, oui, fin, ouais. Zato et Ramletal, super. C'était les meilleurs personnages du jeu. Ils ont décidé de le buffer. Moi, je rajouterais Nagoriyuki. Ouais, ok. voilà dans, dans, dans le lot. Parce que bon. Parce, parce que, que effectivement, il bon, y, a, y a la ligne similaire avec euh, notamment euh, <laughs> Nagoriyuki. J'ai euh, l'impression euh, que ouais, si avec Nagoriyuki. Ok, c'est un peu le même discours que je vais avoir avec du coup Giovanna et Léo. Euh, moi, ouais. euh, moi je vois que Léo est en worse, mais moi je le mettrais dans similaire. Dans euh, ce seront des personnages qui resteront aussi forts qu'avant, mais j'ai l'impression, c'est surtout une impression, qu'ils seront moins frustrants à affronter. Parce que le zoning de, de, de Happy Chaos a été nerf, a été beaucoup nerf, donc ça va être moins chiant dans le neutral. Par contre, ils ont... et par contre, ils ont plus beauffé le côté midrange et corps à corps. Donc, c'est très bien. Mmh. C'est cool. Euh, Giovanna, même chose au niveau de ses mix ups Ils ont nerfé ses mix-up. Pourtant, derrière, euh, elle, elle, a pu, euh, euh, elle a pu avoir un meilleur neutral. Maintenant, elle a de meilleurs dash, par exemple. Débat son dash avant et son dash arrière sont, sont des très bons mouvements pour euh, le personnage. Bah, maintenant, tu peux décider de la distance du dash avant. Donc, soit c'est un petit dash avant, soit ça va être un très long dash avant. Donc, oh. ça améliore son neutral. Donc, c'est cool. Ouais. Et du coup, même chose aussi pour Léo. Euh, ils ont équilibré le personnage. Il est beaucoup moins snowball qu'avant. Donc, euh, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas Léo, c'est vraiment un gros personnage du mix-up. Et euh, dès que vous rentrez dans un mix-up, bah, très souvent c'est fin du round. Parce que vous allez vous faire mixer à droite, à gauche, avec des overheads, des shops, etc. Et du coup, bah, c'est vraiment le, le... Dès que tu commences un mix-up, ça peut être un snowball fin du round. Maintenant, c'est dès que tu places un mix-up et qu'il réussit à placer son mix-up. Bah on est de retour dans le neutral. Il faut qu'ils euh, qu remettent au sol pour que, pour que derrière ils puissent euh, continuer à, à placer des bons petits dégâts C'est pour ça que c'est un peu cette vision que j'ai pour Apikao, Giovanna et Léo. Ils sont toujours aussi forts, mais beaucoup moins frustrants à affronter. Moi je mmh. le ressens, je le ressens beaucoup en affrontant ces personnages. Ouais. Dites-vous que moi je boycottais les Apikaos. Mmh. Maintenant, il n'y a aucun souci à que je les affronte. Pourtant, ils sont aussi forts qu'avant, mais n'ayant euh, aucune frustration. C'est okay. cool. Euh, donc voilà c'est un peu ce genre de vision euh, pour... Par contre pour Potem c'est différent Je trouve qu'ils il a... ont aussi changé des trucs euh, Il reste toujours aussi frustrant Parce que bah, c'est le grappleur C'est ouais. le grappleur du jeu Donc euh, dès qu'il a la mise au sol c'est parti pour les embrouilles Mais maintenant il, il a, a plus de rework, sauce on... Il y a un peu rework Potem, Oui, euh... oui euh, sur l'une de ses deux super Il a été rework Maintenant euh, ce n'est plus Garuda un mouvement invincible. Euh, oui le Garuda Impact aussi il a été changé euh, donc il y a eu des petits changements par-ci par-là, il est beaucoup plus amusant à regarder maintenant je trouve Potemkin. Il a des conversions aériennes c'est stylé. Voilà, il a des petites conversions à droite à gauche, mais oui il reste... Il reste je suis d'accord avec Damasus le fait qu'il soit similaire. Il reste aussi chiant, mais c'est pas un personnage qui est pété, c'est un grappleur et c'est un grappleur qui est je trouve assez bien designé. Donc ok il y a encore son Garuda pack qui existe, mais c'est bon, euh, c'est bon, si c'est que ça, si que ça euh, tout va bien. Le côté du coup reworked aussi, du coup euh... bah, il met... du coup il a mis en personnage reworked avec Inno, Angie, euh... Axel. Axel et Mei. Moi je mettrais du coup en plus euh, Chip. J'en parlais avant avec son côté d'overhead. Mmh. Oui, je suis 100% d'accord. Parce que bah, maintenant ils doivent être joués différemment. Angie maintenant c'est cool. Vu que le fait qu'il a été reworked maintenant je trouve qu'il est un peu plus dangereux qu'avant. Euh, il a des normaux qui sont plus sympas, il a un meilleur neutral, c'est mix-up sans RC parce que malheureusement c'est un personnage qui avait besoin RC. maintenant il a des mix up sans RC donc justement avec les overheads qui sont pas réactables mais qui donnent moins de rewards, bah du coup ça permet de faire des petits snowballs sympathiques euh, Axel bon moi, je trouve que c'est peut-être un petit nerf mais bon c'est que maintenant il peut plus faire les loops d'Axel Bomber en gros hein, euh, Axel à Axel à c'est dur à dire à ouais. un move qui s'appelle Axel Bomber qui permettait de faire beaucoup de dégâts voilà, si vous placez un Axel Bomber la barre de vie fond, voilà Hmm. Maintenant a... c'est plus difficile à le placer euh, à faire des loops d'Axel Member Mais il a d'autres routes différentes Voilà sans, sans utiliser le Axel Member donc ok pourquoi pas ok euh, Ok pourquoi pas Il aura peut-être moins de dégâts mais il fera toujours aussi mal donc pourquoi pas Pour Ino Ouais c'est un petit ouais. rework C'est un petit rework mais je trouve Ils que c'est... <laughs> ouais c'est un peu le ouais c'est un peu le perso oublié dans le sens où c'est plus c'est beaucoup de quality of life à droite à gauche mais malheureusement c'est un personnage auquel ils n'ont pas forcément nerfé là où il fallait je trouve qu'elle n'avait pas forcément besoin d'être nerfé parce que c'est un très c'est un bon personnage mais c'est tout en fait les routes ont vachement changé par contre pour lui ouais les routes ont vachement changé ça c'est cool les routes ont réellement changé de fou c'est plus du tout le même truc le stock treat si tu cherches à ouvrir avec un stock Treat déjà de base c'était choupa maintenant ça sert à rien voilà maintenant ça sert euh... à rien Ce, faut, son côté 50-50 qu'elle avait là a été c'est un peu c'est un peu c'est un peu dommage mais bon euh, des gens des gens ont été euh, les joueurs de Hino étaient quand même globalement assez contents du patch oui. bon, envie de dire tant mieux, pour eux. Bah, tant mieux pour eux des petits changements mais ça va quoi c'est pas oui c'est ça ça passe quoi pour moi tant mieux ils l'ont pas euh... nerfé mais je trouve qu'elle profite pas du, du nouveau système quoi comme on en parle voilà c'est ça mais bon ils ont pas tué le perso c'est cool mais elle profite voilà, voilà. les joueurs ils sont petits, contents. Donc, des euh... trucs, petits détails sympathiques, d'autres plus discutables. Encore une fois, le stroke beatry, mais à part, en fait, c'est vraiment les nouvelles routes de combo pour moi qui fait que le personnage il est rework ouais, dans est... sa série. En fait, euh, ouais, que parce que sinon le perso c'est un peu le même délire quoi. C'est pas les mêmes combos, c'est tout. Beaucoup ouais. changé. Après, du coup, il y a Mei pour finir pour côté rework. Ouais. Euh, alors pour alors rework avec des guillemets, en fait en gros elle a reçu <coughs> beaucoup de nerfs au niveau de ses dégâts. Euh, donc les, les, les coups classiques, les dauphins, etc. C'est beaucoup de nerfs au niveau des dégâts. <laughs> Mais pour moi ça change pas le délire. Pour moi, pour moi ça va être, surtout être un bon personnage. Elle a un meilleur neutral maintenant puisque les deux... Maintenant lorsqu'elle fait ses dauphins, elle peut gérer la distance des dauphins. Donc soit elle fait un petit dauphin qui va pas forcément aller loin, soit elle va faire un long dauphin qui va faire quasiment full screen. Donc... Pourquoi pas ouais. <laughs> Pourquoi pas ça reste, toujours le, ça reste toujours le même délire. Au niveau des dégâts, au final, ça n'a pas trop changé. elle a maintenant des nouvelles conversions sympathiques en, en justement en whiffant ses dauphins. Euh, elle fait son petit dauphin dans le vent et bah, elle peut quand même récupérer derrière. Donc voilà, c'est cool. Mais le côté e ouais, je suis d'accord parce que maintenant il faudra le jouer complètement différemment. Les combos aussi sont vraiment différents. aussi. Euh, donc. Euh... Ouais petit cassage de genoux, mais je trouve que euh, je trouve que ouais, ça, ça restera à mon perso. Je pense par exemple à Slash qui a... Je vois au niveau du tweet que Slash a participé au, euh, à cette tier list. Slash qui est un très gros joueur de, de mail, peut-être même hmm. le, la meilleure mail du monde. Euh, parce ah ouais. que ouais, il est extrêmement fort. Ouais pour moi, ouais, pour moi. Bon après, il n'y en a pas des masses, des mails, euh, donc bon, voilà, c'est... Après, ça reste que mon avis. Au début, il était très très mécontent du patch, et au final, il se dit Non, en fait, c'est bien Non, en fait, ah. c'est très bien ce qu'ils ont fait, il faudra, faudra juste penser différemment. Et du coup, pour le côté Ruar, je suis 100% d'accord. Et enfin, du coup, le côté worse avec Sol Bad Guy, ouais. celui qui a le plus bouffé. Et euh, oui. Alors, qu'est-ce qu'il qu a bouffé C'est euh, moins de conversion, du coup. Euh, avant, il avait, euh, il avait une conversion sur son, sur son 3 frame. Mmh. Donc, en gros, euh, le 3 frame, c'est le coup le plus rapide de jeu, mais il euh, y a que Sol et Chip qui en ont un. Voilà. Et euh, alors, Sol avait beaucoup de dégâts derrière son 3-5. Maintenant, il bah, n'y en a plus. Il voilà. euh, y en a plus parce que euh, maintenant, tu maintenant, as juste une bête mise au sol toute simple. Donc oui, c'est ce genre de nerf est mérité parce que quand tu voyais le reward du personnage, donc pourquoi pas. <coughs> euh, il fait un peu moins de dégâts aussi, overall. Euh, mais, ça empêche pas mais ça empêche pas de nouvelles routes de combo. Hein. Par exemple, pour ceux qui connaissent euh, Guilty Gear x on a le retour des Dust Loop. Ah, ouais. Voilà. Voilà, donc maintenant ce sera les bons combos de la sauce bien sympathique qui, certes, fera moins de dégâts d'habitude, mais au moins ce sera stylé à regarder, donc c'est cool. Euh, mais, mais ouais, le côté worse, je suis 100% d'accord parce que ce sera un personnage qui va être moins fort, euh, qui va pour moi rester fort mais euh, beaucoup moins fort qu'avant euh, les conversions va falloir mieux les maîtriser il faut réussir à les choper du coup les bonnes ouvertures en bon moment etc etc euh, faire de très très bonnes conversions aussi soit avec un dust loop soit avec le fameux volcanic viper clean hit qui reste toujours le même certes mais beaucoup plus difficile à placer qu'avant ouais. puisque maintenant les, les conversions font que bah, euh, l'adversaire peut facilement s'extirper du, euh, du combo en gros ouais. donc a voir, même si pour l'instant tous les joueurs de sol se dirigent plus vers un Kai, mmh. parce que c'est Shoto et que Kai a été buffé alors que Sol a été nerfé. Donc euh, voilà, hein, je pense à Skill qui a, qui a changé direct son, son sol en, en Kai, et euh, on peut le comprendre. Ah même, bah moi oui. aussi, bon, même, même moi aussi, moi j'étais un ancien joueur de sol, mais je ne me suis pas reconverti sur... Sur Kai, je me suis reconverti sur Jaco. Voilà, bon, moi, ça passe. Euh, voilà. Ça donc, va, euh, ça passe. Voilà, ça passe. C'est pas une oui. Shoto donc. Tout va bien <laughs> euh, Et enfin du coup bah Léo, je, je, je rappelle Léo, pour moi il est pas dans Worse, pour moi il est dans, euh, pour moi, il est dans Similar. Ça reste ah, le même perso, mais moins frustrant à affronter. Voilà. En gros, euh, tout ce que je pense. Sinon, très bonne tier liste, bien d'accord avec Damascus, surtout qu'il était bien entouré. Donc je vois Sifor, je vois Lati, je vois Slash. Donc ouais, super bonne tier list. Moi j'aime beaucoup. Eh bien, eh bien, merci, Pape, pour ce euh, débrief sur euh, le rééquilibrage. Merci beaucoup. C'était vachement complet. Euh, honnêtement, euh, euh, je te mets un 10. Voilà, hop. Euh... <laughs> Alors, le temps pour moi d de supprimer les petits onglets qui étaient en trop. Et maintenant, on passe... <laughs> On passe, eh bien, du côté de Capcom. Je vois dans le chat, hein, fou, le chat là, euh, ça part, ça fait des comparaisons avec un autre éditeur, hein, tout ça. Euh, ça dit que Ark System Works n'écoute plus sa communauté, euh, ça Alors, ne comprend bon, pas, voilà. voilà. Les euh, gars, voudrais juste euh, à revenir sur un urgente. épisode qui a eu concernant un ancien guilty gear. Vas-y. Euh, je ne sais plus qui. Ça va être rapide. Je ne sais plus qui Sharky ça avait dit à propos d'un Potenkin King d'un ancien guilty. Il est là ouais, mais c'était voulu. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez de cette info. <rire> merci. <rire> ah bon. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, euh, Arctal, pour ton témoignage. Euh, passons du côté de Capcom. Canon, c'est bien. Non, même pas. Ouh là, là excusez-moi. Il euh, y a un mec qui a fait un mode pour la version émulée de Street Fighter 3 Strike. Un mode qui vous permet d'avoir des challenges. Voilà, souvenez-vous, il y a euh, un Sir Strike qui est sorti dans une compilation où il y avait justement un rework dans les menus. Où vous avez un challenge, tout ça. Et bien là... Il y a non, un non, japonais. Pardon l'online édition qui proposait les, Tout les à fait, exactement, à l'époque de la 360 je vois qu'il y a quelqu'un qui suit euh, oui. et bien là maintenant, on a la même mais pour la version émulée, faite par un japonais qui, euh, voilà, euh, vous propose eh bien euh, en cliquant sur ce, sur ce lien-là eh de rajouter ça sur votre fightcad, hein, regardez, hop, c'est écrit ici, hein, si vous ne pas le japonais, je peux à la limite vous conseiller quelques bouquins pour apprendre bien sûr, oui. et eh bien évidemment, oui. euh, Surstrike fonctionne sur une version bien particulière tout ça, tout ça. Mais en somme, cela vous donne, comme on peut le voir ici en image, tout un tas de euh, challenges par personnage euh, et euh, avec, comme vous regardez en bas à gauche, hein, le niveau de difficulté de chaque challenge. Tout ça, tout ça, avec un nombre euh, défini de décès de, 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 pour pouvoir réussir concrètement le trial. C'est comme ça que ça s'intitule euh, en anglais, Les bien études. sûr. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que ça donne en image Eh bien, en image, ça donne ce genre de choses. Par exemple, ça donne des rage kits hein, euh, côté euh, côté Automatoc hein, qui a principalement testé ça. Et là, euh, regardez, hop, il va rage quit. Allez, des bisous parce que ben effectivement, ça fait péter un câble. Et par contre, quand on réussit ça, ah oh, bon, oui, j'aime pas capté qu'on en... qu entendait par le crier. Allez, hop, je vous mets le son hein, juste pour le pour le kiff. Voilà, <laughs> bichette et, euh, et donc aussi hein, quand il y a la réussite, la réussite, eh bien ça donne ça pour le level moment. Je vous laisse découvrir ça. Regardez. Ah oh putain, ça fait plaisir pour les casus. Hein. <rire> regardez, regardez. <rire> ouais, ah oh, c'est trop bien ça. oh j'adore. Voilà. <laughs> That's Merci. a nice touch. Ah là, la grande classe, il hein. y, a, y, a y, a, y a de l'effort hein, qui est fait, euh, fait là-dessus, bien sûr. Hein. Euh, trop stylé. Trop stylé. Donc, euh, eh bien ce mode est disponible hein, pour tout le monde hein, dans la version émulée de Street Fighter 3 sur Strike. Donc, euh, bah, franchement, euh, je vous mets le lien euh, dans le chat hein, de, 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 de Twitch hein, pour que vous puissiez tous, tous en profiter. Parce que c'est un travail d'orfèvre de qualité, honnêtement. Euh, euh, c'est trop stylé. On va rester dans les modes et cette fois-ci UMVC3. Hein, comme d'hab, il hein, euh, y a des modes tous les, tous les quatre matins. Et là, c'est Sakura voilà, qui est disponible en bien téléchargement bien. sur le Nexus Mode. Euh, te voilà prévenu, mon cher Kima. Hein, ça sent les vidéos YouTube. Ouais, hein. J'ai deux ou trois personnes à tester. J'ai vu qu'il y avait Oni aussi. Voilà. Voilà, ouais, ça, ouais. Y a, voilà. ça. Depuis que euh, la boîte de Pandore a été ouverte, eh bien vous <laughs> pouvez de nouveau resavourer UMVC3 à votre sauce. Donc euh, voilà pour la petite info hein, également disponible sur le Nexus. Exus Mode d'Ultimate Marvel vs. Capcom euh, 3. Autre information, j'avais vu l'information passer tout à l'heure dans le chat. Hein. Euh, oui, hein, vous inquiétez pas, on en parle également. Euh, eh bien, à l'occasion hein, justement du Summer Game Fest, Capcom met à disposition Street Fighter 2 gratuitement euh, dans le Capcom Arcade Stadium. Euh, Capcom Arcade Stadium qui est une plateforme de d'émulation de, 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 de jeux d'arcade. Et vous prenez vos jeux vraiment à la carte. Eh bien, la Street 2. Et gratos pendant une courte période. Donc, euh, let's go, hein, le c'est voulant. C'est ouais, le World Ghost. Warrior. Hein, ouais, ouais. C'est la version euh, CPS 1 limite. Hein, bah, je crois que c'est ouais. même la version CPS 1. Hein, sans sans embrouille. C'est la hein, version même... ils où ont, ils ont rajouté les boss. Quoi. C est, c est ça. Non, il n'y a pas de boss. Il n'y a pas les boss dans Non, c'est le premier. Là. CPS 1, tu n'as pas les boss. Tu as les 8 World Warriors ouais, ouais. Et tu as ah, ouais, le ouais, jeu ouais. Voilà, où tu joues. Tu as l'impression d'être sous l'eau. Tellement euh, ça flotte <laughs> dans les airs. Alors, ah ouais. Ne me fusillez pas, hein, vous le savez, mmh. au plus profond que vous c'est la vérité. Mais... Voilà. donc, euh, okay, bon. Tout est disponible, hein, let's go, hein. Vous allez sur le Capcom Arcade Stadium, vous téléchargez Street 2 qui est gratos. Avant que ce dernier, euh, 10 paresse Voilà pour euh, eh bien les petites news côté euh, Capcom. Je regarde rapidement si j'ai pas oublié quelque chose. Euh, vite fait, bien fait. Hein. Vous donnez-moi une petite seconde. Ouais, c'est bon. C'est bien ça. Hein. Euh, c'est bien ça. Alors, du coup, euh, vous le savez, un hein, Street Fighter 6, on arrive au segment Street Fighter 6. Je sais que vous êtes là pour ça également. D'ailleurs, j'ai pas posé la question, euh, mon cher Pape. Street Fighter 6, ou pas Oh oui. Très bien, merci. Et donc, du coup, le oh, jeu arrive... Au fondage, hein. oh, le, le, le pour le fondage... histoire, Ah je... Pour la petite histoire, j'ai commencé euh, les, du coup, les jeux de combat à l'âge de 3 ans sur Street Fighter 3, Sword Strike. Voilà. Oh ah, wow. vu, oh. vu, qu vu que c'est une, uh, une ambiance qui se rapproche à peu près de Street Fighter 3.3, j'ai eu mm. une dose de nostalgie lorsque le ouais. jeu a été annoncé. J'ai fait, bon, bah, on va l'acheter. Hein. Et, <laughs> et, 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 et <laughs> rappelle-moi, tu avais quel âge à l'époque de Sword Strike, on est sorti en 99 euh, euh, 3 ans. oui. oui ouais oh, <laughs> encore 10 ans oh mon oh, ouais, dieu encore dreamcast. Mmh. Ouais, dreamcast moi j'étais euh... déjà marié divorcé j'avais tri... trois hein gosses et je venais de revendre ma maison euh, en 99 <laughs> wow. ça m'a n'y pas tout ça hein et eh bien ça fait plaisir ça fait plaisir du coup sur euh, Strike voilà tu vois, tu m'emmènes dans des faux pas Street Fighter 6 arrive et euh, Céline Kixelo qui nous a partagé ça en off hein, sur WhatsApp on a les premières phases, quoi, les premières phases, <laughs> hein, voilà, <laughs> hein, les premières phases de quand un jeu sort, eh ben voilà, regardez, Niko, ouais, Nik vas-y, fais-toi plaisir. Qu'est-ce que, il y a un tweet qui balance les premières phases et qu'est-ce qu'il dit ce tweet-là Il dit que euh, la plupart des joueurs de... de jeux NRS, donc Mortal Kombat, etc., ne resteront pas longtemps sur Street Fighter 6 parce que là, il y a du vrai neutral Vous êtes pas prêts, <laughs> les frères. Là, le neutre euh, oh des est solide. Attention. C'est reparti. Ah hein. oh là là, c'est reparti. Une rompichamme, hein. rompicham, bien sûr. Une euh, très, très fort, même. Oh, oui. Du coup, euh, moi, j'ai oh. une question à vous poser, les gars. Euh, on va pas se passer par quatre chemins. Le chat, je veux que vous participez également, et tout autant que les commentaires YouTube. Euh, bon, quelle est euh, votre euh, meilleure phrase, euh, votre meilleure phase euh, pour ce genre de situation, pour vous on va jouer à Mortal Kombat X si on en reparle. Oh. Okay. ok, très bien, très bien, très bien. Euh... Euh... Nick Exelo, ta... ta meilleure phase. Non mais c'est une timeline qui va se répéter mais c'est sûr. sûr. <rire> 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 mais je Déjà on l'a su... eu pour Street Fighter 4 à Street 5. Ah. Il y a tout, je vous explique ah. les épisodes qui vont se passer. Comme ça vous allez pouvoir les voir. Celui-là c'était le... les prémices, ah, mais celui-là Mirai, Mirai Link et J'ai j'ai été d'ailleurs très essaie, étonné oui. que ça commence par NRS et pas euh, genre euh, Guilty Gear ou KOF tu vois vu que c'est mmh. plus récent. Ils ont choisi NRS bon, très bien. Après normalement, ça sera le même tweet sauf qu'au lieu que ça soit NRS, ça sera Street Fighter 5. Mmh. Ça sera ah, oui. oui, les joueurs de Street Fighter 5. Vous n'êtes pas prêts. Euh, okay. Là, ça va faire du vrai footsease. Le mmh. jeu est les Il y a mmh. des possibilités. Il n'est pas euh, aussi simplifié que votre jeu de merde qui est Street Fighter V. Ah. Voilà. Vous allez voir Vous allez voir ça. Mais en rafale. En rafale. Ça va arriver, c'est sûr. Après, il va y avoir la phase de la bêta. La bêta ah, celle qu'on aime. Ah et oui. Le ah. bégaiage de ah. la bêta. Hein. Et à la phase de la bêta où t'as les mecs qui sont forts day one, ils vont te parler comme si tu étais un caca. Ils oh. vont te dire « Non, mais moi, gars, c'est mon expérience de 10 années qui ont fait que, aujourd'hui, je peux m'exprimer sur le jeu vidéo. » Ça, c'est la phase de la bêta. Est-ce que, okay, qu qu aura... Est que tu penses qu'il y a aussi la phase du Discord entre gros joueurs Ah oui euh... C'est un arc bah, caché, ça. Ça, c'est un arc caché. Moi, je balance les bonus oui. Blu-ray. Il hein. bah, y, a... y en aura, sûrement, bien sûr. Ah oui, Et... Et Et oui. Y en aura. Il ah, y, y a aussi la phase, alors en parallèle, ça c'est une phase en parallèle d'un autre groupe de joueurs qui eux vont dire Ah mais Street Fighter ça, ça fait que de se simplifier, c'est pas comme l'époque de Street City. Fighter 2X, ah, le pari le Paris, il est trop simple, c'est pas non, comme 3.3, mais 3 .3. <laughs> et ça ça en est un autre, encore un autre. <laughs> ouais, ceux sont, ouais, en il, il manquait, manquait, temps, manquait, il il manquait plus que tu cites Street Fighter Alpha 3 et on était bon, on avait la simplité ah, ouais, ouais, Évidemment, ouais, ouais. évidemment. Donc ça c'est encore parallèle. Donc là, il y a la, la phase de la bêta. Donc, t'as les mecs qui sont là. Ouais, la bêta, je suis trop fort. Euh, c'est mon Street Fighter, etc. Hmm. Et après, t'as la phase où le jeu, il sort. Euh, où, du coup, euh, là, ça commence encore à dire Ouais, c'est le jeu des six machin. Mais deux mois après, ça devient bizarre. <laughs> deux mois après, tu vois des Crimson et des Luffy qui continuent à gagner. <laughs> c'est bizarre. <laughs> c'est à ce moment-là que la, Donc... la gaga pas qui sort, ça. Ça. Et donc là, switch, changement de veste. Ouais. Euh, C'était mieux avant. Euh, Je de merde. Je de merde. Euh, C'est nul machin. Et, euh, et voilà, et on, et on revient à la boucle. Il faudra attendre Street Fighter 7 pour revivre non, ces non. émotions là. Hein. Mais ça donne, <laughs> des, ça, ça donne des articles, hein. souvenez-vous, Red Bull, hein. Red Bull, euh, SF5, le jeu des Footies. Ça vient de, ça vient de là, hein. ça vient de, de cette période là. Qu'on est en train de revivre, c'est un privilège hein, pour nous mmh. de pouvoir revivre cette période-là. <laughs> kiffez, kiffez délectez-vous des tweets sur Twitter. Vous pouvez même vous amuser. Hein. Faites un petit tweet. Allez, euh, joueurs de Street mmh. 5, vous n'êtes pas prêts. Soyez précurseurs de ça. Et normalement, ça buzz. Très bien, très voilà, bien, très bien. bien bon. J'aime ai, beaucoup. Franchement, très carré. Merci Link Très carré. Du est... coup, est-ce est qu'il y a des phases. Euh... Alors je vois dans le chat, hein, évidemment je me manifester avec le chat hein, qui balance euh, certaines phrases, hein, bien sûr. Il hein, y a euh, euh, c'était mieux à mon époque quand je mettais 5 francs dans la borne. Euh, <laughs> ça balance, voilà, hein, ça balance des. Il des, euh, y a quoi d'autre que je suis en train de voir euh, que je me perde pas à l'époque de nos grands frères, bien sûr. Hein, voilà. Euh, et certains disent hein, enfin le retour du neutral. Et oui, et oui, et oui, et oui la base. <laughs> euh, et... Ouais, ouais, il y a, il y a, il y a beaucoup de choses. Il hein, y a beaucoup de choses. Euh, mais du coup, du coup, quelle est la meilleure phase d'avant la sortie d'un jeu pour vous S'il fallait sortir une seule phase, la meilleure, ce serait laquelle D'avant la sortie d'un jeu Moi mes préférés, je dis toujours mes préférés, c'est ceux qui disent euh, là, celui-là, c'est mon jeu, vous n'êtes pas prêt et qui au fait. Euh, pas mal, pas mal. Même. Pas mal. Et toi, Écoute. Martellus euh, moi, la phase avec les anciens, ça, je... Je, vais, je vais kiffer, je pense, comme d'hab. <laughs> Très bien, moi aussi je rigole d'avance. Ah, c'est. Moi, bon jeu avant. J'aimais euh... qui... bon la joué. phase de... du moment où ça. Comment dire Ça trouve un build à l'Evo, ça reste un week-end ah. complet à l'Evo. Ah, ah oui, allez pas fait mal. Pas ah, de oui. résultat sur, les... sur les mois qui suivent. Ouais. <laughs> Très bien, bien joué. Et Kima Ah, moi, j'ai une phase que j'aime bien aussi. C'est euh, non, mais je peux pas jouer au jeu. Il n'y a pas mon perso. Euh, ah, il oui. y, y aura mon perso. Euh, hashtag Kim. Euh, <laughs> et quand le perso il sort, tout le monde rompiche et personne le joue. Et et hashtag Baikon, euh... pareil, c'est pareil. Hein. Hashtag mmh. Baikon, hashtag <laughs> Milena dans Mortal Kombat 11. En enfin, bref, il y a plein d'exemples. Mais... On, <laughs> On est d'accord. <laughs> hashtag euh, Alex Street 5. <rire> Pardon. <rire> <rire> euh, et pap le trailer. X2 bah moi c'est moi c'est une phase que j'adore c'est quand les mecs qui disent ouais non ce jeu là il sera pas pour moi etc etc et lorsqu'ils vont et lorsque il y aura les éditeurs qui vont mettre un peu de pognon dessus et que derrière les gens ils vont quand même gagner les tournois vous savez meilleur jeu du monde c'est le meilleur jeu du monde ou encore la classique la classique ouais non c'est pas comme avant c'est dommage ah non en fait non c'est ouais non bien trop bien mais genre limite de milieu après. <laughs> J'adore ce genre même... de phase. Le retournement de vêtements ouais, sur Twitter, ça c'est c'est un, un petit truc, parce que j'ai pointé Mortal Kombat X, en fait, au moment où j'ai dit ça, je pensais à Alien. Donc vous allez voir que notre avec Alien, ça fait rire. Mais si jamais vous avez. Parce que tout le monde est en train de s'enjailler sur les footies en ce moment. Ouais, oui. j'espère qu'on n'aura pas est... du chenille SA. Bas Medium Kick mmh. SA2. Hein. Parce que là, on parle, on spécule, mais voilà, bas Medium Kick SA2. Bon. Quand ça, ouais, je... euh, quand ça parle de footies, généralement, c'est les prémices d'un nouveau Street Fighter, ça. C'est. C'est une constante, c'est eh vrai. Bah, oui. ouais, ouais, ouais. m'a tu voulais Parce dire surtout, quelque chose Ouais, surtout quand on regarde le jeu. Bah, moi, je trouve que ça pas très fautise, Ça, ça se vole des tours à <coughs> coups de Drive Impact. J'ai envie de dire bon. et eh oui, mais on verra, on verra. C'est mais c'est juste. Faut faut arrêter de. Faut, faut qu'il faut que les gens arrêtent de penser que les jeux sont faits pour eux. Euh... Et en Les fait, il... c'est ça, joue. Je joue si t'aimes ouais, pas. Bah, joue. Pas si jouer, tu joues. Tout, ouais. Et si, 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 si tu te dis, euh, j'avais vu des, des tweets notamment par rapport à Daigo, il euh, y a une vidéo qui est sortie récemment où Daigo explique qu'il n'aimait pas Street 4, et pourtant oh. il s'est buté dessus euh, pour, euh, pour jouer compétitivement. Si ton but c'est d'être compétitif, eh ben, au lieu d'attendre que le jeu s'adapte à toi, adapte-toi voilà. toi au jeu, en fait. Mmh. Si, si mmh. vraiment tu as envie de, de participer à ça, à cette compétition, à cette émulsion. Et eh bien adapte-toi à Street Fighter 6 comme on s'est adapté à Street Fighter 5 parce que les débuts de Street Fighter 5 je suis pas sûr que beaucoup de gens aient vraiment kiffé. Euh, donc mmh. voilà, on sait juste qu'on s'est adapté au jeu. À comme, ce sujet, comme adapte D'ailleurs, comme il y a quelqu'un qui a fait comme toi, qui a fait deux screens et qui a tweeté. Ah, bah, ah ce oui, Allion, Allion, Allion. Ah mon, j'ai Qu'est-ce que c'est qu -ce que ça affaire Qu'est-ce que c'est oui, que ce brille... a... Il a pas vu Qu'est-ce que c'est que ce Breaking là. News, là, que vous me faites, là, les gens Mais j'ai pas le temps, moi C'est ben bon, on a trouvé la boîte de pendeurs. Mais, mais, mais qu'est-ce que c'est que c'est Mais quand il y a un ah bon. jeu, il faut je... activer la cloche. Je, la je le, sur le, le ça. mets sur le chat. Je le mets sur le chat. Voilà, attends, lui, on a mis deux screen vidéo avec Daigo. Et ça a monté les j'aime. Qu'est-ce que c'est que ça Mais attends... Mais où est-ce qu'il a, le lien La strat de Link x Zelo. Ah ouais, tu, prends, tu, prends, ah tu, prends, tu prends deux screens, tu marques trois lettres, 1500 gemmes, bravo. <laughs> ah il y en a eu moins que moi, let's go Let's go Ah, ah, trop fort. <laughs> ah ouais, 1, 2, 3, parce qu'il y a l'espace, 4, 5, 6 caractères. 6 <laughs> caractères, 1481 gemmes, 51 cit euh, toutes citées et 166 retours. Ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Et c'était par rapport à quoi euh, bah, j'ai tellement gagné, un... ah, c'est ce que tu disais. Donc, j'ai tellement gagné à les Street oh. Cat, que... mais c'était pas un bon jeu. Euh... Et je dirais encore que c'est, euh... je dirais toujours que ce n'est pas un bon jeu. En gros, euh... est-ce qu'il y a d'autres personnes comme dire. ça Ok, d'accord. <laughs> et il, a ouais, eu... okay. il explique que c'est pas parce qu'il gagnait beaucoup sur Street Cat qu'il pense que c'est un bon jeu. Et oui, et oui, et oui, incroyable. Bah, merci pour ce Breaking News. Hein. Euh... Je reste euh, Je reste Prends-toi ah, J'en perds mon, mon français. Euh, il avait mmh. parlé Un peu espagnol Du coup hein, Tellement j'ai perdu oui. Le français euh, Bon bah On va euh, parler ah, du coup On va parler de quelque chose Qui va nous changer euh, d'idée hein, On va parler du trailer de Guy. Voilà Et ça c'est vrai ah, en plus oui, ah, Et ah, ça c'est vrai Et c'est pas la private joke De ce soir Alors le Guy A été présenté à l'occasion du Summer Game Fest On a été en direct Ici tout ça Et quelques Une demi-heure plus tard Ou même dans les 15-20 minutes Plus tard hein, Avant que ce soit accessible il y a eu eh bien, un petit article hein, sur le site de Capcom Unity, Capcom News, euh, parce que maintenant euh, Capcom Unity est un site euh, qui n'a plus de forum, euh, parce qu'avant Capcom Unity c'était ah les ouais. forums de Capcom, et maintenant c'est Capcom News, euh, un site un peu obscur comme ça, mais en somme la seule information qu'il faut retenir euh, dans cet article-là c'est que... Aujourd'hui, on a la confirmation qu'il y a trois niveaux de super art. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le lendemain de la présentation de ce trailer-là, euh, en fait, pour eux là-bas, c'était le jour, eh bien, il y avait euh, des bornes à disposition des personnes sur place pour la Summer Game Fest. Et donc, ça a confirmé justement cette information que les personnages ont trois niveaux de super. Alors, il y, y a la super de niveau 1 qui est euh, en somme une super sans, anim... sans... sans cinématique. Donc c'est le Shinku Adoken de, de Ryu, euh, c'est euh, par exemple euh, le, le, le Hurricane euh, de, euh, de justement Guile. Et il en, est aussi... En, euh, tout droit ou en diagonale d'ailleurs Tout droit hein. ou en diagonale, exactement. Et... Tout ouais, à fait. Tu fais bien de coup le coup mentionner. Ouais. Merci euh, Kima, car il y a aussi quelques petites subtilités. Et oui, aussi, ouais, il a un niveau 2 pour Guile. Attention, pas pour forcément pour tout le monde. Un niveau 2 qui euh, donc prend deux barres de super, mais qui transforme, enfin euh, qui active. Un v le V-Trigger 1 de Guile tout simplement en fait tout simplement hein, le V-Trigger de Guile ouais. et euh, le V-Trigger de Guile dans Street Fighter 6 et eh bien s'utilise comme le V-Trigger c'est-à-dire qu'en bas votre super va avoir sa barre de recharge et, euh, et du coup bah, attendez bougez pas j'ai des vidéos pour ça euh, je vais alors je... attention le, le, les level 2 ne sont pas toutes des V-Triggers hein. Il y a des levels 2 qui sont des supers. Par exemple, Chun-Li, mmh. c'est le level 2, c'est la super de 3.3 où elle peut juggle derrière. Tout à fait, exactement. Mmh. Et pour Gael, donc, c'est le install, le V trigger. Pour, par exemple, euh, Jamie, eh bien, il est directement au niveau max de boisson. Mmh. Voilà. Mais sans, ah. avoir cheveux, euh, sans avoir les cheveux, sans avoir les cheveux lâchés. Parce que il a les cheveux lâchés si vous prenez les quatre niveaux de boisson progressivement. Voilà. Euh, et d'ailleurs, hein, pour les développeurs, euh, euh, Jamie ne boit pas d'alcool, mais on, en, on reviendra là-dessus euh, juste après. Oui. Mais voilà. Donc la plus grosse information, c'était ça. C'était les trois niveaux euh, de euh, de super. Alors attendez-vous, pas. Et aussi ce qu'on a appris hein, dans la foulée. Alors je ne sais pas si la scène va marcher. Alors est-ce que on m'entend toujours Ouais c'est bon je vois que ça bouge toujours parce que en fait si vous voulez je suis obligé de rogner euh, hop la vidéo parce que sinon on va se faire striker euh, par Capcom euh, avec euh, tous les trucs japonais autour tout ça machin. Donc en gros là on a le gameplay de Gal qu'on a découvert également et ce qu'on a découvert à travers ces vidéos de gameplay toute récente c'est que également il y aura les dégâts euh, visuels sur le visage des personnages. Euh, donc déjà première question bonne ou mauvaise idée cette galère cette histoire de, de visage euh, euh, ben, endommagé euh, par la baston de rue, hein, messieurs, vous qui êtes dans l'e-sport. Bon, oh, je vois pas oh, où oh. est le problème. Je vois pas où est le problème. C'était déjà très ouais. bien dans Mortal Kombat. Je vois pas pourquoi ça serait mal dans Street Fighter 6. <laughs> il y a un truc euh, que j'ai euh... lu sur Twitter que je trouve très vrai. C'est que c'est le genre de détails que tu rajoutes quand... quand le développement se passe bien. Que... Hein ouais, hein ouais, quand le développement il est bien développé aussi. Hein ouais. ça, et du coup, ça fait plaisir. Ça... ça... Ouais, confiance sur le, sur le jeu. ouais, bah ouais, là c'est des suc successions de petits ajouts euh, pas euh, in euh, inutiles mais surtout indispensables, genre euh, changer, changer, euh, changer le visage pendant le temps de chargement, mm -hmm. euh, euh, le temps de chargement qui fait une sorte d'entrée de ring, enfin euh, voilà, c'est des, c est c est des petits détails qui s'accumulent et au bout d'un moment on se dit, mais bah, en fait euh, ça donne confiance hein, parce que euh, pendant un moment on, on, on disait, ouais Street Fighter 6 le développement euh, c'était beaucoup de délais, euh, ça prenait beaucoup de temps, ils étaient un peu obligés de faire. Euh, je crois une saison 5 pour, pour, pour Street Fighter V, et là quand on voit justement cette succession de petits détails, on se dit mais en fait c'est peut-être c'est peut-être parce qu'ils avaient envie de peaufiner leur jeu et pas forcément un mauvais développement. Mmh. Ouais, non, clairement. Ouais. Et après il y avait aussi le Covid qui a fait que ils il oui, se sentaient pas vrai. de lancer un contre-tour en période de Covid. Alors effectivement, dans le chat, hein, ça dit que ça rappelle justement euh, les, euh, les petites vignettes de fin dans Street Fighter 2, dans toute la saga Street Fighter 2 où justement oui. tu avais des personnages qui étaient un peu défoncés lorsque, euh, carrément défoncés lorsqu'ils perdaient. Euh, on apprend également euh, à travers euh, tout cela hein, que, euh, bien, euh, avec des articles hein, en marge bien sûr de, euh, de, 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 de la présentation de gameplay de Street Fighter, c'est que. Attention, hop, c'est par là. Du coup, je remets la scène qui va bien. Voilà, voilà. J'adore cette production. Eh bien, on apprend à travers une petite interview via The IGN Japan pas mal de choses. Euh, la première, c'est que le Fighting Ground, le World Tour et le Battle Hub, voilà, hein, euh, se donneront l'impression d'être trois jeux différents. Tellement, il y aura du contenu en fait. Et aussi, ça, on l'avait vu hein, la semaine dernière. Eh bien, que le World Tour ira plus loin que Metro City voilà donc euh, vous avez montré des petites images comparatives où justement il y, avait, euh, il y avait surtout des références à Sir Strike dans le trailer etc tout ça donc oui ça confirme et c'est donc dans cet article là qu'on apprend qu'apparemment Jamie ne boit pas d'alcool donc euh, qu'est-ce que c'est c'est de la Red Bull c'est quoi euh, c'est 3 3 ans, ans, boisson spéciale euh... ils ont dit et euh, dans le chat j'ai lu de la boisson e-sport et ça m'a fait rire ah, ah oui ouais, c'est pas faux c'est le jus de raisin de Reza ça on, on la fait rire. Oui. Mmh, on, oui, on est d'accord c'est mmh. <laughs> jus de pomme ouais. jus de raisin c'est ouais. le de pomme de C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, dans le chat, bah, hein, ouais. bonne 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 référence hein, aussi à Art of Fighting hein, quand les visages se font défoncer. Vas-y, ouais. euh, Link, tu voulais dire quelque chose J'allais dire, si c'est de la boisson e-sport, après, euh, changement de stance et il met les bras croisés. Et il se tape avec les pieds. Ça a été <laughs> incroyable. j'avoue, 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 j'avoue. Euh, D'ailleurs hein, aussi, hein, euh, on parle d'Art of Fighting, mais euh, petite mention hein, également. Euh, Luc euh, a son euh, sunblast Blast, c'est le même coup spécial que le militaire dans Art of Fighting 2. Je dis ça, je dis rien. Enfin voilà. Plus incroyable. les, oui. plus les visages oui, y qui y sont bizarre. ébouriffés. Voilà. voilà que ouais, euh, il y a des trucs J'ai vu, euh, vu aussi, j'ai vu qu aussi qu'il y avait des références. Tu sais quand es en, quand t'as plus de George de Drive, hum. t'as une stance un peu. Euh... Un peu bizarre, c'est des références à d'autres jeux, etc. Donc, euh... franchement, c'est ouais, ils font plein de petits détails qui font plaisir, quoi. Genre, euh... sans que c'est maîtrisé, en tout cas, euh... que c'est pas rocher, que c'est maîtrisé. Euh... Bon, j'espère, euh... j'espère que je me trompe pas, en tout cas. Sinon, ouais, ouais, hein, j'allais mais... mettre, la... mettre la garde, <laughs> tu vois, <laughs> ça... mettons un peu la garde, mais euh, ça... Ah, ça, ouais. fait plaisir. ça fait plaisir. Très bien, très bien, très bien. Euh, alors, euh, qu'est-ce qu'on... Alors, bougez pas, parce que euh, mon, mon fil, là, il est parti en cacahuète. Euh, alors, bougez pas. Tac, tac. Ah, voilà, parfait. Hop parce que j'étais sur un site, en fait, je vous raconte la petite histoire, un site, il y a une vidéo qui tourne, et en fait quand la vidéo se termine, ça passe sur un autre article, Fiesh. Et justement cet article-là, eh bien, euh, on, va, on va venir là-dessus juste après, mais avant, on va rapidement parler d'une petite news hein, autour de Street Fighter 6, l'histoire, la fameuse histoire des tags. Voilà, hein, euh, ah, ouais. apparemment, dans le truc principal de Street Fighter, là, Street Fighter 6, il y a des tags hein, sur le mur, et chaque tag fait référence à un personnage de Street Fighter. Hein. Hop, je mettre ça full screen. Il y aurait apparemment Sakura, il y a du Bison, du Guy, Mika, Vega, Camille, Ken, Ryu, bref. Voilà, le, la promotion du jeu fait référence au, euh, à, tout, à tous les personnages de Street Fighter. On aurait pu tomber dans le panneau. Parce que je vous, je vous vois venir, hein. on aurait pu tomber dans le panneau, mais on a eu le leak. et le leak, euh, voilà, il oui. n'y a pas de, il n'y a pas de dictateur, il n'y a pas de Vega, etc. Mais, mais. N'oubliez pas que, selon euh, ce qui se dit sur les internets, il y aurait bien 25 personnages à la sortie, alors que le leak en montre que 22 et qu'on a Probablement trois veux... boss cachés. Ouais. Voilà, semble-t-il. Ouais. Et quand vous regardez les images des, du leak, il y, y a une des images où il n'y a pas de fin. Donc euh, peut-être que. Enfin voilà, c'est ce qui se dit sur les internets. Moi, je ne fais que rapporter ouais. euh, les infos. Je donne que du, du grain à moudre pour, euh, pour, euh, voilà, pour le cerveau. Maintenant. La suite, on la verra bien. Euh, on la verra bien euh, quand elle viendra. Hein. Voilà. Vous pouvez euh... ne pas y avoir Mika, ça m'arrangerait bien. Ouais, c'est bien Après sept ans à taper Mika, je te promets qu'il y a un perso que t'as pas envie de revoir, c'est elle. C les boxeurs, peut-être. Les boxeurs Non, en fait, il y en a pas mal quand tu penses. Il y en a pas mal. Alors, on va rester dans le druidisme. Parce que justement, si je vous parle de ça, c'est pour être dans le druidisme. Mais déjà, sur les internets, ça balance des frame data. Voilà. Les frame data, YouTube. Voilà. Sérieux ouais. fatigué. Hop là. je l'ai faite, la tier list. Je l'ai faite assez tôt. Ah ouais. Elle dis dispo. donc j'ai mis Jamie en 1. Mmh. <rire> euh... <rire> Je pense après c'est Ryu. Vas-y. Non, t'as ouais, oh vas pas le droit de dire ça. Attends. Non le mais laisse-le quand les... Il est dans le Rudy. <laughs> vas vas-y, vas-y. Ça c'est les estiers, ça. Ouais. Ok d'accord. En... Ah, y a Chunni parce qu'elle peut quand même faire deux super dans un combo. Ouais. Je sais pas oh, si voilà. vous avez eu. Wow. Wow. Ensuite, ouais. ensuite. Et après, après j'ai mis Luc en dernier. Gael, j'ai pas assez de recul encore. Ouais, ok pour... d'accord. <laughs> mmh, ouais. très, ai très bien. Ouais, on, mmh. on va donner deux jours. On va donner deux jours. Ça, ça mérite, ça mérite les 2000 les 2000 les likes. Je te dis tout de suite. Alors, concernant clipé, clipé. Alors concernant la frame data, comme vous pouvez le voir en image, enfin hein, c'est voilà semblerait hein, qu'en mettant en pause dans les trailers ou dans les vidéos de gameplay, eh bien le Drive Paris serait en une frame startup. Alors ça ça, ça c'est probable, hein, de ouf, hein. par contre, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont testé le jeu et qui ont un peu confirmé la chose. Après pour le reste, je suis pas trop sûr. Euh, 13 frames actives pour le Paris et les trois premières frames euh, seraient pour le Perfect Paris. Ça par contre, les trois premières frames, ça semble être confirmé. Par contre pour le reste, je sais pas trop. Donc les 27 frames de recovery et 40 frames wif parce que attention il y a des frames de recovery et des frames de whiff qui sont différentes les frames de recovery c'est celles qui sont sensibles au euh, comment que ça s'appelle déjà au euh, euh, ouais, punish, ouais. punish, punish Punish Counter ouais, Punish, punish, ouais, en fait, punish, punish ouais. Counter ouais, punish, tout simplement je cherchais un voilà c'est Punish Counter Punish Counter c'est vraiment ce qui vous punit dans tous les frames de recovery voilà, donc on n'a jamais vu ça. Ce n'est pas un counter ouais. hit, un counter hit. On vous le rappelle, c'est pendant la frame active de l'adversaire. Là, le whiff punish, ça s'appelle punish counter. Voilà, que ce soit en hit ou en garde. Donc un coup spécial EX dans la garde euh, qui n'est pas safe, donc le mec n'a pas le temps de faire euh, ou votre adversaire n'a pas le temps de se mettre en garde, ce sera considéré comme un euh, punish counter. Ensuite, on a aussi euh, les frames, <laughs> les frames des shops, 5 frames la shop de startup semble-t-il, active 3 frames et euh, et peut oui peut-être comme Street 5 un... ouais. Ah, ouais, 24 frames de 23 alors là on n'est pas sûr parce que selon la qualité de la vidéo hein, donc c'est euh, 23 ou 24 frames de recovery pour un total de 30 frames et ça part aussi sur du engine hein, dengine charge qui serait du 52 frames au total bref voilà il y a une fin une frame data euh, et puis tout un Trade hein, qui, euh, qui parle de cela. Regardez, hein, ça met même pause. Hein. Il y a la vidéo qui met pause pour la frame en data. Vrai, en vrai, ça, ça, semble, ça semble cohérent, tu vois, vu comme ouais. ça. Mm. Mais, euh, mais pourquoi s'embêter Enfin, Pourquoi s'embêter Parce que sachant qu'il suffit qu'il y a la bêta qui sort, ce soit totalement différent. Et puis, Exactement, euh, tout à voilà, fait. C'est voilà, en considérant que le jeu, euh, que le jeu euh, soit en 60 FPS, que chaque vidéo soit bien record en 60 fps etc 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 mmh. donc il euh, y a quand même beaucoup de facteurs qui font que ça peut varier l'ensemble des données semble cohérent euh, qu'il y ait que ça casse de la tête les gens quand même ils cassent la tête arrêtez de vous casser la tête avec après des il vidéos. en faut il faut des gens qui sacrifient ouais il faut il faut ouais, il faut, faut mais... c'est ça après... il faut des gens la base pape après après le truc c'est que vu que dans Street Fighter 5 tu as quand même accès à des à des données encore plus que les jeux japonais je sais que tu as mmh. quand même accès à la frame data par exemple euh, moi j'ai envie de dire moi je moi j'attends que le jeu il sorte et voir eh ce oui, que, voilà. et regarder oui, oui, oui. ce que les développeurs puissent nous proposer parce que ouais Street 5 ils nous ont quand même proposé hein euh, une frame data dans Street 4 oui. maintenant quand tu en mode training tu peux voir euh, quand tu es en positif négatif et tout là tu as tout le délire de, de, mmh. le, du frame bah pourquoi ils ne le mettraient pas dans le 6 aussi, tu vois Genre. Euh... Voilà, c'est ça. Bon, on vous serez un jeu, où vous avez des be <laughs> belles fonctionnalités pour vous entraîner avec le 5. Bon, vous vous les enlèvez, hein, comme ça. Ouais, vous C'était tu... bah, pas le début de Street hey, 5. Comment tu. <laughs> oui, c'était le début de Street ouais, 5, ouais. oui, mais. On ça attend... serait complètement con de leur part de ne pas le remettre, vraiment. D'ailleurs, attend... euh... on attend toujours le mode entraînement en ligne hein, de Street 4 dans Street 5. Voilà. Ou, ou alors, ouais, euh, ouais. voilà, vous voulez qu'on druide, bah, ils vont faire comme Tekken et puis. Ils vont. Vous voulez la frame data, vous, euh, peuilleux, puis. Payant. Voilà, c'est ouf c'est ah ben... En tout cas, ah est-ce que, est que ça semble cohérent pour vous, euh, cette, euh, ces frames data de YouTube Moi, ça me semble cohérent de ce que j'ai vu en tout cas des matchs, notamment, notamment la shop, notamment le pari. Mm. Ça me semble euh, des chiffres cohérents. La, la shop euh, m'a semblé vraiment similaire à celle de Street 5, pour le coup. Ouais. J'ai pas dit dans, dans les commentaires que c'est beaucoup plus punissable en WIF comparé aux anciens Street. Ouais. J'ai l'impression que c'est la même que dans Street 5. Alors j'ai l'impression aussi, euh, mais ça c'est peut-être... Euh, peut-être moi qui bugué, j'ai l'impression que c'est plus facile de les déchopper. J'ai l'impression que tu plus de temps pour déchopper. déchoper, c'est ouais, peut-être un... plus grande. Par est contre plus... la... Ouais. la La déchop, le, le, le knockdown, enfin le knockdown, quand tu déchopes ouais, les personnages, C'est les... ouais, c'est par contre, c'est fou. c'est bien, bah oui, c'est enfin... vie... f... ça évite le 50-50 à la cour. C'est ça, mais c'est ça il aurait fallu soit ça, soit que celui qui déchope soit en avantage. L'un ou l'autre. Ils ont choisi celle où ça repousse très bien. Très bien, au moins tu repars sur euh, du neutral quoi. Tu perds ton Mais momentum, que, euh, ouais. euh, voilà. Bien c'est bien vu. C'est que... chiant les persos, euh, genre euh, Ménat, tu l'as déjà fait ce MP, t'es obligé de respecter. Um, c'est trop chiant. It là, au moins, tu crées une distance et... et puis voilà. Et puis ça peut donner du reward aussi. Euh... Il suffit que le jeu de shop soit soit très fort. Ça peut donner du reward si tu déchopes une shop d'un personnage qui te qui qui, qui sur la sur, ouais, sur ta si, défense. Si t'es si d'altive et que tu déchopes un Zangief t'es bien quoi. J'avoue, j'avoue et en plus il est dans et le jeu. Euh, bien, bien joué Kima. Euh, maintenant on va parler du Rollback Netcode et du Crossplay. D'abord le Crossplay, d'abord le Crossplay parce qu'on est sympa et l'info est sortie hein, comme ça hein, sur un, ben de Easy Eyes, euh, un, un compte Twitch hein, qui euh, diffusait euh, des, euh, justement leur, les reacts par rapport à tout ce qui a été présenté eh bien, au Summer Game Fest et aussi parce que eh bien c'est une euh, voilà c'est une équipe éditoriale euh, dans, du jeu vidéo qui est également là-bas qui a pu euh, sans entretenir avec les développeurs, et semble-t-il que, eh bien, euh, le crossplay est confirmé, tout autant que le rollback netcode. Bon, le rollback netcode, pas de surprise, d'ailleurs, j'ai quelques infos à vous communiquer là-dessus juste après, mais là, on va rester sur le crossplay. Mais le problème de cette vidéo, hein, j'en avais parlé euh, euh, bien dimanche lors euh, du live euh, du Capcom Pro Tour, euh, du coup, je vais la refaire. Hein. Le problème étant, c'est que on a deux conversations en une. En bas à gauche, vous voyez une personne qui, euh, elle, prend les commentaires euh, Twitch pour, euh, voilà, pour euh, faire des reacts. Et donc, le Mec au calme explique clairement en mode euh, world premiere que ben bah, ouais, euh, je me suis entretenu. Je vais faire la même pause. Hein, je me suis entretenu avec les devs de Street Fighter 6, Il semblerait et eh bien que euh, on va avoir le rollback netcode, mais surtout du crossplay. Non pas qu'avec et eh bien euh, euh, juste PC et console, mais aussi avec la Xbox aussi dans le tas. Et là, euh, tu as la personne en bas à gauche qui nous d'un coup se met à parler de euh, Dark Souls de, de, de Dragon Dogma. Oh, il y a quelqu'un sur le chat qui parle de Dragon's Dogma, machin tout ça. Je pense qu'elle qu qu raconte par rapport au Moteur de jeu ou je sais pas quoi. Et là, le mec dit en fait, euh, tu m'as cassé dans mon délire. C'était quoi la question, s'il te plaît Et du coup, elle rebalance en disant, ah oui, le rollback, euh, le, le crossplay. Et là, le mec dit, ouais, donc voilà, il y aura du crossplay euh, entre telle et telle console. Et derrière, la personne en bas à gauche dit, ouais, c'est ce qu'on espère, mais euh, on attend confirmation quoi. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'il faut croire Qu'est-ce qu'il faut interpréter Hein, Qui va y avoir réellement du crossplay entre toutes les plateformes, ou euh, elle parle de Dragon's Ogma, rien à voir, et le mec nous confirme que justement il y a du crossplay <laughs> entre toutes les consoles. Voilà dans quelle merde on est aujourd'hui. Donc moi aujourd'hui, je vais pas prendre le risque de vous dire à, à 100% euh, de boire ses paroles euh, en disant que bon bah voilà, crossplay sur toutes les plateformes. Je vais mettre des pincettes, comme dirait euh, quelqu'un avec des lunettes, et, euh, et du coup, moi j'ai envie d'avoir votre avis à vous, de vous mettre dans la sauce à ma place, et vous demander, euh... de vous demander, alors du coup. Quelle version, la version crossplay entre toutes les plateformes PlayStation, Xbox, PC ou euh, version euh, ouais mais ça a confirmé euh, s'il te plaît. Mmh. On commence avec euh, avec Kima Kima je, je suis sympa je, tu, tu commences. Euh, bah, c'est gentil. Euh, moi je pense je pense que je vais pas me je vais pas me commit. Je mmh. pense qu'il y aura à minima du crossplay entre Xbox et PC et Play et PC. Donc Jouer sur PC. <laughs> <Voilà rire> J'avoue, <laughs> <J> <laughs> J'avoue, à la Fortnite au début. Bien joué, bien joué, franchement bien joué. Tu t'es super bien Kima. Arctal Moi, ouais, crossplay partout, hein. je veux dire 2022, standard qui se met en place. Mm. Même s'il n'y a pas de Xbox One, bon, tu laisses le, la Xbox Series. C'est que tu sais qu'il y a un public sur Xbox. Si tu leur permets pas, si pas d'avoir un crossplay, c'est comme si tu les laissais de côté, comme il y a eu tellement de jeux qui l'ont fait, quoi. Mm. Très bien, très bien, très bien. Euh, move assez safe, hein, j'aime bien. Euh, plus deux en bloc, bien joué. Euh, Link, Link Xelo, toi pour le coup. Ouais, je pense qu'ils vont tenter le crossplay. Je crois que Maximilian avait aussi eu la confirmation entre guillemets par les développeurs mmh. qu il le ferait. Euh... Mais est-ce est qu'il a précisé pourquoi, quelle plateforme pas. crossplay bien oui, le problème il est là, fait chier quoi. Okay, oui, ça, se trouve, euh, ça se trouve à la fin on va avoir un crossplay entre PS4 et PS5 qui vont dire Allez, les gars c'est crossplay. <laughs> ouais, c'est c'est ça le bordel. Le PS4, PC, et hein PC, Xbox. Quoi. Et euh, alors. Non mais après, je pense que ça, ça fait chier. Ça a, été un, ça a été un des gros gros points forts du netcode de de Street 5, même si au début ça a été aussi le fait. Enfin ça a, ça a été aussi une cause de pourquoi le le était mais, euh, mais ça, ça a été aussi un point fort parce que ça a pu relier les deux communautés. Mmh. Euh, et on voit ce qui est en train de l'implémenter pour Guilty Gear, donc je semble... Je suis assez confiant pour qu'il le fasse aussi pour, pour, Street, pour Street 6. Très bien, très bien, très bien, très bien. Euh, Martellus, toi tu y crois ou pas oh, Alors oui, crossplay j'y crois, euh, mais j'y crois pas de la même façon que vous. Ah, je pense que je me gourre mais... Mais euh, les idées, euh, voilà, sont dans la nature. Euh, pour moi, le crossplay, il y aura entre PC, euh, Xbox, nouvelle génération, enfin, dernière génération, et PS5. Mais pas PS4. Mais pas PS4. Parce que euh, vous vous souvenez qu'il y a quand même des jeux où le crossplay entre la PS4 et la PS5 n'est pas possible, parce que c'est des questions de serveur ou je sais pas quoi, il y a des bidouilles. Est-ce que euh, concrètement, euh, ils veulent pousser que le jeu soit euh, sur PS4 Je sais pas. Pourquoi ils proposeraient dans ces cas-là, pourquoi ils ont fait l'annonce de le sortir sur PS4 Parce que pour les ventes, quoi, mais après... Euh... Ouais, parce que le problème, c'est que... Je ne sais toujours pas, pas si le CPT sera sur PS5 ou sur PS4, tu vois, genre de conneries, ah, ouais. euh... Franchement, je vois, je vois mal PS4. Honnêtement, le jeu, oui, il bah sort ouais. deux ouais. ans après la sortie de la PS5... Tu peux pas sortir un CPT sur la l'ancienne génération. Moi, bah ouais, mais moi, le truc, moi je me que... dis ça, mais en même temps on, on m'a dit que le jeu était développé pour la PS4. Mais bon, est-ce que à la base oui, bah, avec oui, oh, Ono tu... il était développé pour la PS4 Est-ce que le développement mmh... du jeu pris par la nouvelle équipe n'est pas pour les next gen et du coup bah, bon, moi, aussi c'est ça la preuve qu'il qu il est sur fais... Xbox. En fait... Pour moi, je vois que ça pour deux raisons. La première, c'est que ils, ils tentent le coup. Enfin, ils tentent le coup. Ils permettent la sortie du jeu sur la dernière Xbox. Pourquoi dans ces cas-là, ils l'auraient pas fait sur la Xbox One et, et ensuite, euh, euh, même si à la base c'était censé être PS4, il y a eu tellement de dinguerie, Covid, euh, retard, saison, etc., que y le cahier des charges, si cahier des charges il y a eu au début il a dû changer, il a dû évoluer au bout d'un moment, tu, tu tiens plus les standards que t'avais à la base du développement vu ce qui s'est passé. Je... Ça sincèrement, va. alors pour moi, encore une fois, sur le chat et ceux qui nous écoutent en différé, on piffe, hein, on est en mode druide, là. Hein. C'est ça. On n'a pas la science infuse. Mais personnellement, j'ai du mal à, à me dire que ça peut se faire sur PS4. Et il y en a qui pourraient carrément penser, ouais, peut-être le premier CPT sera sur PS4 et les prochains seront sur PS5. Même ça, j'y crois pas du tout. Ce serait trop bizarre. Après deux ans euh, de... de... Après que la... La... la PS5 soit sortie... Non, j'ai du mal à, à l'envisager, les... à ouais. On verra. D'accord. Très bien, très bien, très bien. Est-ce que Papa a un avis là-dessus Bah... Moi, le crossplay, j'y crois. Et le fait que le jeu sorte sur PS4, pour moi, c'est pas forcément... Enfin, moi, je trouve que, justement, c'est bien de le sortir sur les anciennes générations... Pour plusieurs raisons, pour, pour moi il y a deux raisons auxquelles on peut mettre en avance. C'est déjà l'input lag, parce que euh, aujourd'hui la PS5, euh, par exemple la PS5 a un input lag assez euh, <coughs> le plus élevé bah, parmi, les, les autres, euh, parmi les autres, enfin parmi les, 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 les consoles. C'est surtout la PS4 Pro qui, euh, qui peut profiter d'un input lag le, le plus bas possible attention, sans, attention. sans éviter le PC. Je me permets, yeah. papa. Hein. Elle plus, plus élevé sur des jeux qui sont sur l'Unreal Engine. Là, on parle d'un Engine qui est maîtrisé par Capcom de A à mmh. Z quand même. Là, là le oui, seul putlac, c'est mais... la machine. Ouais, mais attention, mmh, ouais. Euh, je crois que derrière le RE Engine, il y a de l'Unreal Engine. Comment Non, c'est le RE Engine tout court. C'est ouais, le même euh, moteur okay. que Resident Evil, que c'est tout. Hein. Ouais, c'est ce leur qui veut, moteur ce eux. Ce veut dire, Est-ce est que c'est pas un dérivé de Unreal Engine si, c'est un, un dérivé. Hein. Ah ouais, mais a... non, c'est leur moteur à eux, le RE Engine. Il est, est pas, pas, fou, il pas from scratch, Pape, que, euh, le Hero Engine, <laughs> faites, si, euh, si. faites des recherches, Pape, tu avais ah fini... Ah bah, de... euh, Wikipédia, Hero Engine est un moteur de jeu développé par Capcom pour ses projets internes, voilà. C'est leur moteur à eux, hein. Si c'est leur moteur, alors c'est cool. Bah, faudra voir justement, après, ça quoi, permet de ne pas payer ouais. les royalties de, euh, de l'Unreal Engine, hein. un Engine. Un autre, vous vous devez payer des, un des autre exemple de moteur qui se finit par Engine aussi, T'as le Fox Engine de Hideo Kojima pour Metal Gear Solid mmh. 5. C'était From Scratch et c'est ce qui a coûté le plus cher dans des, des, chez Konami. Et qui, voilà, c'est encore un autre sujet. Ouais. En fait, c'est pas dit, attention, Pape, avant de, juste de te donner la parole, ça se trouve la baisse version. De Ever, ça va être la version PS4 sur PS5. C'est ça, c'est oui, ouais, ça. Ça me ah, s'ennuie de... Fouille. Non, on sait pas. Ça, j'avoue, il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être ça aussi. Donc, euh, et aussi. Et aussi, euh, deuxième truc, alors c'est peut-être un peu bête ce que je dis, mais il euh, y a qui qui a une PS5 euh, aujourd'hui Il oui. y a quelqu'un qui l'a dit sur le chat, j'allais revenir et... dessus. C'est bizarre, c est la PS5, c'est la meilleure vente qu'ils aient fait Ever. Hum... Ah Quand ouais, on voit les trucs, les chiffres, bah, ils nous disent que c'est la meilleure console qu'ils aient jamais vendue le plus rapidement et tout. Euh, je comprends pas. Ouais. Donc finalement, des pas... gens ont une PS5 ou il y en a pas Mais après, déjà, ouais. imagine, si j'en veux une, pour en acheter une, c'est trop galère. Donc euh... ah, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, si, ah, si, ça les, mieux, si là, les, ça les personnes sont intéressées par le jeu et qu'au final, ils se disent Bah mince, euh, j'ai pas la PS5 et je dois payer euh, 300 balles de plus que le prix habituel. Bon. <laughs> Un peu relou. Voilà. Voilà, c'est ça peut ça peut être bizarre donc il y a peut-être peut-être ça aussi il euh, y a peut-être ça aussi il en fait il y a trop de questions il y il y, y, y a trop de spéculations malheureusement euh, j'essaie pas trop de m'avancer mais euh, le fait que le jeu soit sur les anciennes générations je trouve ça très bien pour les, org les organisations de tournoi, parce que bah, par exemple, des associations ne vont pas forcément se permettre de, de se procurer des PS5 ou des, euh, ou des Xbox One série S ou série X. Bah, au moins, va. ils peuvent se dire Ah, au moins, on a nos PS4 qui sont déjà, qui sont déjà euh, au chaud de notre côté. On mmh. pourra peut-être les balancer pour, euh, pour les prochains. C'est sûr, c'est sûr, mais il ne, faut toujours, il ne faut jamais penser que le développement d'un jeu est fait pour ce genre de choses. Il oui, est fait pour et... une rentabilité, pour d'autres des... oui, voilà. choses. Donc. Euh... Ce, ce genre d'argument, c'est bien pour eux, que le jeu sorte sur PS4, c'est bien pour l'événementiel, parce que y a des parcs de PS4 partout, et avoir des parcs de PS5 ou Xbox, c'est plus compliqué. Mais c'est pas ce qui rentre dans leur ligne de mire mmh. pour euh, le développement mmh. ou euh, les chiffres prévisionnels, ou ce genre de choses. Bien sûr. Ouais, oui. Euh... D'ailleurs le chat, hein, je suis bien curieux le chat et même les commentaires YouTube. Hein. Euh, Dites-nous si vous avez une PS5 juste en écrivant PS5. Je suis curieux. Hein, et, et si vous préférez jouer sur qui PC, écrivez juste PC. Mmh. Et si vous jouez sur PS4 euh, ou Xbox, mettez juste le, le, le nom de la machine euh, en commentaire là. Je suis curieux de savoir justement euh, euh, le nombre de joueurs qui ont réussi à choper une PS5 ou qui ont lâché l'affaire ou qui ont préféré Préfère, euh, préfère la Master Race <coughs> pardon voilà PS5 PC oui. beaucoup de PC il y a de la PS5 oh, une PS4 deux PS4 euh, ça joue sur PC euh, PS5 beaucoup plus de PC hein, quand même mais il y a quand même une communauté PS5 plus que PS4 ensemble, semble-t-il intéressant super intéressant il y a quelqu'un sur le chat qui a dit que le RO Engine il tourne Fox. bien sur les anciennes générations alors je pense que même sur PS5 à mon avis ça doit bien tourner enfin, je prends l'exemple de Devil May Cry 5 j'ai pas euh... vu de mauvais retour concernant le le Hero Engine en lui-même en fait, personnellement. Bah Resident Evil 8, euh, Village, il est ouais, euh... Euh... Oui voilà, bien vu. Très bien, moi ouais. il est encore mieux. Voilà. Oui, bah c'est pas. Enfin... Forcément. D'accord. Forcément. Mais... forcément. Très bien, y a-t-il encore besoin de le dire hein oui, oui. <laughs> Merci le chat. Hein. je Merci pour vos retours hein. majoritairement PC, PS5 et ensuite euh, un chouïa de PS4. On va rester sur le rollback netcode avec l'information également qui tourne sur IGN. Hein. J'ai vu quelqu'un sur le chat essayer d'en parler. T'inquiète pas, j'ai mon contre ReCames par rapport à ce que tu dis. Tu vas voir ça. <laughs> euh, j'ai fait mes devoirs, t'en fais pas. IGN hein, qui, euh, bah voilà, hein, sur le site US, qui balance que, eh bien, euh, le Rollback Net Code de Street Fighter VI va être, va être refait va rebondir de zéro en fait tout simplement un hein, from scratch comme diraient euh, les experts et ce qu'il faut savoir dans cette interview vidéo hein et eh bien j'ai pris mes petites notes parce quelles sont mes notes mes notes mes notes elles sont euh, tuc 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 tuc, Elles sont elles sont où, mes notes ah oui voilà j'avais fait un tra j'ai traduit également hein, ce qui se disait plus ou moins donc en somme euh, donc Takayuki Nakayama le producteur du jeu a balancé durant cette interview qui dure 6 minutes à peu près allez je vous je, je vais illustrer tout ça en vidéo comme ça et eh bien il dit je cite, comme vous le savez, Street Fighter 5 avait aussi le rollback netcode, mais Street Fighter 6 n'aura pas le même rollback netcode que Street Fighter 5. On est reparti de zéro et avons mis beaucoup d'efforts là-dedans. Tout le monde au sein de l'équipe de développement, pardon, tout le monde au sein de l'équipe de développement participe activement à son élaboration afin que l'expérience soit fluide. Et pour le moment, ça le fait. Voilà ce qui se dit hein, sur le rollback netcode. Et Évidemment, euh, ça a posé également des questions sur le crossplay, mais on va y venir juste après. D'abord, euh, bonne ou mauvaise nouvelle cette histoire de rollback netcode bah Qui oui. se lance Là, euh, petite anecdote, hein, sachez que le remake de Jojo's Bizarre Adventure ne sera pas en Rollback Netcode <laughs> et tout le monde dit oui, est bah, il est mort-né. Des, euh, des, 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 <laughs> des bisous Des bisous Des bisous, bien sûr Des bisous Alors, euh... Nick Axello, qui est à fond dans le jeu, euh, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour toi, euh, cette histoire de référence Tu du delay Netcode à l'ancienne. Yes, euh, ah, yes Let's go, go. Je suis un ancien, les gars. Donc, euh, moi, Street Fighter catch je quand tu coupais mes Just a Frame parce que ça marchait pas. <laughs> Ah le kiffé. jeu il est pas avec moi Ah oh, c'est trop bien yes <laughs> <ça>. quand euh, <laughs> Parce que je savais pas Combien il y avait vraiment de frames de décalage Donc fallait que j'adapte mes Just a Frame Parce qu'on savait pas trop trop Je kiffais donc euh, j'aimerais revivre ces, ces, cette expérience quoi Non mais en vrai bonne nouvelle hein, Clairement bonne nouvelle yes. j'ai envie de les croire quand ils disent que ça marche bien Là mmh. où si ça aurait été Street 5 J'aurais fait ah oh, je sais pas trop Mais euh, mmh. j'ai envie de les croire là Très bien, très bien. Arctal, bonne ou mauvaise nouvelle, est-ce que tu imagines un Street Fighter VI avec le rollback netcode de Killer Instinct ouf. Oh la vache Bah j'ai envie de dire, ce serait pas bien, ce serait normal. Ah, ah la là là là, là. la punchline, on valide, on valide de ouf. Voilà. Kima, Kima euh... merci pour ton intervention euh, simple et efficace. <laughs> ouais. je, 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 vous, je vous cache pas que j'attendais une suite, mais je me suis fait bait tout seul. <laughs> Kima, là, je suite. <laughs> je donner, non, c'est bon, bon, bon merci, donner, mais... merci Arctal. C'était et... franchement propre, franchement propre. Euh, Kima, oui, oui. alors toi eh ben, c'était évident qu'il fallait euh, rework ce, ce, ce rollback netcode, qui d'ailleurs n'est pas le même type de rollback netcode qu'on peut avoir sur, euh, bah, sur Killer Instinct GPO ou euh, sur Guilty Gear Strive puisque c'est rollback netcode qui marche sont des rollbacks mixés euh, avec du délai en fait c'est un, oui, un mixage exactement. de rollback et de délai alors que le rollback netcode de Street 5 est un rollback pur euh, qui d'ailleurs est issu du rollback de Street Fighter Cross Tekken le saviez-vous et, ah. euh, et euh, ça marche pas très bien puisqu'on a cet effet de, 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 de saute, du frame qui saute très fort hum. et, et, et voilà et donc je pense qu'il faut, il faut adapter la technologie à ce qui marche et, euh, et ça marchera très bien j'en suis sûr voilà. Très bien. Euh, je... euh, Martellus, toi qui, 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 qui je sais, veut dire des choses là-dessus. Hein Bon, euh, non, mais c'est bien. Euh, ils ont intérêt d'avoir un netcode euh, au minimum, aussi bien que celui de Killer Instinct ou de Guilty Gear Strive. Mmh. Et, et je dis bien au minimum. Et, et s'il peut faire mieux, alors qu'il fasse mieux. Mais vraiment. Très bien. bien. Killer Instinct, Mortal Kombat X, Mortal Kombat 11, Skull Girls, Guilty Gear Strive Time euh, <laughs> girls Et bah s'il si peut faire en... mieux, et ben bah qu'il fasse mieux, qu'il ne se que, contente pas, pas du minimum. bientôt que... Project L. Alors en plus de ça, Project L. Donc ça veut dire qu'on est devant est un ça... concurrent d'une nouvelle génération de jeux de baston. On... Ça, ça va être encore gameplay. des technologies voilà. extraterrestres. Voilà. <laughs> <vont peut> <laughs> oh, Au-delà de ce que va proposer le jeu en matière de gameplay, d'ambiance, de musique, de tout ce que vous voulez, d'un point de vue technique. Euh, le live va falloir qu'il soit. Euh, qu puisse bah, tenir ouais. la route. Parce enfin, que les gens, ils vont. Il y, a, il y a un public, même si ce sera pas tout le monde, il y a un public mm -hmm. qui va partir sur un autre jeu, si jamais En fait, il faudrait... il faudrait finalement que le... il commence le développement en pensant en rollback netcode et pas en mettant le oui. rollback netcode à la ah, fin. Mais... Oui. Dit, oui. Ah, mais bien merde C'est la mode, mais... il faut le mettre Bien sûr, non mais c'est ça. Alors, le après, truc, c'est après... qu'il y a que Mortal Kombat qui l'a fait. Là, il y a. Euh... Je finis juste, que Tu vois, il y a les jeux de Arc 6 qui vont tous avoir un rollback. C'est à dire, voilà, que même voilà, au Japon, l'effort justement... ouais. se fait donc il euh, y a plus le choix, quoi. Maintenant, pape, c'est bon, voilà, pape. Tu quelque euh, franchement, juste, bah, ils, peuvent, ils peuvent cancel au dernier moment et nous mettre un délai absorb net code, et puis voilà, on est bien, on est max. <laughs> je l'attendais, celle-là, ouais. j'attendais l'attendais, je l'attendais, pape. Qu'est-ce que tu voulais dire là-dessus? Bah, le, le fait que le jeu doit être pensé pour du rollback, oui, c'est bien parce que moins ça permet vraiment de, de, de bien optimiser le jeu plus tard. Mais après mmh. mettre le rollback netcode en plein milieu des développements ça marche. Guilty Gear Strive l'a fait. Faut pas oublier qu'il euh, y, oui, y avait une bêta, il y avait une bêta avec un vieux delay base tout dégueulasse ils se vrai. sont inspirés de ce que de ce que de ce qu'on fait de ce qu'on fait, qu fait la petite équipe pour Axen Core pour se dire OK, mmh. le GPO, on va on, on va on va essayer de le mixer un peu pour le fond dans Guilty Gear Strive et le résultat il est maintenant. Mmh. Très bien, Donc très euh, bien. Le, le, voilà. Ok, désolé. Euh, désolé. Maintenant, on va enchaîner sur le crossplay possible euh, euh, et le rollback netcode confirmé. On me disait euh... et toi, euh, toi KX, qu'est-ce qu que tu en penses aussi Tu j'entends ah, wow, euh... des voix, si je Euh, euh <laughs> Bah écoute, ouais, c'est une bonne nouvelle pour moi. C'est une bonne nouvelle. J'ai envie d'y croire. Je suis naïf. Let's go. Euh, Donnez-nous un ouais. rollback netcode aux petits oignons, comme ça, on pourra aller dans le futur de l'e-sport et enfin assumer pleinement des qualifs à 48 joueurs en ligne pour faire des finales euh, IRL. Et du coup, ça reviendrait moins cher pour Capcom. Ils ont qui a payé euh, 48 personnes. Enfin euh, voilà, bref. Euh, du pour public. moi, pour Imaginez, moi, ce, a... ce serait que du bon. Imaginons on a un netcode euh, comme certains FPS euh, font. Euh... Avec du frame advantage pour les défenseurs ou genre de conneries, non Non, 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 non. pas smash genre Non, 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 surtout pas. Non, on va pas Il y a des jeux e-sport qui ont des 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 où il y a des frame advantage. trop mettent ils mettent déjà. Frame advantage. C'est très bien. Laisse les gens faire s'il te plaît. Martinus, on n'a pas de gun. On Street pas de gun dans Street Fighter. Laisse-nous sortir. Si tu veux des guns, il y a des accessoires. Il y a des guns, va Laisse-nous sortir déjà de l'année 2013. Voilà. Voilà. Vous êtes pas drôle, vous voulez patouiller, quoi. Alors ensuite, IGN a publié un article euh, en anglais. Évidemment, l'article en anglais n'existe pas, car c'est juste une vidéo. L'article est dans la vidéo, en fait, tout simplement. Et euh, IGN France a fait l'effort de, euh, de, de, de donner un peu plus d'informations, de traduire l'article et également un peu la vidéo. Donc du coup, Street Fighter 6, crossplay possible et Rollback Netcode confirmé Et effectivement, le titre veut tout dire crossplay possible. Pourquoi Parce que lorsque vous descendez, eh bien effectivement, ça parlait de Maximilian qui disait c'est confirmé hein, directement auprès des développeurs. Street Fighter 6 aura du crossplay aussi, vous inquiétez pas les gars. Mais derrière, IGN a parlé directement au producteur de Street Fighter 6, hein, Matsumoto, l'un des producteurs, et à propos de ceci, et... Il n'a pas confirmé ou nié cette éventualité, mais il a déclaré que c'est quelque chose que l'équipe vise. Voilà, donc déjà il y a une OS, genre on va essayer, mais c'est pas sûr les gars, parce que franchement euh, on verra qui est-ce qui met le plus d'argent sur la table pour avoir l'exclusivité. Vous connaissez la chanson. Donc du coup, euh, il rajoute à Matsumoto en disant que nous comprenons son importance, et que c'est quelque chose sur lequel nous travaillons dur et que nous visons. Voilà, donc une fois de plus, le crossplay entre toutes les plateformes n'est pas confirmé, mais il est juste envisagé, euh, voilà, il est possible, tout simplement, et tout ça grâce à. Cette OS, euh, cette OS euh, à la japonaise. Voilà, OS façon Street Fighter 4. Tu te relèves avec la shop et tu veux déchoper. <laughs> tu veux choper, ça fait une déchoppe. Tu veux taper, ça te fait des ballites. Voilà pour euh, l'information sur le crossplay. Donc, euh, ben bah, ça confirme encore ce qu'on disait tout à l'heure. Patience, on n'en sait pas plus. Euh, tout simplement. Alors. Ensuite, on va repartir sur euh, les, petites, les petites pastilles que Capcom mettait au sujet de Street Fighter et surtout Guile, qui eh bien euh, nous confirme qu'il y a du frame perfect dans le jeu. Voilà, aujourd'hui, si vous voulez faire euh, un, un, un Sonic Boom particulier au bon timing et avec des frames advantage, euh, pour, faire un, pour faire des combos plus, euh, plus, plus prolongés, ben, il faudra faire le Sonic Boom justement, le Sonic Boom avec un timing parfait et cela sous-entend également que ben côté Ed euh, eh bien son signature move hein, parce que ça ils appellent ça comme ils appellent ça un, un, un signature move, signature euh, move. Euh, voilà un, un mouvement signature du personnage et eh bien côté Ed on peut envisager hein, que eh bien sa signature à lui, c'est lorsque vous chargez le coup vous savez comme dans Street Fighter V, pour faire plus de combos éventuellement Chun ce serait son changement de stance qui serait son mouvement signature et Ryu ce serait son ashogeki, ou plutôt son, 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 son son, son spécial qui permet de charger ses coups spéciaux hein, et ensuite d'avoir une aura voilà, d'engine charge. Merci pour la notice euh, anglaise. Euh, Est-ce que c'est une bonne idée de mettre, euh, de, de, de voir le retour, euh, de, notamment pour Gal, du Frame Perfect, mais aussi de manière générale d'avoir des mouvements signatures par personnage Et on va commencer par euh, le joueur e-sport, Link Excello, qui a eu le temps de réfléchir, j'imagine. Alors euh, déjà, euh, j'aimerais revenir sur un truc, on parlait du, des patterns euh, d'avant euh, Street Fighter, d'avant le ah. jeu Street Fighter. Le, un des premiers commentaires que j'ai lu sous cette le vidéo était... Ouais voilà, c'est ça, c'est celui en plus. C'est alors, on met du ski maintenant dans Street Fighter, putain. Ah, ça veut terminer. C'est vraiment un pattern, hein. C'est vraiment, il n'y a pas d'embrouille, c'est un pattern. Euh, <laughs> sinon, alors... C'est une bonne nouvelle, je pense que c'est cool, c'est flashy, etc. Après, il euh, faut aussi se méfier. Euh, c'est souvent pensé comme un truc difficile à faire, etc. Euh, et du coup, des fois, le reward est trop fort par rapport euh, à ce que ça demande. Euh, je peux donner un exemple le Just Frame Tenko de, de Karine dans Street Fighter V. C'est un Just Frame, mais tout le monde y arrive, en fait. Donc, euh, à la fin, ça te rend juste la chose forte. Hmm. Surtout dans Street 5, il n'y a pas vraiment de just frame hein, avec le... Ouais, c'est just frame plus 3, quoi, du coup, ouais, qu il est y a les 3 frames de euh, Donc euh, voilà, il faut faire attention à ça. Euh, J'ai pas l'impression non plus que pour Gail, c'est pété, ce truc, il faudra voir en match, mais... Euh, voilà, je me... suis content qu'ils aient fait ça. Mm -hmm. euh, après, je reste un peu sur la défensive aussi. Il y a juste, euh, je ne sais pas trop comment ça marche, du coup, pour Gail, parce qu'il le fait aussi en neutrale. Alors, est-ce que c'est, euh, tu charges pile poil un, un bon nombre de frames et... Et tu relâches le Sonic Boom ou c'est quand tu fais la manip, euh, je ne sais pas trop comment ça marche. Ouais, pour Luc c'est assez évident, mais euh, pour Gaël je ne sais pas. Ouais, ouais exactement. Euh, Pape, toi t'en penses quoi de cette mécanique-là Est-ce que c'est quelque chose qui te branche Est-ce que est... bah, Donne-moi ton avis là-dessus tout simplement. Moi j'aime beaucoup, ça récompense ceux qui ont envie de travailler en fait. Ouais. C euh, c après, après comme, comme a dit Link il faut, faut savoir après comment ça va être. Est-ce que ça va être vraiment facile à faire et que le reward derrière va être juste absolument abusé Ça on ne sait pas, on verra comment ça va être au niveau du jeu. Mais pour moi l'idée de base je le trouve bien parce qu'au moins s'il y a des gens qui ont envie de travailler, bah au moins euh, ils ont une récompense, ils ont une bonne récompense en jeu quoi, c'est cool. C'est exactement et c'est ce qui rejoint justement euh, euh, bien euh, euh, la, la philosophie du jeu hein, de grinder hein, en fait de commencer en bas de l'échelle et d'être plus fort parce que justement en parallèle on a aussi euh, le moderne les commandes modernes qui euh, qui ah oui, justement bah je, inhibe je vais, je, je vais pouvoir glisser une là-dessus, vas-y. Vas-y qui justement inhibe pas mal de euh, eh bien de, de, de coups de, de coups normaux hein, la palette de la palette de coups du coup est, euh, est, est plus réduite euh, et il y a aussi certaines spécificités et Kima, toi, toi as tous les détails là-dessus hein. ouais donc euh, en fait je, je vois dans le chat ce qui est écrit en mode euh, ouais Gaël le Sonic Boom Perfect en mode moderne en fait même en mode moderne il faut charger c'est pas juste un bouton le Sonic Boom il faudra oui. charger même en moderne et en moderne, en plus, vous n'avez pas tous les coups spéciaux. Par exemple, le hashogeki de Ryu n'existe même pas en mode moderne. Mmh. Il n'existe pas. Euh, si vous faites arrière plus coup spécial, c'est Tatsu qui sort. Et il mmh. euh, y a d'autres euh, petites choses qui changent en mode moderne. Vous n'avez pas accès à tous les coups normaux. Ça, on le savait à peu près déjà, ça avait plus ou moins été déjà dit. Par exemple, Ryu, s'il fait bas gros, c'est balayette. Il ne peut pas avoir bas gros points. Par il n'y a pas de gros points, ouais. Et euh, autre chose, les super, qui sont aussi des raccourcis en mode moderne, font moins de dégâts. Voilà. Eh oui. euh, si jamais vous voulez la source, c'est dans le gameplay de Ken Bogard sur YouTube, il l'a uploadé dans la nuit d'hier. Donc il raconte tout ça dans sa vidéo euh, par rapport à son gameplay de Street Fighter 6. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Je vois dans le chat, hein, ça récompense ceux qui veulent travailler. Street Fighter 6 Macron édition, <laughs> évidemment. Et derrière, hein, Pac-Man Jones, hein, je valide complètement, hein. le burn-out, c'est quand le patron te casse les, les couilles et quand ta femme te tabasse aussi à la maison. C'est chiant. Ah là là, c'est punchline de, de chat. Hein. Euh, alors, du coup, euh, derrière, effectivement, euh, je me fais aussi l'avis d'Arctal, Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce timing, euh, de ce retour de timing là, de ce frame euh, perfect Alors, ton micro est coupé. Okay. Voilà, pardon, bon. excusez-moi. Vas-y, je t'en prie. Euh, non, je suis assez d'accord avec euh, ce qui se dit dans le sens où. Quand tu as envie de... Tu forcément un public qui aime bien travailler ça récompense le joueur. Il hmm. euh, y aura toujours des gens qui vont rechigner. Euh, parce que ça existe aussi. Hein, le Just Frame dans Street 4, c'était le cas. Bien sûr. Euh, mais je pense à un autre point. Euh, je vais déjà mettre la garde très très vite, bizarre. Vas-y, 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 t'as le droit. droit euh, C'est que... Je pense que si jamais il y, y a trop de gens qui se plaignent, ils vont l'atténuer. Ah. Mmh. Mmh. Je, je donne un exemple pour le chat et pour ceux qui écoutent. Sur Dragon Ball Fighters, il y avait ce qu'on appelle le Goichi Jump, qui est un saut qui te permet d'avoir une courbe plus haute et qui permet ouais. d'aller plus proche de ton adversaire même quand tu es loin. Mmh. Et à partir de la saison 3, c'était un, un saut que tu faisais avec un timing très spécifique en matière d'input. Et à partir de la saison 3, tu avais juste à maintenir le bouton spécial et juste à sauter. Et il y en a qui ont gueulé sur le fait que ça soit trop simplifié parce que justement il y avait ce côté récompense. Et ils l'ont simplifié parce que justement il bah, n'y avait pas beaucoup de gens qui arrivaient à le faire. Et du coup ils ont intégré ça dans le jeu en fait, cette mécanique. Voilà, de euh... manière un petit peu mmh. plus euh, officielle Ciel, si on peut ouais, dire quoi. Tout à fait. Bon, et à la de fin, manière hein. du coup plus... Euh, la, le, 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 la manière de faire était plus atténuée. Là tu appuies juste sur un bouton, c'est pas mmh. un... Un, un truc euh, très très difficile à faire alors qu'avant bah l'a trouvé comme je l'ai dit pas beaucoup de gens arrivaient à le faire quoi donc c'est pas mal l'idée sur le papier je suis complètement d'accord à voir comment ça peut évoluer du coup, derrière, ça me ça, ça, ça pousse à une question, euh, à une question toute bête, hein, par rapport à ces commandes modernes. Certes, les commandes modernes ont, euh, font moins de dégâts, ont un, une palette de coups plus réduite. Euh, par exemple, l'histoire du bas, gros point de Ryu qui n'existe plus. J'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Hein, tu fais avant triangle, tu as le dragon. Hein, c'est la même chose. Ouais. Hein, voilà. Il a perdu ce euh, Solar Plexus aussi, par exemple. Donc voilà. il perd quand même des coups importants dans l'histoire. Voilà. Du coup, on est clairement dans cette, euh, dans cette euh, philosophie de ben, euh, tu commences à 2 0 avec le mode facile entre guillemets hein, le moderne tu kiffes tu essaies d'aller plus loin avec le mode classique tu kiffes tu commences à faire les just frame ou les ou du maîtriser les signature move mais est-ce qu'on reste parce que il y a eu un gros drama hein, sur les commandes modernes hein, bien sûr sur le fait que ben est-ce que Street 6 va être un jeu trop simple selon vous ah, je vois des têtes bouger, je vois des têtes bouger, ça fait plaisir J'ai vu une tête bouger par là, là, en bas à gauche, Link XLO. et avec Arctal, là, parce que chez moi, Link XLO et Arctal sont la même ligne, et j'ai vu mmh. des vagues à gauche, là, comme ça. <laughs> On commence avec Link XLO et après Arctal. Vas-y, Link. En fait, euh, pour moi, la difficulté d'un jeu de combat, se joue pas sur l'exécution. Super pas intéressant. Euh, ouais. Euh, je préfère... Moi, je préfère vraiment un jeu de combat... Euh, qui est limite facile à prendre en main, mais au, au moins je suis sûr que le mec en face, il, il peut avoir accès à tous ses man games, tu vois. Ouais. Il a accès à tous ses outils, et du coup, on joue à, à jeu égal, euh, on, va, on va taffer. Alors après, qu'il y ait des petites subtilités dans l'exécution, c'est très bien, euh, mais j'aime pas les jeux où euh, vraiment euh, l'exécution peut euh, vraiment limiter tes options, tu vois. si... Je, je, veux, bon, je vais pas prendre d'exemple parce que ça va faire encore des dramas, donc on va pas prendre d'exemple. Mais vas-y, vas-y <laughs> Nous, on aime, vas-y non mais genre par exemple euh... non vas-y je vais pas vas-y vas-y mais les... si vas-y <laughs> vas mais... Street Fighter 2X ouais pour un exemple euh, si le T-Hawk, il fait jamais d'erreur euh, à partir du moment où il te met un light en garde tu as perdu la Alors. seule chose qui fait que tu ne peux pas perdre c'est que le mec se loupe tu vois hmm. Ça c'est naze c'est mais il oui, y, a, y, a y a vraiment pas de solution pour ça. Par exemple, a comme a empêcher de tiog d'approcher. Oui, ah, d'accord. <laughs> oui, oui, il y a une solution. <laughs> effectivement, c'est une solution. Oui, mais il, faut, euh... il faut donner des arguments quand même, oui, parce solution. que ah, là, bon là, bon. là, là, avec ton ton, ton ton ta punchline, là, on va se faire foudroyer sur YouTube et tout. J'ose même pas imaginer. Hein, ou sur les Discord, c'est pour ça. Donne des arguments également. Oui, il est possible d'éviter cette situation en empêchant le tiog d'approcher. Des quadruples perfect sur un FT2. Voilà. C'est bon il me touche pas <laughs> effectivement mais voilà ça c'est des trucs que moi je veux pas euh, c'est pas des trucs qui m'intéressent après euh, voilà moi moi la difficulté comme street 5 c'est quelque chose qui me va très bien euh, j'ai encore lu des choses aberrantes avec le truc du pari genre oui le pari l'exécution de 3.3 le pari machin mais c'est juste ne pas comprendre comment marchent les deux paris entre street 5 et street 3 je pense ouais. Ouais. Euh, et voilà donc euh, je pense que le niveau de difficulté de Street 5, de Street 6 sera à peu près similaire à celui de de Street 5. Donc et euh, c'est une bonne chose oui. finalement. Et pour moi, c'est une bonne chose. Clairement, exactement. le fait de ramener beaucoup plus de joueurs. Arctal, tu voulais réagir quand t'as fait la vague toi aussi. Alors, en fait, j'allais rebondir sur ce qu'elle dit, sur ce qu'a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, euh, Leaking Zelos, c'est-à-dire, mm -hmm. je suis d'accord dans le sens où avoir un jeu accessible au niveau de l'exécution, c'est une bonne chose. On en revient entre parenthèses au passage à plusieurs émissions. On avait parlé de l'accessibilité dans les Tout jeux de combat. Tout à fait, exactement. Et, euh... et en fait, c'est pas ça qui me fait peur. Parce que je joue à un jeu qui s'appelle Killer Instinct où les combos sont très simples à faire. Et c'est dire si les mecs, ils ont quand même créé un combo assist parce qu'apparemment, c'était pas suffisamment simple. Et en plus de ça. Si, un... si ça va dans le même sens que Street 5, ça ne devrait pas non plus trop poser de problème. Moi, ce qui me fait peur, c'est que ça amène à une sauce un peu à la Mortal Kombat 11, où en fait le reward d'un perso est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop gros par rapport à la... Comment dire Avec À euh... l'expérience fait... oui, oui, ouais, ouais, fait... ou à, la... Comment dire à... à ce que le joueur fait, en fait. Parce que dans, dans Mortal Kombat 11, enfin ces c'est absolument stupide, par exemple, pour citer qu'elle. Mm -hmm. Et euh, t'as pas besoin d'avoir joué 200 heures pour pouvoir défoncer un mec qui a joué 200 heures avec ses trions. Moi, ah. c'est plus ça, ça, ça faire qui faire me fait peur, en fait. Faut faire et du coup, il y en a qui posent la, qui, je, je suppose qu'il y en a qui se sont posé la question avec ce mode moderne. Euh, en mode, bah oui, le mec, euh, il vient de débuter, et donc du coup, il défonce du 200 heures. C'est plus ça qui me. Qui me fait peur que l'exécution en elle-même. Maintenant, vu qu'il n'y a pas suffisamment de coups en mode moderne, je pense que ça pallie quand même la chose. Ouais, et puis surtout la réduction la réduction des dégâts. Effectivement, la question, tu as vu, Nick Exelo Ouais. Est-ce que la multiplication. Sopana Non, toi, tu en avais une autre. Ouais. Non, non, c'est celle Celle de Sopana. la multiplication des systèmes de SF6, ça risque pas de le rendre plus difficile. Si, mais toutes ces options-là sont faciles à faire. En fait, la personne en face à côté de toi pour faire toutes ces options-là. Après, ça sera à ouais. toi de bien les utiliser, mais c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça que je trouve bien, justement. C'est que ça va rendre la chose facile. Par contre, le mec, il va bourrer le bouton toute sa vie parce qu'il sort des coups des voilà, spéciaux. S'il est... il ne fait bah, pas oui. attention à ses barres et à ses ressources, à un moment, il ne va plus rien avoir comme ressources. Il va se dire Mais je ne comprends pas, euh, j'arrive plus à rien faire. Ouais, t'as bien. Bah, ouais. Voilà. Donc, Moins d'exemple Donc, ça pallie la chose. Voilà. C'est ça. Et dernière question Est-ce est que les gens qui commencent en moderne pourront facilement passer en classique Ouais. ouais pense. oui. Ouais, je pense que, que le jeu comme est hein. C'est <laughs> naturellement, je pense. En fait, euh, je pense que le, le, le mode moderne, c'est plus pour attirer la curiosité des vidéos. Ouais. Bah, regardez, ouais, cool. Ed, Ed, dans Street Fighter 5, on a l'exemple avec euh, Andy and Walker. Il a commencé ah, avec ouais. Ed, il joue au clavier. Maintenant, il joue euh, peut-être au hitbox. Il faudrait que je lui demande. Encore un site. Et du coup, maintenant, il a envie de jouer avec des persos de quart de cercle parce qu'il kiffe. Et comme dirait l'autre, je vous sors toujours cette côte à l'infini winning is fun. Et donc quand vous gagnez, vous avez envie d'encore plus jouer et d'être encore plus fort. C'est tout, c'est normal. C'est la, euh, la voix du samouraï. Et d'ailleurs, on parle d'un jeu trop simple. Hein. Kima t'a fait une petite vidéo hein, sur, euh, sur Twitter. J'en profite à un moment instant promo. Hein. Une petite vidéo sur, tu, sur, tu, euh, sur Twitter, sur YouTube, dans laquelle tu parles justement du fait que est-ce que Street 6 est un jeu euh, trop simple Évidemment, tu ne vas pas nous spoiler. Mais pour info, la vidéo dure 30 minutes. Donc euh, n'hésitez pas à aller sur le compte YouTube de Kima pour... Euh, connaître le fond de l'affaire et d'interagir avec lui sur YouTube. Et enfin, eh bien, vous savez, quand est-ce que seront les prochaines nouvelles de Street Fighter 6 Allez-vous ah, ah, Ça me semble Il semblerait que... <laughs> il semblerait que, eh bien... Euh... Après le Summer Game Fest, eh bien, euh, officiellement euh, petite pause hein, côté euh, côté annonce et euh, toute la clique retourne eh bien au développement euh, sur le développement du jeu. Donc effectivement, l'Evo c'est dans deux mois hein, vu que c'est au mois d'août. Il y a de fortes chances, bien sûr, il y a de fortes chances que on ait des nouvelles là-dessus. Et je sais euh, qu'il va y avoir un événement au Japon avec euh, la présentation de Street Fighter 6 d'ici quelques oh. semaines, ouais, semble-t-il. Euh, donc je vous tiendrai au courant courant la semaine prochaine tout, toutes les infos. Il y a juste un tweet hein, qui a été balancé euh, en japonais avec euh, voilà, il, y a, il va y avoir un événement Street Fighter 6 au Japon. Mais une fois que j'aurai beaucoup plus d'infos là-dessus, beaucoup plus de croustillants à vous communiquer, eh bien j'en parlerai la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, c'est l'avant-dernière. Et oui, l'avant-dernière avant les vacances. Aïe aïe aïe. aïe, aïe, aïe. Et oui. Donc du coup, eh bien, euh, eh bien, euh, c'est ainsi que se termine, eh bien... Euh, ce numéro, hein, pas de weekly cette semaine parce que bon, euh, 2h40 d'émission déjà, c'est pas mal. Euh, merci à tous, hein, d'avoir été avec nous. Merci Arctal, merci Kima, merci infiniment Pape. Oui. Pape, pap, tu reviens quand tu veux, c'est la maison chez toi ici, ok T'as envie de parler quelque, bah, quelque chose, ouais. hein, euh, cuisine, j'ai l'impression. Euh, hein. Monster Hunter, ce que tu veux, mmh. tu mmh. nous dis, hein, tu parles de, de ce que tu veux ici, c'est chez toi. Merci beaucoup, hein, Martellus. Merci euh, Ninkexelo. Merci infiniment encore une fois le chat, hein. Et toi, puis, bah, comme d'habitude. Merci à toi KX Merci KX Avec plaisir Avec plaisir Vous le savez très bien C'est avec plaisir euh, En tout cas On se retrouve nous La semaine prochaine Pour l'avant-dernière Avant les vacances euh, Évidemment, Cette archive hein, Cette live Va se retrouver sur Youtube Tout à l'heure À 4h30 du matin environ Chapitré De mon côté Je vous ai préparé Une petite vidéo Qui devait sortir mardi Elle arrive plutôt vendredi Dans l'après-midi si, si je me débrouille bien Dans laquelle Je vous parle de Street Fighter 6 Et d'infos D'infos vraiment sûres hein, Au sujet de Street Fighter 6 il n'y a pas de flèche hein. jaune non ah, Il flèches jaunes pas flèche jaune vous allez par exemple mmh. par exemple par exemple bref mmh. oui, vous avez préparé quelque chose mmh. et sinon et eh bien euh, euh, prenez soin de vous hein, et puis euh, rendez-vous la semaine prochaine hein, jeudi pour on fait le point euh, comme d'habitude des bisous à tout le monde des bisous à tout le monde merci beaucoup pour les follow j'ai vu hein, vous avez vu hein, j'ai enlevé j'ai enlevé l'alerte parce qu'il y a eu pas mal de retours ah. sur youtube hein, concernant l'alerte hein, et et puis voilà Merci à tous, bonne soirée et à la Des semaine bisous, prochaine. Bisous à la semaine prochaine. Salut. salut